va, donc Allez, c'est parti. Vamos. Vamos. Ibou. Ouais, mon Béto, prêt Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Arena ah, Podcast dans les coulisses du football, le podcast qui rencontre Ibou les acteurs du foot. Complètement. Aujourd'hui, on a un ex pro et que ça fait toujours immense plaisir. Je suis d'accord avec toi. C'est un top profil. Ouais. Et Écoute. en plus, il est marrant. On rigole déjà. On, on rigole déjà dans le studio euh, parce qu'il nous a fait transpirer déjà euh, depuis qu'il <laughs> est arrivé. Euh, et Et je sens qu'on va bien s'éclater aujourd'hui. Ah, oui. Nationalité tunisien, algérien, français. Ouais, il est complet. 38 ans aujourd'hui. Mètre 90, donc euh, c'est costaud. Hein. Un sacré bébé. Pas pas rigoler. Mmh. Formation Clairefontaine, et Strasbourg. Mmh. Et après on parcours que <laughs> on va découvrir ensemble. Équi euh, équipe nationale à partir du 16 jusqu'au 20. C'est ça. Après France Espoir euh, aussi mm -hmm. et le choix de euh, défendre les couleurs de l'Algérie. C'est avec un immense plaisir qu'on a ici avec nous Habib Belaïd. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être euh, d'être accueilli sur le podcast. Euh, on avait discuté il y a quelques quelques semaines pour ça et c'est euh, ça fait plaisir d'être là. Merci. Merci d'être venu. Top. Merci Habib. Et de partager euh, ces moments avec nous et et voilà, on va parcourir ton parcours et tes ouais. expériences. Qui est long, qui est, qui est euh, fructueuse. Riche, riche Non, très riche, riche. Très riche, très, comment dire, euh, à écouter. Ouais. Parce que ce n'est pas facile. Hein, malgré que les gens pensent que le foot, c'est quelque chose de facile, c'est très, très, très difficile. Mais euh, beau. Beau, parce que vivre de sa, de sa passion, c'est quelque chose qui n'est qui est pas de la tout le monde. C'était ton rêve depuis petit Pas du tout. Pas du tout. Normalement, c'est comme ça. Tu n'es pas le premier à dire. Pas du tout, du tout. J'étais pas du tout voler, J'étais quoi, pompier, Je voulais les avions. Pardon. Je voulais piloter les avions. Ah oui. Donc ça veut dire, à trembler en France, à bib. À un moment donné, il se dit. Je vais être pilote. Ah, j'ai tremblé en France, c'est 3 km de l'aéroport Charles de Gaulle. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était voilà. la transition exact que je faire. Exactement, ça Donc veut as dire as que. Donc, c'est toi en France à regarder au ciel ah, euh, le Quand le on était au... à l'école primaire, on voyait tous les matins à 11h30 démarrer le, le Concorde. Ah ouais. Ah, et qui faisait oui, un sacré bouquin. Et... Voilà, exactement. Donc, nous, on savait qu'on entendait démarrer le Concorde, 30 minutes après, on allait à la cantine. <laughs> on, on les entendait tous les matins, 11h30, jusqu'au jour où il y a le, 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 le crash. Ouais. Mais tous les matins, on savait qu'il y avait le Concorde qui allait démarrer. Et on le voyait partir de, ah de, oui. de notre école. Et puis après, bah, tous les avions que tu vois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, même au-delà de ça, c'est toujours un même petit qui m'a ai toujours aimé un peu l'évasion, le, le fait de découvrir pas mal de choses et tout ça. Et n'a ça pas tourné comme j'ai décidé. En fait, ça a été. Euh... <laughs> Je suis plus parti dans le football que dans, que dans cette, dans vrai cette vrai orientation. Encore, j'imagine que, le concorde, que ça, ça faisait rêver. Quoi. Ah le concorde ça, ça faisait rêver Ça faisait surtout beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Beaucoup ouais. de bruit, vraiment. Ouais. Vraiment, ça veut dire que les, les, les 45 secondes de la, la minute où... C'était particulier. Ah préférant. ouais, Ferrand. Ah ouais, oui, oui. Euh, tu l'entendais démarrer et t'avais les murs qui vibraient. Ah, oui. ah ouais, non, c'était très, très puissant, c'était très, très fort. <laughs> et puis après, bah, il démarrait, ah non, on va non. partir. Et, et c'était tous les jours, tous les jours à 11h30. <laughs> tous les jours de l'année, tous les jours de la vie à 11h30. Et le foot, il les, les rentre comment dans ta vie Le foot, comment il rentre dans ma vie Il rentre euh, bah, à l'école, oui. à l'école avec les copains, tout ça, en primaire. Et euh, au début, je faisais pas du foot, je faisais du karaté. Okay. Je faisais du karaté, sport de combat, que j'étais un enfant un peu. un peu, comment dire. Euh, j'ai beaucoup de vie. Ouais. beaucoup de vie un enfant très très Mais très tu très rapide les les sports euh, des combats en France il y a beaucoup de personnes qui pratiquent hein. ouais ouais, ouais. c'est tu, tu n'es les... pas le premier à dire ça hein. c'est je, je c pense que euh, c'est c'est le, les, les sports de les sports où nos parents pensaient que c'était des sports où ça pouvait nous calmer et nous voilà la discipline, discipline exactement parce beaucoup d'énergie en fait, exactement là. exactement ouais. et euh, un jour je suis parti faire une détection au Red Star ah oui ouais. Déjà bah, <laughs> En fait, on était dans 93, il y avait le Red Star 93, donc une équipe qui était à Saint-Ouen, le, ils ouvraient euh, à Bobigny aussi. Okay, donc okay. c'était beaucoup plus proche de chez moi. Et donc je suis parti euh, faire un essai, et puis c'est à vrai que j'ai été pris. Donc mais, la première licence que tu as eue, c'était à Tremblay suis... Non, c'était au Red Même Star. Ah, j'ai commencé au Red Star directement. Ah, okay. J'ai commencé le foot à 8 ans, je crois que j'étais en CE2. Donc fait 8-9 ans, peut-être comme ça. Ok. Ouais. J'ai commencé le foot à cet âge-là, pas avant. Et puis, euh, pour s'amuser, voilà... Et il s'est avéré que j'avais des qualités, mais euh, vraiment, là-bas, je n'étais pas prédisposé à être professionnel. Mm -mm. En tout cas, ce n'était pas ce qui m'était... Et à l'époque, le Red Star, c'était... À l'époque, On... c'était... Euh... On parle d'il y a 30 ans tu me tu 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 ah bah oui c'est ça j'ai 38 exactement, 38, exactement, voilà. exactement <laughs> j'ai failli, failli dire béton tu me vieillis mais pas du tout, ouais. je suis plus vieux que pas toi du tout, pas <laughs> du tout, non, non c'est vrai c'était il y a 30 ans c'était encore l'époque où on avait bah, les attaquants c'était Steve Marley ah oui. C'était encore en Ligue 2 mais la, 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 la très grosse équipe, euh, okay. il y avait encore le centre de formation de toutes les équipes en U15, U17 nationaux, bon niveau, quoi, exactement, au top niveau, en tout cas un club Ile-de-France, top niveau, vraiment top niveau. Et puis, euh, donc voilà, j'ai commencé à cette, cette époque-là à jouer. C'est ton père qui t'accompagne C'est mon père qui m'accompagne. Tu me dis, ouais, il y, y a une détection au foot. Il joue euh... au ballon Ouais, pas très fort, mais il joue au ballon. <laughs> le message est passé. Ouais, <laughs> il est pas très fort. <laughs> est mais euh, pas, pas, pas très fort, mais le premier critiqueur. Ah. ok. Voilà, et sûrement grâce à lui aussi que j'ai fait ce que, que je suis devenu, ce que je suis devenu, parce que la personne dont me... j'étais terrorisé sur le terrain, c'était mon père. Ah, c'est pas la première fois qu'on entend ouais. ça, quand même. Que les ouais. bah, les histoires le... s'y répètent. Mais. <laughs> mais... C'est un, mais... un vrai sujet. Mais, non, mais, vraiment, répète, mais, vraiment mais après, un... terroriser, pas dans le sens où euh, il était capable de me créer dessus sur le terrain quoi. Non, mm. il me laissait faire mon match. Par contre, après, après, après le retour dans la voiture, c'était ouais. wow, exigeant. Vois, et puis maintenant, quand je me rends compte, dit, il disait beaucoup n'importe quoi parce qu'il connaissait <laughs> pas le foot, en fait. Ah, <laughs> <il connaissait rire> pas le foot. Hein mais pour lui, voilà, il avait certaines valeurs que si je les mettais pas sur le terrain, j'avais rien à faire sur le terrain. Voilà. Ok. Donc, euh, donc voilà, heureusement qu'il a été là parce que c'est lui qui m'a c'est celui qui t'a poussé du coup un petit peu Ouais, complètement. Complètement, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était qui était derrière moi. Mm -hmm. euh, c'est pas pour ça que j'ai été pro, hein, parce que bon, on entend souvent oui, moi mes parents me poussaient pas, non. Mm -hmm. Non non, contrairement contraire, mon père était quelqu'un de très très dur. Euh, et mais pour le sport après, il, il s'en fichait. Okay. Il voulait que je sois bon sur le terrain, mm -hmm. mais pareil pour lui, c'est la Deuxième génération, mon père donc pour lui c'était pas important d'être euh, sportif. On parle mmh. d'une génération on arrive mmh. il voulait que je sois fort à l'école, bon à l'école, travaille bien travailler tout ça. Mmh. Et, euh, et voilà ça paraît. Il avait l'important le sport. il avait... Voilà le sport c'était important. Il Fallait pas être nul. Ah ouais. <laughs> voilà fallait pas être mauvais. Mmh. Par contre le sport c'est bien. Mais le plus important c'est l'école. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'il ouais, il avait les quand même. Voilà euh... le plus important c'est l'école. Ok. Donc euh, donc voilà. Et puis c'est avéré que bon bah on a avancé avancé jusque 12-13 ans puis les premiers étaient à Clairefontaine où c'est là où je me suis dit bah, peut-être qu'en fin de compte il euh, y a peut-être quelque chose quoi. Mais av fait. avant de rentrer avant d'arriver jusqu'à Clairefontaine peut-être en troisième année je pensais pas du tout avoir. Et un... tu étais toujours Red Star. J'étais toujours Red Star. Petite question grand frère physionique rien. Je suis premier j'ai une petite sœur okay. c'est tout. Tu jouais donc dans la roue, au collège, Exactement. à l'école et au Red Star. Et au Red Star. C'était ça ta ouais. okay. Par contre, tu jouais beaucoup. Tu jouais beaucoup ouais. Dans, ouais. dans la roue. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. dans la rue, c'était vrai vraiment C'est vrai, tu vas dire la rue, ouais. la rue. Répète après moi, la rue, <laughs> la rue. C non, ça va, on comprend, euh... on comprend. <laughs> Mais ça veut dire de dire on joue dans la roue, ouais. enfin, si on a la roue, c est dans la rue, c'est un truc qui tourne, <laughs> tu vois. Mais j'ai compris. <laughs> la rue. J'ai compris. Mais vraiment ouais. après, c'est vraiment le comment dire je pense que c'est là où tu t'affines le plus en fait. Okay. C'est là où tu te forges un vrai caractère. Parce qu'après c'est pareil, dans la rue, quand t'as pas de grand frère ou quoi que ce soit, oui. euh, tu dois te débrouiller tout seul. C'est imposé, quoi. Exactement. Après, j'ai toujours la chance d'avoir un gabarit qui était intéressant. <laughs> été posant, ouais, j'ai toujours été imposant. Je pense que je suis arrivé en 6 je faisais bien presque 1m70, peut-être. Donc, j'ai toujours été en avance euh, morphologiquement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh... ça aide. Oui, faut ça faut aide. Après, un... les pieds aussi aident. Les pieds aussi aident. Les pieds aident surtout Il fallait que ça suive aussi. Bah, ouais. Donc, du coup. Tu joues un petit peu quand même avec les copains. Je joue beaucoup avec les copains. Vraiment. Ça veut dire que j'avais. Autour de la maison. Ouais, j'avais entraînement euh, à l'époque, on avait entraînement mardi, euh, mardi, jeudi, peut-être match le samedi. Ouais. Le samedi après le match, j'étais au foot. Le dimanche, j'étais sur le terrain. Le lundi après l'école, j'étais au foot. Voilà, j'étais vraiment. vraiment C'est exactement ça. Mais tu penses que ça aide, ça ah, À complètement. progresser. Ouais. Tu vois la différence avec la, les, les petites aujourd'hui La ouais. pratique, non Ouais faut Pratiquer sait ouais, c'est pratiquer, mais, mais après, pratique pas en truc ton après. Quand je dis on pas. voit la différence avec les petits, parce que là, je aujourd'hui de travailler dans, dans, dans un club de foot <coughs> et euh, la finesse technique elle est différente, oui, elle est différente de jouer sur un peu sur du bitume, de jouer sur des choses. C'est vrai que tu dois t'habituer au rebond, tu vas pas tomber, donc ça forcément déjà tes appuis sont différents mm -hmm. parce que tomber sur du bitume bah, ça fait un peu mal, ça, mmh, tu vois donc euh, tu dois te tu dois faire en sorte. D'être bon sans te faire mal. Parce que si tu te fais mal et que tu rentres à la maison, que tu as déchiré ton pantalon ou déchiré tes baskets, bah, tu vas te faire disputer. Ouais. Tu vois Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans ta tête. Et aujourd'hui, tu peux passer, je pense, et je ne vais pas être le premier à le dire, hein, dans n'importe quel city-stade aujourd'hui, il y a beaucoup moins de joueurs de foot qu'avant. Mmh. Beaucoup moins. Tu peux voir des city-stades vides, alors qu'avant, c'était impossible. Vrai. Déjà, il y avait même pas de city-stade parce qu'on trouvait mmh. un petit bout. Oui, voilà. On trouvait un petit bout de. Tu rue, mettais des bancs, il y avait des bancs, de... des, des de, de, de manteaux, ça et, faisait un but, et, et, et voilà. Exactement, un petit bout C'est le plus beau sport. C'est ça. On a il a pas longtemps, j'étais en train de faire la balade, c'était des bouts d'après-midi, et j'ai passé à côté en City, vide. Vide J'étais putain, des bouts d'après-midi, vide. Ça m'a choqué, moi c'était ah, un, un gamins, samedi après-midi. Ah. Tu vois ah, ce que je samedi après-midi, 14h, exactement, pareil comme tu dis. Tu passes devant le City, le style est vide, tu te dis, mais sont où Et il faisait beau oui, imagine. oui, tu ah, vois, s'il oui, fait, oui, si, fait oui, moche ou quoi, bon, tu peux comprendre. Ouais. Mais il faisait beau, tu te dis, mais ils sont où les, ils sont où les gars ouais, Je ils sont pense qu'ils sont devant l'écran. Devant l'écran, devant les téléphones, à faire d'autres choses. À penser aussi que des fois, faire des séances individuelles, tu vas plus progresser, moi que non. Mmh. Mais si tu dis, une adversité, t'es là, c'est des petits terrains. Si t'es pas capable d'en sortir là. Mais tu penses que les parents, ils, ils servent plus leurs enfants aujourd'hui, moins peut-être de liberté mmh. Ouais, je pense. Parce que tu vois, on est à peu près la même génération, mais mmh. nous, on sort un peu plus à partir de 10 ans, 11 ans. Mmh. Tes parents te laissaient aller euh, taper un foot pendant une heure. Il y a peut-être moins, de, peut moins de tentations, moins de, de choses euh, malveillantes. Ouais. C'est-à-dire que nous, nos parents, on laissait sortir, ils savaient qu'on allait jouer au foot, on revenait. Point ça. barre. Aujourd'hui, un enfant, tu le laisses sortir, il se passe tellement de choses que tu ne sais pas où tu vas le retrouver. Mm -hmm. Donc si tu donnes des habitudes des 8, 9 ans, 10 ans à sortir et être tout seul, en bas, à 14, 15 ans, ce n'est plus les mêmes fréquentations, ce n'est plus les mêmes choses, il se passe beaucoup de choses. Donc je pense mm -hmm. que les parents aujourd'hui sont beaucoup plus euh, stricts, ils ont beaucoup plus peur. Mm -hmm beaucoup plus peur que nous à notre époque les parents c'est va jouer oui tu vois, va jouer. De la maison, vas voilà va jouer j'ai <laughs> envie de faire la sieste va jouer va jouer <laughs> tu vois, ça veut dire mon, daron, ah. mon, mon père pardon mm -hmm. mon père quand il rentrait du travail il n'a pas forcément envie d'entendre de bla, bla 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 donc va jouer mm. mais c'est pas forcément on va jouer dehors on va faire truc mets-toi devant la porte et fais des une fois par terre tu vois je et en fait moi j'ai grandi qu'avec avec ça ouais. je, autant j'allais sur le city autant des fois je montais avec deux trois potes on mettait je me rappelle on, tra on traçait... Euh, on traçait les lignes avec des feuilles. Oui. Tu vois, on prenait des feuilles, on traçait les lignes pour faire les lignes, pour faire un tennis ballon. Et on traçait avec des feuilles, je me rappelle. Mmh. Tu vois Et c'est comme ça, voilà, pour faire les limites du, du tennis ballon. Et on s'amusait à tennis ballon, deux touches, une touche, des brésiliennes, des oh. machins. <laughs> Aujourd'hui, f... je pense que je prends des petits, faire des brésiliennes, ça savent passer quoi ouais, tu, vois. tu vois ce que je veux dire C'est ouais. quand, quand même incroyable. Mmh. Comment tu veux affiner ta finesse technique, tes choses Et, et après, ils voient les joueurs à la télé, ils disent waouh, c'est super ce qu'ils font. Mais tu ne sais pas combien de fois il a tapé le ballon dans le mur, combien de fois il a tapé le, le ballon au plat du pied, à du pied. Comment tu euh... penses à Bébé qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire le joueur de foot Voir qu'il y a plein qui ne sont pas à fond euh... Parce qu'à ton époque, à notre époque, là, mmh. on était toujours tous sur le terrain. Mmh. On va dire en gros. Aujourd'hui, non. Je, je, je pense qu'aujourd'hui… Il y a moins de concurrence. Il y a un plus, de pense, plus de concurrence, je pense, ouais, aujourd'hui. Plus de concurrence. Oui, parce que tout le monde veut être footballeur. Tu et vois, ils je, je, je pense que se nous. ne pas à fond. Voilà, oui, c'est deux choses différentes. Ouais. Entre vouloir être footballeur, pour X ou Y raison je pense que généralement, c'est pas les bonnes. Mmh. Parce que je pense que les joueurs, ils pensent d'abord tout ce qui est argent, tout ce qui est autour du football, plutôt que ce qui ouais. se passe vraiment Donc sur le la mur. Mmh. Voilà. Ouais. Mais euh, ils sont beaucoup plus prêts à faire des séances en plus, des choses en plus. Voilà. Mais mentalement, ils sont pas prêts. Ouais. Ils sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas ils ont pas connu vraiment l'adversité que l'on peut connaître, comme je dis, dans la rue. Et mmh. c'est cette, mmh. cette rue-là, attention, je ne parle pas de la mauvaise rue, hein. je parle de la rue du foot. Ouais. Ouais, ouais. C'est cette rue-là qui te forge un caractère de, mais de ouf, en fait. C'est ça. Oui, avec tes copains, c'est l'après, une fois que tu as fait tes devoirs, tu sors, tu vas prendre le ballon. Donc, comme on a dit, c'est vraiment la bonne rue, mmh. c'est là où tu apprends, ta finesse. Et c'est celle-là où, où, aussi où tu vas apprendre à, à créer aussi. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a des joueurs... Qui crée moins, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais mais mais... aujourd'hui, on, on, on crée des athlètes. Voilà. C'est là que tu essaies, dans la rue. dans la rue que, que tu essaies. Que tu es à l'aise, que tu es avec drible. tes potes. Mais exactement, tu dis en mais euh, je vais essayer ça, ça marche. Euh, une roulette, voilà. un truc, machin. Oh, c'est pas mal, peut-être que je vais réussir, en fait. Mais aujourd'hui, comme ils ne sont plus sur le terrain et qu'ils sont, pour la plupart, sur des séances individuelles ou sur beaucoup de travail athlétique ou travail coordination, tout ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, il en faut. Mais la réalité. C'est un ballon en mouvement, un adversaire en mouvement, et c'est pas pareil. C'est la technique. C est... C est la technique. Exactement. La technique, Moi, j'étais défenseur central. Jusqu'au moment où on arrive au centre de formation où là, on te déforme un petit peu parce qu'on te dit que tu es défenseur, il faut que tu restes défenseur avant tout. Mais mon kiff, c'était driblé ouais. mmh. Défenseur central, mon kiff, c'était dribbler. Ça veut dire que quand je suis arrivé à Clairefontaine, mon, mon entraîneur à l'époque, M. Dussault, il pétait les plombs. Parce donc, que j'aimais trop dribbler dans ma, c'était bien, j'ai grandi comme ça, <laughs> j'aime le dribble, j'aime ça, c'est trop bien. Mm. Tant ouais. qu'il y a pas d'enjeu et tout ça, c'est bien, mais une fois que tu commences à rentrer au centre de formation, il faut rentrer, il faut gagner. <laughs> Là, le coach dit si écoute, as vu, si tu vas me dribbler, tu perds le ballon, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller t'asseoir et tout. Mm. Et puis, plus tu prends, t'arrives au centre de formation ou chez les pros, euh, ok, t'es bon, mais les mecs qui sont devant toi, forcément, ils sont forcément plus bons que toi aussi, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> tu vois ouais. Donc, euh, donc euh, fais ce que tu sais faire, défends bien et laisse les autres, les créateurs créer. Et donc, tu es au Red Star, tu es parti par la sélection de Clairefontaine. Ouais. Il y a le Red Star qui t'indique, j'imagine. C'était avec... ouais, mon coach à l'époque qui me dit euh, Bib, je vais t'envoyer hein, faire les, ouais. les tests à, à Clairefontaine. J'étais une génération, on avait, on avait des bons joueurs. Hein, moi, ma génération Red Star, il y avait euh, donc quand, mon temps eu 13 et on est trois à partir faire les tests. Un qui s'appelle Fabien, Fabien, euh, Fabien Paul, pardon, qui n'a pas, euh, pas été pro. Mm -hmm. Un autre qui a été pro, mais qui n'a pas été pris. Ah oui. Yoann Gouffrand. Ah, Yohan aussi Yohan c'est ouais. ma génération. On est en savoir à ça très, très, très jeune. Et je suis en menteur, menteur. Il y avait aussi Abu Dhabi. Ah, ok. Donc, toi, dans la même équipe. Yohan Gouffran, Abu Dhabi, moi, dans la même équipe au Red Star, en jeune. Donc, je peux te dire que c'était une bonne équipe. Bon, c'était pas, pas mal. Donc, ça faisait un par ligne en plus, tu vois. Euh... bout en 10, Yohan en 9, moi en 5 ou en 6. Tu vois, donc euh, la ouais, colonne vertébrale, ouais, elle, ouais. elle était tracée. Tu ouais, le vois, c'était tranquille. Hein. Oh, bah oui, c'était <laughs> génial. c'était Et puis après, qu'on monte après l'année d'après en U15. Euh, donc 15 premières première année donc au Red Star Abou lui part au PSG parce que euh, Abou c'était déjà top niveau donc le PSG le, le recrute le recrute et euh, on échange Abou par Alex Song donc imagine-toi un peu l'équipe qu'on avait déjà en jeu de Red Star tu vois Impressive. donc incroyable incroyable non non c'était vraiment euh, entrer à Clairefontaine c'était comment cette expérience là euh, entrer à Clairefontaine je l'ai souvent dit c'est quelque chose où euh... tu fais tous tes tests et tu te dis ok j'étais pris ouais mais papa mais... Au début, moi, tu crois pas, même. tu vois, tu. Ouais. C'est. Euh... À l'époque, Clairefontaine, c'était déjà quelque chose de spécial Pour certains, oh oui. c'était quelque chose de spécial, mais moi, je ne ah. connaissais pas du tout, en fait. Ah, ok. Tu vois, c'est quand mon entraîneur il me dit Ah, tu je vais t'envoyer à Clairefontaine, je dis Mais euh, quoi, Yves, ouais. c'est quoi ça ah du bah, Lac avec la Fontaine là, où il y a l'équipe de France et tout. je dis je sais pas du tout c'est quoi. Donc il appelle mon père et dit voilà, okay. Belaïd, on va me envoyer Habib faire euh, les tests et tout, mon père il dit c'est quoi C'est où Il me dit Fontaine, c'est 80 km. Tu commences enfin, chez nous, c'est presque 100 bornes de, de Tremblay ouais, tu ouais, vois. Ouais, 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 mon père réfléchit, t'as vu le calcul, ils se font vite avec mon père. <rire> <rire> donc là, je vais devoir ramener mon fils là-bas. Oh là, là 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 Et donc on est parti faire les, un test de test et puis après J'étais en sélection de Seine-Saint-Denis mmh, okay. et à l'époque, les euh, inter c'était euh, à Clairefontaine. Okay. Okay. Donc à partir de là, ils font aussi un gros gros écrémage et puis après on est arrivé sur, sur la fin des tests où on avait sauté quelques tours et, euh, et puis après on fait le stage de trois jours où le stage de 3 jours, tu vois, le, le, sur les 40 qu'on est, franchement, hein, sur les 40, ils en prennent 24 et sur les 16 qui n'ont pas été pris, il y en a peut-être 6 ou 7 qui ont, qui ont été, euh, été pros. Ah ouais? Alors qu'ils ne oui, sont pas rentrés à Clairefontaine, une... tu ah, vois. Oui, avec Jamel Abdoun, Gouffran, euh, mm. tu vois, des, des mecs euh, qui ont fait des belles, belles carrières après derrière, mm. tu vois. Mm, 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 euh, Stéphane Vincent aussi à Saint-Etienne. Donc, vraiment, c'était vraiment une, une belle, belle. Euh... Donc là, on est sur la génération 80. génération la 86. 86. La Génération à Clairefontaine où je pense qu'on a eu euh, sûrement euh, le plus de contrats professionnels. Oui. Cette ouais. génération est euh, ouais. meilleure hein. ouais. Fati. Ouais, exactement. Ricardo, euh, Quentin, Sébastien Basson. Mm. Olivier, euh... Elmi, euh, Greg Thomas qui a joué aussi au Mans. Euh, après l'Union Nationale, euh, ça fait Geoffrey, Jourdain, ouais. Abu Dhabi, Athem Ben Arfa, tu vois, ça fait beaucoup. Ouais, Athem Ben Arfa, ouais, il, il était de l'Union génération aussi. Il hein. était sur glacier, voilà, 87 mais sur avec le 86. Et il était sur glacier. Ouais. D'accord. Athem, je l'ai vu le dernier jour de des tests à Clairefontaine, Je l'avais jamais vu avant. Ah okay. Il était déjà là, à a fait les tests. Il a fait les tests Sur -classé à Surclassé dans l'entrée de Clairefontaine Sur classier mais ça veut dire que quand ah, il est ouais. arrivé, on fait le, le stage de 3 jours. Moi, je ne l'avais jamais vu. Mmh. Il était connu parce qu'il vient d'ici 92, donc ceux qui le connaissaient dans cette région-là, mmh. ils savaient qu'il y avait un petit qui était très très fort. Mais nous, dans l'autre côté, 93, Connaissait pas. on ne savait pas. Et donc, euh, il arrive, on voit l'arrivée, il fait le stage de trois jours, mais il ne fait pas le stage. Il vient que le dernier, la dernière matinée. Oh, putain le samedi matin. Donc il était sur des prix Je était pas des sur des stars, des prix et tout. Je savais pas comment c'était arrangé les choses. Je savais pas du tout. Et il arrive le samedi matin. Il fait un match. Bah, il met tout le monde d'accord en fait. Direct. <laughs> ah bah direct. Ah oui, est il fait un match. Il ouais. tout quoi. Et il prend le ballon, il drip tout le monde. <laughs> il prend le ballon ouais. avec un an de moins. Mmh. Donc euh, encore dernier plus retour. petit. Peu. Dernier jour. Dernier avec les meilleurs. Jour, jour. Jour. Avec les 40 il... meilleurs îles de France Tu vois Il <laughs> ouais. Il prend Il drippe tout le monde Tout le monde Rien à dire Mais non Incroyable. Donc moi je regarde je regarde Des euh, gens <laughs> que je connais Je dis mais c'est qui ce, ce Tu vois tu sais pas c'est qui euh, il, joue au, il joue à la CB Je crois à l'époque Où je sais plus jouer Ah mon, hum. non Mon rouge peut-être il a fait. Tournée, ouais, je, je sais plus dans je, quel. qu'il enfin, a fait Versailles un petit peu. Voilà, Versailles, mais... l'a fait après. Ouais. Après, quand il a attaqué la Fontaine pour jouer en 13 DH. Mm -hmm. Mais avant, dans son petit club, je crois que c'était Montrouge. Je ne sais pas du si c'était Montrouge. Mm -hmm. Mais si c'est un petit joueur à Montrouge, super fort et tout. Machin, je dis Ah non, nous on ne connaît pas, on est de l'autre côté et tout. Mais le petit arrivé c'était incroyable. <laughs> incroyable. Dribbler tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc on savait que lui, il bah, allait être pris. Hein. <laughs> c'était <laughs> le truc. Et après, on apprend bah, en fin de compte que c'était quelqu'un qui avait déjà un... à son âge, à 12 ans, c'était un top prospect, quoi, tu vois. Ouais. Prospect, et puis j'ai eu la chance d'avoir donc dans ma génération les je pense les Allez, y a, y a parce qu'il a quand même Thierry Henry et Kylian Mbappé qui sont aussi très 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 forts. Mm -hmm. Mais selon moi, les peut-être les deux plus grands talents de, de, de l'INF, ouais, Abu Dhabi et à Ben Arfa, ouais. c'est euh... parce que Djabi, toi tu l'as côtoyé, ouais, Djabi, on, joue, cou... on a joué ensemble, on avait ouais, 12-13 ans, ouais, déjà. donc toi déjà au Red Star, ouais, Abu Dhabi, il était comment Abu Dhabi, c'est euh... si tu dois le décrire. Pour moi, hein, sans déconner, oui, votre... c'est vraiment, je pense, le meilleur joueur de football que j'ai vu de ma vie. Ah oui. J'enlève Messi, j'enlève Rissano. Voilà, c'est deux, deux deux extraterrestres. Mm -hmm. Mis à part ça, c'est pour moi le meilleur joueur que j'ai vu. Il avait tout. Il On va vite. Jouer avec. Il va vite. Il saute haut. Il est technique. Il, il est puissant. Il est grand. Ouais. Voilà. S'il a pas eu les blessures, à je suis sûr. À il, niveau il, du foot, tu il... as joué avec lui jusqu'à quel âge On a joué ensemble jusqu'en espoir. Jusqu'en espoir, ou après, bah, lui il était à Auxerre, moi j'étais à Strasbourg. Dans Donc, à quand, 20 ans. Voilà, quand, quand on se voyait en équipe de France, on était ensemble, après, il y avait pas mal de blessures, même en jeune. Ouais. Donc, euh, il revenait souvent en équipe de France et tout. À chaque fois qu'il était apte, il nous rejoignait. Et puis après, en euh, jusqu'en espoir, et puis après, en espoir, lui il a continué. Euh, il a continué mais c'est vraiment le joueur le plus complet qui, à 100%, il n'y a pas beaucoup de joueurs à son niveau. Vraiment. mais gamins, il se blessait beaucoup déjà Ouais. Ouais, 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 il avait déjà. Il y a toujours eu une, une structure un peu fragile, quoi. Ouais, exactement. Après, c'était ça. Soit c'était Los Good, soit c'était quelque chose. Il y avait toujours une, il y avait quelque, quelque, chose, quelque chose, quelque chose, chose tu exactement. vois. Plus, était grand, il était filé. Exactement. Il était très exactement, exactement, exactement. Après, voilà, il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, mais je pense que c'est. Euh, pour Et moi, c'est vraiment, ça a été incroyable. Je pense que les gens ont été hein. vachement patients avec lui en plus à chaque fois. De toute façon, c'est fait... simple. Il comprenait pas, en fait. Je pense que. Je pense que c'est je... Wenger. Wenger à Arsenal, de... c'était incroyable. chaque fois qu'il était en fin de contrat, il lui refaisait signer un contrat un ouais. an ou deux il ans. Il se disait qu'un jour ou l'autre, il, il va peut-être arriver à jouer. Mais quoi. pourquoi Parce qu'il savait que le talent qu'il avait, c'était. Euh, exactement. C'est juste ça. Parce qu'il savait, Arsène Wenger, je pense qu'il s'est pas beaucoup trompé dans ses... mmh. dans ses... Dans ses... de chez les dans jeunes, justement, choix, dans voilà. ses choix. Mmh. Et il savait que ce homme-là, ce... c'était incroyable. Il fait à... ah, venir lui et Fabregas quasiment en ah même temps, je crois. On s'imagine un peu les deux joueurs. <laughs> avec Henri Devant et tout. Oh là, là, là <laughs> c'était une équipe de malades mentales qu'ils avaient les l'époque C'était vraiment incroyable. Mais ouais non, c et puis après à j'en parle pas à c'est Thème au niveau du talent pur, au niveau de, de, des qualités de techniques c'était au même moment, je pense euh, génération 87, c'est à un moment donné, c'était entre lui et Messi, les meilleurs 87 mon euh... monde, monde, monde. 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 Ah, je parle, ah, oui. monde, hein. je parle ouais. pas euh, euh, je parle monde. C'est-à-dire tu avais Athem et tu avais MC. Prospect 1, prospect 2. Oui. Ah non, c'était, oui. deux pieds gauche, de gauche et tout. Après, sur y des, des carrières diamétralement posées. Mais au niveau du talent pur, c'était... Uh, thème trop, trop, c'était trop incroyable. Vraiment. Trois ans à la Trois ans, toi, passé Trois ans. Oui, ouais, je fais trois ans. Et le week-end avec le head staff. Les deux premières années, oui. Après, après la dernière, et après, là, avec la la ouais. dernière année, c'est avec, avec, avec le championnat. championnat. De... Ouais. Et ça qui est paradoxal, c'est qu'on a ouais, véné le championnat de la Fontaine. Voilà, on fait, fait on fait championnat. Voilà. Euh, C'était eu 15 nationaux à l'époque euh, ouais. dans une poule. C'est ça qui est qui est, qui est qui est, euh, qui est bizarre avec la génération qu'on a eu. On est une génération collectivement nulle. Ah oui, vous n'avez pas gagné. <laughs> n'a rien gagné. On a pris des, des torgnoles, on a pris des claques. À Metz, on part 5-0. Des trucs, des trucs de fou! Mais individuellement, on était très très forts. Mais collectivement. Ouais. Comment expliques ça? Je sais pas. On pas ça n'a pas. On n'a pas réussi à trouver la symbiose de ah. l'équipe et tout ça. Les Galacticos, euh, quoi. Voilà, on n'a pas réussi à trouver ça. 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 ça passe pas lâche. Alors que la, la génération d'avant, ils gagnent le championnat, donc les 85. Il avait l'impression, g... quoi. La génération d'avant, les 84, ils, font, ils perdent en finale. Pendant la finale contre Lyon, les 84 et 85 qui gagnent la finale. Donc nous les 86, on est arrivé derrière. Ah oh bon, on a foiré. Nous. Et, et ça, à l'intérieur de Cléfontaine, c'était ah ben la perception, c'était quoi C'était oh les gars. Non, nous aussi on faire comme eux. Mais on peut pas. On n'était pas bon. Collectivement, nous n'étions pas bons. Mais individuellement, on était. Mais c'était un problème à l'intérieur de. Ah ouais, non mais c'est C'est non non ça c'est quelque chose qui arrive. Si on n'arrive pas à jouer ensemble, on n'arrive pas à jouer ensemble. Si le coach n'a pas réussi à nous faire évoluer ensemble, il n'a pas réussi. Mais comme je te dis après. Le but de Clairefontaine, c'est de former des joueurs professionnels. C'est ça. Former des joueurs pour l'équipe de France. Former des joueurs, tu vois. Mais ça reste la grosse vitrine, quoi. Oui. oui, Mais quand au bout du compte. Donc quand on voit que la vitrine ne marche pas. Oui, mais en face, c'était costaud, peut-être. Pas forcément. Parce que tu citais Metz et tout. Est-ce que ces centres-là, ils ne bossaient pas d'une manière. Qui fait que. Euh, il... non, mais je, 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 je pense sincèrement. Que... Il n'y a, a, a pas une grosse génération. Bah, à, de, à Metz, ils avaient de... déjà Sébastien Masson, qui était avec nous pendant deux années et qui a été après euh, qui a été viré au bout de la, première, de la deuxième année. Enfin, pas gardé, pas conservé, pas viré, qui n'a mmh. pas été conservé au bout de la deuxième année. Parce qu'il avait déjà signé que dans un club, donc c'était peut-être plus facile pour, euh, pour Claire Fontaine de ne le, de le, de pas le conserver. Mmh. Et il est parti à Metz, donc quand on a joué contre lui, son but c'est de, de nous massacrer. <laughs> il a pas raté, il nous a mis 5-0, donc il, il, il a vraiment réussi son, son, son pari. Ouais. Et ils avaient qui, euh, Mess Je me en rappelle, en c'était pas Pississicé devant, je crois. Et euh, Baba Oui, bien sûr qu'il y avait des bons joueurs aussi. Il y avait des bons, bons, bons joueurs aussi. Oui, voilà. mais... mais bon, on était Clairefontaine quand même. Eh, voilà. ouais, mais au bout du compte, tu représentais un peu et le, et ce qui la se passe dans l'île de France. Voilà. Et, le, et, le et au bout du de compte, France, tu, tu, de cette génération, tu formes deux internationaux A. Le concept Clairefontaine, il ne sert qu'à ça. Ok. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que euh, la, la fédération fait un, un centre pour aller nourrir le, le contingent des équipes de France. Okay. On était 3 ou 4 en sélection jusqu'en jeune, jusqu'en espoir, puis après les meilleurs, bah, à, à bout, sont partis en A. Mmh. Ils ont reçu leur travail. Donc c'était ça leur objectif. Tu vois ce que je veux dire, ils ont reçu leur travail. Ouais, mmh. C'est tout, hein on ne te demande pas plus. On te demande pas plus. Ah. Et c'est c'est groupe des 20 25 joueurs ça va sortir 3 2 3 et et c'est exactement et ça suffit c'est ça. Quand on arrive à Clairefontaine, on arrive, on est 24. Le premier discours de monsieur Dussault avant qu'on entre avec nos valises dans le dans le bâtiment. Écoute bien, le premier discours, hein, c'est Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les enfants. Vous êtes 24 aujourd'hui. Si il y a 4 professionnels, on a réussi notre travail. Ah oui, c'est déjà. Ah ouais pour les parents déjà ouais, pour je les pense parents, que tout le hein. monde se regarde déjà les parents ils se regardent ok <rire> <rire> ça sera qui les quatre <laughs> oui déjà <laughs> ça sera qui les quatre tu ouais. vois ouais. et de cette génération on a été 10 entre 10 je crois 10 et 13 à et très d'avoir signé un contrat professionnel ah ouais, ah ouais quand même d'avoir signé un contrat professionnel après il y en a qui ont plus joué ou moins et tout oui, quoi ouais, quoi ouais. Oh, mais, mais ils sont mais... sortis avec un contrat quoi c'est pour ça que je te dis individuellement on avait vraiment une belle génération mais euh, collectivement, on n'y arrivait pas euh, ça ne s'explique pas ça des fois ça s'explique pas c'est trois années que tu as passé là-bas c'est quoi, quoi les euh... souvenirs c'est ah très jeune, tu arrives à 13 arrive ans 13 ans, 16 ans euh, tu, tu, tu te forges en tant qu'homme qu dans un environnement où il n'y a que des hommes mm. et après tu demandes à des jeunes comme ça de bien se comporter quand ils partent de là mm. <laughs> c'est dur c'est pour ça que la vie de footballeur, elle n'est pas facile c'est pas, pas donné à tout le monde d'être footballeur. C'est pas donné à tout le monde de réussir dans un centre de formation. On te rentrer chez toi. c'était... Tu rentres chez toi, tu, 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 tu passes pour le, 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 le petit enfant idéal. Je vais te donner une anecdote que je n'ai pas souvent racontée. Euh, J'arrive en fin de troisième. J'arrive en fin de troisième et le collège, je me faire passer en BEP. Tu vois et euh... Pour mes parents, il était hors de question que j'aie en BEP. Ma mère, ma mère, elle voulait juste, dans ma vie, que j'aie mon bac c'était son objectif fallait que j'ai mon bac si j'ai mon bac après je pouvais faire, faire ce que vous voulez ce que je voulais et donc ils sont convoqués au, au collège et euh, ma mère elle arrive et forcément la prof elle lui raconte bah, tout ce que j'ai fait pendant l'année <laughs> <laughs> mais forcément un vrai bilan pour justifier hein. <laughs> ma mère elle sort de truc et moi j'étais pas dans la salle il y avait mon père ma mère et, euh, et donc la prof et moi, j'attends à côté, Je suis dehors du collège, je suis dans la voiture, j'attends. Et je vois que mes parents ils reviennent. Mon père, il, il était, mon père, il était strict, mais bon, il disait rien parce que voilà, il savait que j'étais bon au foot et tout, donc c'était, c'était différent. Et je vois ma mère revenir entre le bureau de la prof, donc entre la sortie de, de la classe et jusqu'à la voiture. Ma mère, elle est toute petite, à famille de 60. Donc quand elle marche, c'est mais là, elle avec un pas déterminé. <laughs> Donc, je Donc je savais que j'allais passer un sale quart d'heure. Écoutez ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit... Habib, ça fait deux ans que je t'ai laissé partir. Tu rentrais le week-end, t'étais tout gentil. Je pensais que t'étais quelqu'un de gentil et tout ça. Elle m'a dit, ta maîtresse, elle vient de me raconter. Elle m'a dit, t'as pas eu honte de me laisser moi aller voir ta maîtresse, sachant tout ce que tu fais en classe et comment tu te comportes. J'ai dit, euh, ouais, quand je suis à la maison, je suis, un, je suis, je suis, je suis normal. Je ne vais, je vais pas me comporter à la maison comme je vais me comporter dehors, tu vois. Je suis un peu fermé sur le coup parce que pas n'allais pas faire le malin. Et, euh, et voilà, et à partir de là, bon, après, on a, ils ont discuté et tout. Ils ont, je suis quand même parti en général. J'ai réussi à avoir mon bac. J'ai fait une licence derrière, donc c'était pas trop ça mal. Va, va. Mais sur le coup, ouais. comme je te dit, tu es là, tu es que entre hommes, tu es que entre garçons. Donc tu te forges et tu te formes que entre nous. L'école te fait rembourrer ah oui, je me fais renvoyer moi. Moi je me fais renvoyer. Euh, non, à Rambouillet, à, Rambouillet. à Rambouillet. Ah, à Rambouillet. L'école ah, oui. ouais. est à Rambouillet, le, le ouais. collège. En fait, on a fait trois collèges. La première année, on arrive au Nou Après ouais. aux le contrat avec, la fond... avec euh, le centre est fini. Donc on est envoyé à Rambouillet. Et puis après, euh, on est au troisième. Et puis après, le troisième, on part au lycée. Donc on a fait vraiment pendant okay. quatre ans, on a fait trois, trois, trois collèges <laughs> différents. Quoi. Okay. Mais, euh... Mais non, c'est vrai que c'était vraiment, vraiment, vraiment des, des, des belles années. Des mm -hmm. qui entre potes tout le temps. Il y avait un, un, un stress de savoir que tous les ans, si tu allais être conservé ou pas, tu devais euh, remplir certains critères pour pouvoir ouais, ouais, ouais. rester Il y a le stress de ch à, ch à chaque fin d'année. Je pense que moi, personnellement, ça a été la première année où c'était plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non. Dans le sens où euh, j'ai eu le plus de pression. Parce qu'auquel okay, arrive, même si tu es un bon joueur et que tu ne sais pas vraiment qui va rester, qui ne va, va pas rester, on ne le sait pas du tout. Ça veut dire qu'on n'a on a aucun indicateur mm -hmm. qui te dit que toi tu vas rester ou pas. Okay. Ça veut dire que tu le sais vraiment au dernier moment. Et quand euh, ils appellent tes parents ou tu reçois un courrier chez toi, tu vois, donc, euh, donc quand, quand on fait, quand on fait la, la réunion de fin de fin d'année, on est, écoute, on fait la réunion de fin d'année, mmh. et euh, donc il y a Monsieur dussault il y a tout le monde. Je me rappellerai toute ma vie, je suis à côté de Jonathan coquet <laughs> Je me rappellerai de toute ma vie. Et on fait la réunion et il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, tu vois. Et Monsieur dussault il commence à parler et t'as vu il a son intonation de d'ancien et ses anecdotes puis les caresses voilà plus, hein. exactement et à un moment donné il sort à Nabil Hamzi je me rappelle Il dit « Nabil parce qu'il fait le tour de tout le monde là il dit pas il dit pas toi tu vas te virer quoi mais en tout cas il fait vraiment le bilan de tout le monde et il arrive sur, un, sur Nabil Hamzi il lui dit Nabil toi je comprends pas ça fait un an donc déjà il dit ça et moi je et ma tête commence et, et, et je me retiens. Écoute, je me retiens. Et je me rappelle, je mets, ma, je, mets mes bras dans, je mets ma tête dans mes bras. Et lui dit quand je te dis taper doucement. Non, quand je te dis taper fort, tu tapes doucement. Et lui dit, quand je te dis, de taper, fort, dit, je dis de taper fort... Non, quand je te dis taper... L'inverse. Quand je te dis de taper fort, mmh. je tape doucement. Mmh. Et quand je te taper doucement, il dit, mais... mais tu frappes comme une mini Et il dit ça dans, le, dans, 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 dans la salle de classe, tu vois. Et moi et c'est là et je me rappelle y coquel est à côté de moi et je fais <laughs> et lui wouah, il s'éclate de rire donc dernière réunion devant tout le monde tout le monde a la pression et moi je m'éclate de rire avec Coquel, là et c'était vraiment tu... mais il y avait trop de trop de et c'est la seule année vraiment où j'ai eu la pression ouais. parce qu'après en deuxième année ça a été ça a été différent parce que j'avais fait des bêtises à l'école et euh, j'avais fait des bêtises à l'école et j'avais été euh, convoqué justement par le par le principal par monsieur par monsieur Dussault et tout ça et euh, malgré cette bêtise, euh, en fait, il convoque mon père pour lui dire euh, Voilà, j'ai été viré de, été viré trois jours, euh, parce que j'avais triché, hein, tout simplement, chose que je jamais fait de ma vie. Mmh. J'avais triché au brevet blanc, et euh, il voulait me renvoyer directement de, de Clairefontaine, de trois jours du collège. Mais à Clairefontaine, quand t'es viré trois jours, t'es viré de Clairefontaine. Ah ok Non mais, mais pas, pas t'es viré au moins oui. jusqu'à la fin de semaine tu rentres J chez toi Juste la suspension Voilà, voilà. Le, temps, ah. le temps que t'es viré du collège, t'es viré, viré du centre Et après généralement cette, cette bêtise là fait que tu peux aussi te retrouver euh, Toi dans le collimateur pour être viré en fin de saison tu vois ah. okay. et, euh, et donc moi je vais voir un monsieur du Il me dit appelle ton père, tu dis qu'il vient te chercher tout de suite Je dis monsieur si mon père vient me chercher Vous êtes sûr à 99,9% que je vais plus jamais revenir avec la fontaine Il me dit pourquoi Parce okay. qu'il va me tuer je <laughs> lui je dis, dis c'est clair, il va me tuer, il va me tuer. Donc il me dit, appelle-le, tu lui préviens tout de suite. Je dis que vendredi je vais le voir. Je dis ok. Donc je l'appelle, papa, ouais, nanana, je commence à pleurer au téléphone, de, hey, papa, je fais de conneries. Papa, me papa. dit, ah, qu'est-ce qu'il y a je Dis, ouais, le coach, Monsieur Nso il veut te voir vendredi et tout euh, pour discuter avec toi. Il dit ok. Donc la semaine c'est fini, on était le mardi, j'arrive jusqu'au vendredi. Vendredi, mon père, il est, je le vois arriver. Je le vois arriver, donc il est à la fin de l'entraînement. Mmh. Je vais lui dire bonjour, je ne me calcule pas. Visage <laughs> fermé. Tu vois, vraiment énervé. Donc là, je disais que je vais passer un sale quart d'heure. On rentre exactement, quasiment à la même disposition. Ça veut dire, monsieur Dussault est là, mon père il est là, et moi, je suis là. Je me mets bien à distance de bras de mon père, parce que mon père il, <laughs> il, avait, il avait la, la, la gifle facile, il avait la gifle facile, ça ça assez et, euh, et donc il discute, il discute, il discute, je me prends, je me prends le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, feu jusqu'au moment où le mec il dit ouais, euh, monsieur Tissot il dit euh, « pour te punir je te prive de préférence » parce qu'en fait, fait on avait fait le tournoi interligue France mmh. on avait fait l'interligue ça veut dire Île-de-France, euh, Île, de France, euh, île de aquitaine Île du Nord et tout okay. Après, Après prennent les meilleurs joueurs et ils les prennent, euh, ils prennent 40 joueurs ou 50 joueurs je crois mmh. pour faire euh, partie de l'équipe de France de ce sera en U16. La préférence okay. hein. voilà donc après après, bah, après, après, après sélection voilà, pour, pour les France, France. exactement. Et donc euh, moi je dis euh, dit, ouais, tu te, je te prive de pré France et tout. Quand il entend ça mon père il vrille. Mon père il se dit en tête purée, il va pas faire ça. moi quand j'entends ça je rigole parce que tu, sais que tu restes exactement et ton père il est... mon père et mon, mon père il est... non mais lui il était déjà dans le rouge ton père. voilà mon père est voilà donc il ça veut dire ce, ce, que ce, ce truc là il n'a pas compris la logique moi quand ça. il dit ça moi j'esquisse un sourire j'ai bon. ouais. un sourire je me dis ça veut dire que je reste ouais ça ouais, parce que ça veut dire que j'ai le potentiel pour une équipe de France ça veut dire qu'ils vont jamais virer si 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 toi tout faire exactement moi ça fait ça fait ça vite percuté dans mon ouais, cerveau ouais. mais mon père il a pas percuté <laughs> il a pas percuté du tout du tout du tout du tout du tout, du tout. lui dans sa tête c'était il va prendre l'équipe de France c'était que ça dans sa tête il a compris et donc il dit voilà donc je te prise de près France et tout machin donc il y avait il y avait eu deux stages il allais pas après j'ai intégré au, à la deuxième sélection j'ai intégré tout de suite l'équipe de France mais et je me rappellerai toujours Monsieur du, Dusoula avait dit à mon père Monsieur Belaïd Allez vous ne disputez pas. Hein. Mon père il dit non, vous inquiétez pas. <laughs> Mais dans le non », une... on sait que c'est du mensonge. On sait tous. On sait tous que c'est du mensonge. Il dit, monsieur Mélade, vous... non, vous inquiétez pas, vous, vous inquiétez pas. Voilà. Mon monsieur a dit, dis-toi là. <laughs> Elle dit voilà, ah, okay, c'est vrai voilà, Elle dit, yeah. Elle dit, non dites le bien, Elle dit voilà well, je ne t'en prépare pas et tout, machin. <laughs> après on est parti, bon il ne pas taper ce jour là, mais le week-end je, je suis resté quand même assez, euh, assez truc. et puis après ça s'est passé, donc j'ai gardé en deuxième année, après la troisième année avec la nous ça ça a été, euh, l'équipe de France, le lycée et tout, machin et c'est à partir de vraiment ce moment là, ouais. où moi je, quand j'ai fait mes, mes premières sélections en équipe de France, où je me suis dit, bah, peut-être qu'en fin de compte, je peux commencer à penser à, à faire ma carte de footballeur, et ça n'a pas été avant. 14-15 ans. Le déclic c'était là C'est là. Où tu t'es vraiment ah, bah, dit… A partir du moment où je, moi, je suis rentré en troisième année, mm -hmm. c'est là où je me suis dit en fait je vais peut-être me consacrer à ça. Est-ce que t'as des agents autour là qui, qui te regardent Ah oui, t'as as, as une multitude est d'agents. Est-ce que t'es qui... sollicité par des clubs En troisième Deux année Deuxième année, en Deux trois... années, non Ben bah, non, j'étais Red Star. Oui, bah, oui. Non, le, mais je veux dire, même le, pas les agents… Il y a pas des jeunes, invitations le, déjà Le, le Red Star c'est un club pro oui à l'époque donc tu peux pas recevoir c'est à dire que même quand il y avait des clubs qui venaient pour m'envoyer des trucs et tout là, je ne pouvais pas par le Red Star ah, tu non, pouvais donc pas. Un impossible c'est un... encore professionnel cest même des fois pour aller sur des tournois et tout ça tu pouvais pas y aller D'accord. Ouais. moi j'avais tous mes potes de Clairefontaine qui partaient faire des tournois le tournoi de Sens le tournoi truc le machin les beaux tournois et, et tout toi tu étais ouais. bloqué je avec, avec le Red Star je pouvais pas ah, okay. je pouvais pas y aller j'avais pas le droit hum. après c'est pas grave euh... oui si c'est des choses qui bah oui si j'avais dans une structure professionnelle il n'y a pas de problème je rentre en troisième année le Red Star son statut pro ah. Donc à partir de là, cela fait ça a J'arrive donc j'arrive en équipe de France U16 et je suis le seul international français de l'équipe qui n'est pas en club qui n'est pas en club. il a dire que de moi Avalanche je suis des moi agents sur euh, quand sur mon truc c'est marqué euh, donc euh, tu as la liste de tous les joueurs, tu vois, Un tel euh, le FC, euh, Olympique Lyonnais, toi, un tel est Paris Saint-Germain, c'est marqué quoi Clair Clairefontaine. OK. Yannick Clarfontaine. Aucune affiliation. Vraiment. Voilà. À partir de là, ça a été. Euh... T'es parti. Ah oui, c'était parti. Enfin, moi, j'étais nulle part. Moi, j'ai visité franchement 3 ou 4 centres. Mais mon père, il a fait le tour de la France. Il a fait le tour de la France, le tour de l'Europe. Hein ah oui. Ah, tous les, toutes et les et semaines, et il partait. Il prenait ma mère, et... il disait Allez, viens, on va en week-end. Il partait à Guingamp, à Monaco, à Marseille. Marseille, partout, partout, partout. partout parce parce qu'il était invité pour aller visiter les anciens. Ouais, c'est ça. Exactement. Il toi, c'était où pendant ce temps-là Moi, je jouais le week-end avec le Red Star et tout. Et mon père, lui, en fait, il a tout écrémé tout écrit sauf en Angleterre où on est parti tous les deux avec Ricardo aussi son père aussi mmh. où il a, il a tout écrit bien enfin pour me dire voilà t'as deux propositions ça toi de choisir. donc okay. les meilleurs nous. Pour... Voilà. et quand ça commence à tomber ces invitations et mmh. des appels téléphoniques euh, chez toi ouais. vers tes parents là ils sont dit oh pas au petit est vraiment bon c'est exact c'est à partir de là où je me suis je me suis dit que toi je, et voilà, eux, voilà. la famille quoi bah, et allez on y va quoi ma mère pas du tout Ma mère, ah, mère c'est encore... faux. Va à ton bac. Elle était oui, encore dans va, les codes. Va, si t'as ton bac, tu fais ce que tu veux. Le jour où j'ai eu mon bac, je dis à ma mère, je dis à ma mère, Tiens, maintenant tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Ouais. Mais ton père, à partir de ces points-là, de cette année, et il a, a commencé exactement, dire, oh, à se dire ah, Peut-être en fin de compte, le fiston. Et puis après, il commence. Et puis, ouais. c'est peut-être pas les mêmes sommes que maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de foot, oui. beaucoup plus d'argent, tu oui. vois. Oui. Mais oui. il y avait quand même des, des, des belles sommes. Ah oui. Donc, mmh. euh, bien ouais, sûr. Bon, mon père euh, travaille à l'usine. Hein, euh, ouais, euh, euh, on, pr on propose des Je vais pas parler d'argent, mais après des belles sommes mmh. Dans ton cerveau Ça fait ah oui. Ok. Parce qu'à la base, mon père dans sa vie, c'est travaille bien à l'école pour avoir un bon métier. C'est mmh. comme ça. Il pense que comme ça. Ouais, ouais, ouais. Comme ouais Tous ton... les parents. Avec... Exactement. <laughs> Exactement. Non, parce que maintenant, ils pensent plus comme ça les parents. C'est pas comme tous les parents. Maintenant, les parents ne pensent plus comme ça. Ils pensent plus oh, leurs enfants travaillent bien à l'école pour avoir un bon métier ou travaillent bien à l'école pour vous en sortir. Non non, ils envoient ils... au foot direct Exactement. Ah, tu parles quand ouais. il y a Aujourd dans football, Voilà, aujourd'hui, c'est différent. Moi, mon père, ça a été là pour dire il s'est ah oh, ouais. Donc, là, on a des vraies des, des sommes. Euh, ouais. Mon fils, il a 15 ans ou 16 ans. Peut-être que les prochaines, il y a plus d'argent que moi, déjà. Ouais. C'est comme ça qu'il a pensé. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, ça a été, ça a été, ça a été rapide. Ça pourra aller vite, quoi. Hein. Ça a été très rapide. Et donc, après, évidemment, ouais, qu'elle fait vraiment fait tout le, le tour de la France, le tour de l'Europe. Ton père il fait le tour de la France et l'Europe. Tour de, la de France. Tour Quand de on la parle France. Angleterre, Espagne. Espagne J'ai fait Angleterre, Espagne, Italie. Angleterre, Espagne, Italie. Il est parti visiter dans les clubs et tout. Machin. Ah non, il y, avait, il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de clubs. International français, sans. Affiliation, un club professionnel. Et quand tu parles d'Italie-Espagne, tu parles de Real Madrid, <coughs> AC Milan, tu parles des clubs comme ça bah, ou... L'Italie, c'était des beaux clubs. Il y avait la c Milan, il y avait la Fiorentina à l'époque, il y avait. Euh... Non, non, j'avais des, des, beaux, des, des beaux clubs. En Angleterre, il y avait Bolton, il y avait. À l'époque, c'était des, des bons clubs. Mmh, Bolton, ouais. Boro, euh... Blackburn, je suis parti aussi, je suis parti visiter. Ouais. Bah, on a... Ça, on a fait avec Ricardo, ça. On avait mmh. des, 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 vraiment des beaux, des, des beaux clubs. Et puis en France, bah, c'était. En que France, c'est Lens, Lens, Lille, Monaco, euh, Paris, Reims, non, pas Reims, non, Strasbourg, Nantes, euh, Auxerre. J'avais tous les maillots. Ah ouais. J'avais, <laughs> tous les maillots. J'avais ah oui. tous les maillots. <laughs> tous les cadeaux quoi. Ouais. J'avais tous les maillots. Qui t'invitaient à tous les. Ils invitaient mon père et puis à chaque fois il lui donnait un maillot, mon père me ramenait tiens le maillot d'entel, le maillot d'entel, le maillot d'entel et tout. J'avais tous les maillots. Incroyable. C'était entre, mais c était, c était, c après c'est normal. Ouais, bah oui. Ouais. Par exemple, euh, Rennes. Quand mon père va à Rennes. Mon Père va à Rennes avec monsieur Rampillon et lui dit euh, On va récupérer votre fils et tout machin. Mon père lui dit Mais pourquoi vous voulez mon fils Je dis Parce que c'est un bon joueur. Je Ouais, c'est un bon joueur, Mais il y a qui avec... Vous avez déjà fait signer Olivier NCA qui est dans ma promotion. Mm -hmm. Et au-dessus, il y a Jacques Fatih. Il va jouer comme mon fils en pro. Ah, c'est ça. ne bon, les connaissait pas, ton euh... père. Il y avait un agent avec ton père Non, non. C'était ton Le père, père. Premier contrat à Strasbourg, c'est lui qui l'a fait de A à Z. Écoute, il bien. <laughs> j'ai eu le meilleur contrat du club, bien sûr qu'il était bien. C'est étonnant parce que… J'ai eu le dernier, je crois que j'ai eu… n'était pas dans le footballon, mais dans l'affaire mais... de contrat, il et était il y a des zéros, des machins de... et tout, intérêt de mon <laughs> fils. oui, c'était comme <laughs> ça. Non, mais surtout, ah oui. mais réfléchis par rapport à ça. Ah, mais bien sûr. Il a un défenseur là, il était avant, quoi. Il, Exactement. Il, il, a était pensé, avant. il a pensé comme ça. Il dit, ouais, vous voulez mon fils, très bien. C'est pas tout. la en chiffre. En plus, Rennes... regardez le parcours. Et Rennes… Qu'est-ce qu'il va faire Rennes, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le top, euh, top 3 des personnes de formation de France, oui. hein, c'est très bien. Donc Mon père il dit voilà, vous voulez. Euh... Jacques Fati vient de signer chez vous, champion du monde du 17. Il va jouer comme, mon fils Voilà. Il va jouer quand mmh. Ça peut être basique, mais il, a certain il a mais, pas, est certain qu'il n'est pas assez Mais oui, ouais. mais tu vois ce que je veux dire C'est tellement. Euh... C'était pas déconnant, quoi. Mais bien sûr. Et après, donc, il fait, il fait tout le truc, il fait tout le. Et puis après, il arrive avec les deux dossiers FC Nantes et Racing Club de Strasbourg. Et il me dit, alors voilà, c'est ça, c'est les trucs. Il me dit, au niveau de ta progression, voilà là, tu reprends en 18 ans, l'année semaine prochaine. Tu as le possibilité d'intégrer les, les équipes CFA et tout. Alors j'avais 16 ans, tu vois. Mm -hmm. Les équipes CFA à Strasbourg. Nantes, ils mettent un peu plus de temps, mais bon, le projet, il est bien. Il est truc. Et, les trucs. et euh, après, j'ai choisi Strasbourg. Mais c'était, voilà. Il avait tout écrémé par rapport à tous les discours de tous les directeurs de formation de, 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 qu'il avait rencontrés. Okay. Bravo, papa. Wow, et, bravo, il papa. A et tout seul. Tout seul, sans agent, sans rien. Putain. Et il me sort le contrat où j'avais signé un contrat espoir. Je crois que je crois que je suis le dernier contrat espoir à avoir signé. Parce qu'après, ça a changé. C'était pas si un contrat élite, je crois, deux ans aspirant plus trois ans pro, tout mmh. comme ça. Ça, ça va changer après. Mmh. Et c'est bon qui y eu le dernier contrat espoir de France. Ah ouais mmh. Un contrat de 5 ans. Ouais, ouais. 5 ans, aussi ouais. 5 ans. Jusqu'à 5 ans, Strasbourg. Et ça, ça te protège ouais. quand même, 5 ans Ouais. aussi, à 5 ans. Et toi, tu étais je content d'avoir un contrat de 5 ans Ouais. Ça parce que préférer? je crois que pour moi, c'était important. Mais parce que, en fait, tout le monde signait espoir à l'époque. Tu vois mmh. Quand les mecs ils étaient à Clairefontaine, t'entendais parler, ouais, moi j'ai signé Espoir là, j'ai signé Espoir là, l'aspirant, donc ta tête, tu dis, c'est ce qu'il faut, Espoir. Ce qui te... enfin, en fait, le contre ouais. Espoir par rapport à, à ce qu'ils te proposent dans la charte avant de négociation, okay. tu es déjà dans un contrat où tu es au-dessus d'un aspirant ou au-dessus au d'un stagiaire. Ça. Donc forcément, si tu es Espoir, c'est qu'ils mettent plus d'espoir de, 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 de en, oui. en, en toi, ouais, forcément, toi. tu vois c est c est ce que je veux ouais. dire. C est c est ouais. Donc quand tu arrives dans un club avec ce, 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 ce statut-là, mmh. à niveau égal, c'est toi qui va passer. Ouais. C'est ça. Tu seras prêt à Si, clair, il, et... si ouais. il te donne de l'argent avant de tenir contrat, tu as une prime à la signature, ta machin et tout, à un niveau égal, c'est toi qui passeras. Toi, où à la signature Ouais. Ah oui, avec toutes ces offres. Ouais. Enfin, et ton père, il a négocié ça aussi Mon hein père, il a tout négocié de A mais à Z. Je Tu peux pas garantir mmh. qu'il y encore aujourd'hui, mmh. il y a qui saute ça, hein, mmh. qui n'est pas au courant. Ah, des parents qui arrivent là pour négocier, pas d'argent, et qui... Après, ils vont dire Ah, je ne savais pas que je hein pouvais demander ça. Mais aujourd'hui, il y a deux façons de négocier. Il hein. y a la façon de négocier où tu veux que tu aies l'argent. Oui. Et, et que... mon, père, mon père, il a fait. Projet. Pas sa sa force de pro... ça a été le projet pour son fils. Mm. Tu vois par contre, après, il avait une relation avec, euh, avec les directeurs de son de formation, les coachs de la truc, qui était très très, très, très proche, parce qu'il a découvert les choses au voilà. fil et à mesure, j'imagine. Mais, mais je pense que le fait de faire le tour, il a peut-être eu plein de tips qui lui ont permis de construire un peu exactement. plus le projet. Exactement, c'est exactement. exactement ça. Et après, exactement. Exactement ça. Et après, il a permis de dire, voilà, voilà. c'est bon, passe, voilà ce que ça, je pas bon. Mais c'est, Mais euh, voilà, ça a été franchement, comme ça, le jour où il est venu me dire, euh, Abib, est-ce que je peux prendre un peu d'argent pour une... Bon, acheter une voiture bah, euh, mon père, <laughs> c'est grâce à toi que je suis là. Bien sûr que oui, tu vas t'acheter une voiture, c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est mmh. normal. Mmh. Parce que c'est lui qui a tout fait. de ah, Et je me rappelle que quand j'ai signé avec un agent à 17-18 ans, parce qu'à un moment donné, il faut te mettre des gars qui connaît les lois, qui connaît tout ça, qui connaît plein de choses. Mmh. Quand le mec va me mon contrat, il dit Mais c'est un contrat de fou que vous avez fait, monsieur Belayne. Ah oui. Il lui dit Vous avez fait un contrat de fou. Mon contrat, il était béton. Ça veut dire que euh, autant au niveau de ce qui allait se passer. Dans, dans, le dans, le projet, là, voilà, ouais. dans le projet, voilà, dans le projet, autant au niveau euh, financier. Et me fait un contrat de fou. Il me ah bah, euh, c'est mon fils quand même. <laughs> Et je dis, je, je, je <laughs> protège l'intérêt de mon fils. C'est juste ça. ça. Non, mais il était intelligent, quoi. Ouais, Bravo. Oui. Mmh. Ah non, franchement, il a été il a intelligent. Été, quoi. Il a été très, très bon sur ça. Et puis voilà, comme dit, quand t'es espoir, euh, qu'à un moment donné, enfin, moi, la chance que j'ai eue, la chance, ça fait partie du, 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 du sport, hein, ça fait partie du foot. Mmh. Quand je commence à intégrer l'équipe professionnelle au niveau des entraînements et tout, Camboré se fait virer de Strasbourg. Et quand Camboré se fait virer, c'est Jackie du qui récupère l'équipe première. Mm -hmm. Jackie dugué c'est lui qui a fait tout le micmac pour que je signe à Strasbourg. Pour qui ne connaît pas, c'est ah les oui. coachs de l'équipe une. Voilà. C'est ça. C'est lui, lui qui a été responsable du, de, de tout le recrutement, okay. que ce soit des pros ou chez les jeunes. Donc c'est lui que tu avais eu en visite depuis que tu as signé, quoi. Exactement c'est-à-dire quand je suis arrivé il m'a pris sous son aile comme son fils il m'a fait la misère mais, mais il m'a pris comme son fils voilà et j'ai eu cette chance-là c'est lui qui m'a annoncé quoi c'est important après. ça aussi parce qu'on hein, oui. a déjà vu ici euh, chez arena à des directeurs sportifs qui changent pendant hmm. que les jeunes sont là et que ça change complètement ça change pas. toute la dynamique et donc tôt, et toi, toi aussi carrière, cette chance mais, mais, mais ça change la carrière les choix et les toi aussi regarde. cette chance que, que les là c'était ce positif pour toi et là. Et ah oui, ouais. oui. Et et bien sûr bien ces temps là c'est ce qui fait ça c'est lui qui me lance la première fois 17 ans 18 ans je crois ouais. il me lance en coupe de France contre 3. où je suis euh, il me fait jouer latéral gauche où je suis un match éclaté je suis nul euh... parce que es droitier ou gaucher moi ouais, je suis droitier mmh. euh, ouais je suis droitier je suis pas bon du tout j'ai 17 18 ans premier match latéral gauche sur au bout de 50 minutes ça veut dire que en tant que jeune tu peux dire oh là là t'es vraiment là dans la, la, la tête dans le trou quoi tu vois mmh. et euh, Malgré tout, je continue à m'entraîner, 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 m'entraîner. Et j'ai pas eu ma chance juste pendant un an. Ah ouais. J'étais sur le banc, sur le banc toute l'année, les matchs, Pendant un an. Tu joues et un peu avec la réserve à chaque fois Je joue avec la réserve à chaque fois. J'entraînais le avec les pros. Ah ouais, je ouais. m'entraînais avec les pros. J'étais sur le banc le samedi. Là, je continuais sur des petits en réserve. Tous les week-ends. J'étais okay. tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le groupe. Mais je rentrais jamais. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le groupe. Et jusque un <laughs> an après, quasiment jour pour jour, à trois, il me relance. Il me relance dans l'axe. On parle de Ligue 1. Oui, en Ligue 1. Un 3, il me relance dans l'axe. Le, Le poste défini que tu avais, c'était dans l'axe, dans ouais. tous les cas Ouais ouais. Ok. Championnat, U-17 national, U-19, toujours avec Strasbourg, comment ça se passe Le 9 euh... toujours C'était quoi oh, les postes C'était U-18. Moi, j'arrive ah, de Strasbourg, <coughs> j'arrive de Clairefontaine, directement U-18-NAS, ça veut ah, dire que… Ils voilà. Parce qu'en fait, quand euh, l'époque où nous on part de Clairefontaine, c'est l'époque où ils changent les... les euh, c'était U15, c'était Nas, U17 NAS à l'époque, tu te rappelles. Ouais, c'était voilà. U15 NAS, U17 NAS. Et à ouais. la moment où, où nous on sort de Clairefontaine, ça passe U16 U18. Okay. Donc t'as encore un an. Moi ça je suis tout de suite la en 18. Mmh. Avec cette équipe génération-là, de 18, on fait, on, on fait la finale là. Okay. Donc on fait Et une on belle, belle saison. On joue la finale, on joue ici au Stade de France, on perd contre, contre Rennes. <laughs> Pour Rennes, ouais. oui, il y a Jacques Fatih en face, Greg Bourillon, euh, wow, Yo Gourcuff, euh, Jimmy euh, Briand, une équipe de malades. Ouais. une équipe de fou, ils nous mettent une, 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 une torgnole. Mm -hmm. Franchement, je crois que sur l'équipe qui a joué, sur le 11 titulaire, je crois qu'ils sont 7 à avoir joué pro, à être pro. 7 oh. ou 8. Ah, oh. oui. Ah, oui. Mwemba, euh, Gourcuff, Jimmy J Briand, Jacques Fatih, Fati, Greg Bourillon, euh, le go le Chenio, mm -hmm. euh, attaquant Gabonais là. Petit attaquant gabonais 84. Euh... Je sais plus comment il s'appelle. C'était le pote à je crois que je me rappelle. Mm -hmm. Donc voilà, tous. Au stade de France. Au stade de France, c'est voilà. la première fois que tu vois. Ah, bah, oui. euh, tu vois, a des mecs, des mecs qui vont à 6000 à l'heure, là. Mm. <laughs> j'ai vu que des numéros tout le match. J'ai vu, hein, hein. vu que des <laughs> numéros. <laughs> j'ai vu <laughs> que des numéros à Jimmy Brillant tout le match. J'ai vu que son numéro. <laughs> Et euh, donc voilà, on fait, on, fait une belle géné on fait une belle année là. Et puis après, directement, j'ai fait, fait un an en 18, Non, c'est après je suis parti directement en CFA. Okay. Ouais. Directement en CFI, puis après je suis monté assez rapidement avec les pros. Voilà, tu es surclassé ouais. à Strasbourg, tu sautes vite fait quoi. Ouais, bah ouais et fait, puis. Avec euh, les pros. Ça aurait pu aller plus vite si j'avais ne m'étais pas cassé le pied. Je me casse le pied, donc ça me, re... ça me retarde un petit peu mm -hmm. dans le fait d'intégrer le... les pros. C'est ta plus grosse blessure là Ouais. En centre de formation, ça quand a été je laissais... euh... la réhabilitation, non. Et tout ça Non, 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 ça a été oh. rapidement, ça a été rapide, mais en fait ça, été... ça arrive à un mauvais moment. Mm. Ça arrive au moment où je jouais la finale de Coupe de la Ligue avec Strasbourg donc euh, ce qui se passe c'est que on va jouer euh, je suis dans le groupe la semaine d'avant avec les pros la finale c'est le samedi d'après d'accord ah. le mercredi le coach donc du Kipurum, on m'envoie jouer en en réserve en cfa je me rappelle contre fortbach mmh. contre fort pour avoir pour avoir du, du temps de jeu euh... au cas où le... si je dois rentrer le week-end et tout parce que ouais. ça faisait longtemps que j'ai pas joué et il m'a dit, voilà, tu vas jouer avec eux, tu fais des 90 minutes et tu reviens pour être dans le groupe pour la finale de la Coupe de la Ligue. Moi, je suis tout heureux. Ouais. 65e minute, je fais un dégagement. Et le mec, qui tape mon pied comme ça, paf Fracture 5e méta. Putain. C'est-à-dire, je vais au stade de France, mais je suis en béquille, je suis dans les tribunes, je suis en béquille comme ça. Oh, ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, ouais. J'ai gagné la Coupe de France, mais j'étais. Mmh. Parce que j'ai participé au, au, à l'épopée et tout ça. Mmh. Mais j'étais pas sur le. Sur le banc, sur les trucs. Et tu n'étais pas sur le... la feuille de match ouais. C'est chose des choses qui arrivent. Ouais. Mais bon, après l'année d'après, bah, c'est ce qui m'a permis aussi d'après jouer en Ligue 1, d'après jouer en Coupe d'Europe, parce qu'on a gagné Strasbourg. Mm -hmm. Et c'est là après ça, ça a explosé. Quoi. À 19 ans. Pendant ces périodes, dès que tu arrives à Strasbourg, tu n'as pas des grosses blessures sinon celle-là Non. Non, non. J en fait, j j grâce à Dieu, j'ai pas eu de blessures. Parce que j'avais une vraie hygiène de vie. J'avais une vraie vie. Dans toute ta de... carrière, tu n'as pas eu des grosses blessures. Non j'ai eu euh, une ligaments, des Alors, choses comme ça, non La plus grosse blessure que j'ai eu, je crois, ça a été vraiment la où je me suis fait un claquage. Pardon. Et euh, le, le un gros claquage qui a duré qui dure huit semaines. Donc je que j'avais bien, j'ai bien senti le coup de couteau à l'intérieur de ma cuisse. Ça m'avait vraiment vraiment fait mal. Mm -hmm. C'est le plus gros truc que j'ai eu. Et les grosses entorses aussi. Mal, ouais, 6, okay. 6, des entorses. Entorse du genou, ligament latéral interne qui m'avait fait mal. Qui dure 6-7 semaines. Pareil les grosses entorses. Il a pas besoin d'opération, je pense. C'est pas d'opération. Voilà. Voilà. Non, jamais eu de fracture de la cheville, ligament croisé, non, tout ça. Non, ça a été non, ça, parce vrai. que j'avais aussi vraiment dit... Bah déjà, c'est moi qui mettais les coups. <laughs> donc, c'est plus, plus facile. Donc, déjà, j'ai moins de chances de me blesser. Ouais. Hein. C'est parce que c'est moi qui les donne. <laughs> mais aussi parce que euh, j'avais une vraie hygiène de vie. Ouais, mais justement, cool, tu, tu parlais de ça. J'aimerais un petit peu pousser le truc sur, euh, sur ton hygiène de vie. C'est-à-dire que tu as un diététien qui t'aide ou tu as quelqu'un qui spécifiquement non, qui non. Te donne des tips. Comment non, ça non. se passe ça bah, en fait, tu es formé à Clairefontaine. T'en reviens là. Okay. Ça veut dire que dans ta tête, tu es, es formaté à manger comme ça, à te coucher comme ça, à faire ça. C'est ça, ça qu'ils te font en fait, à Clairefontaine. Okay. Le foot, c'est bien. Tu as 5 séances par semaine, tu apprends techniquement, tu apprends tout ça, tu apprends tout, tout, tout. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils font de toi un futur joueur de foot professionnel, que tu le deviennes ou que tu ne deviennes pas. Mmh. Donc, tu manges, c'est comme ça, tu as ton entrée, tu as, as tes pâtes. T'as ta viande, t'as ton truc, tu manges pas de sauce, tu manges pas de... Et en fait, inconsciemment, indirect, tous les jours tous les jours tous les, jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est ça. T'as ton plateau, il vient, presque tu manges tous les jours la même chose. Mm. Mais quand tu sors de là-bas, t'as besoin de formation, pareil. Oui. Oui, parce que quand c'était... Les packs, les, les là et dans le système, mm. quoi. C'est ça Le jour, jour où tu arrives chez toi, tu as ton appartement. Si tu ne déconnes pas chez toi avec des mecs d'eau, ça passe Exactement. Au King, mmh. au kebab. En fait, les pâtes, c'est ce que tu Le reste, j ai, j ai, franchement, encore aujourd'hui, j'ai du mal à manger des frites, par exemple. Ah, oui. ah tu avais même du plaisir Ouais. <laughs> tu vois, aujourd'hui, j'ai du mal à manger des frites. Ouais. Ouais. Ah, ah. Tu t'imagines un peu le truc C'est comme avant, on ouais. fait euh, la manger, ma femme fait la femme ouais, à manger, des problème, frites, à... je, je mangeais deux, trois frites et c'est tout. Alors que j'ai le droit aujourd'hui, je m'en fiche, tu vois, c'est euh, pas, pas le problème. Mais tu dis... Tellement formaté dans ma tête que ça, c'est pas bon pour toi, que c'est pas bon. Ok. C'est pas bon, quoi. Non, ah. tu vois. Hmm. Et t'es formaté, et c'est ça, et c'est là où t'apprends ton métier. C'est clair, ouais. ça sert à ça ouais. aussi. Ah. Et tu tu ah. T'as tu, tu, pas besoin d'avoir quelqu'un qui va te dire mange bien, si, mange bien. Après, quand tu montes en pro, bien sûr que oui, il y a des diététiciens, et te disent oui, ça, ça. Ah. Mais quand t'es formaté depuis que t'as 14-15 ans, en fait, tu sais ce qu'ils vendent pour moi. Ouais. Okay. Donc ça, ça t'a vachement aidé déjà à te conditionner et puis à te mettre dans un rythme. Et bien sûr. Et après, ce qui est bon pour moi n'est mais pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Je sais que par exemple, j'ai joué avec avec des ivoiriens, des africains qui arrivaient tout de suite d'Afrique. Pour eux, les repas sportifs c'était n'importe quoi. C'était. Ça n'a pas de sens. Ça pas de sens. Lui, ça ne pas manger, ça ne pas son attiqué, son prix avant le match et tout machin. C'est pas. Et toi, aller veulent dire. C'est pas son truc. C'est comme ça. Parce que nous, on a été formaté comme ça. Et t'es bon en faisant ça, mais lui il a, a d'autres une, une autre une, formation une autre alimentation une autre tout ça tu même vois exactement ou... <laughs> et c'est ce qui fait que lui il est bon dans ça donc ouais nous en France c'est vrai qu'on est très très formaté et là où Claire Fontaine sa tête c'est dans, tout, dans toute ta capacité à intégrer toutes les bonnes choses à faire pour être professionnel mm. tu vois bien te coucher bien manger pas sortir Je n'avais pas mis un pied en boîte de nuit avant d'avoir 18 ans j'avais des mecs qui étaient au centre de formation avec moi qui sortaient déjà quand on était jeunes Ouais. Moi pour moi je me, je me le suis interdit, j'ai fait une fois le mur au centre de formation. Ouais. Une fois, c'est toujours de mes 18 ans. On venait de gagner en CFA. J'étais surclassé, donc je, 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 je montais en CFA, pour, je, 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 on a joué, on a gagné. C'est la seule fois où je me suis permis de sortir. Et j'étais comme ça pendant toute la soirée. <laughs> j'étais si je me fais attraper, je suis mort, je me attraper je suis mort et tout, tu vois. Et en plus j'arrive en boîte, je sais pas, je vois les pros. Mmh. Je vois tous les pros et tout. Je dis, oh putain, je suis mort et tout. <laughs> à l'époque, il y avait Mamad Nyang et tout. C'était en bois, je me rappelle. Je dis, putain, je suis ah, mort. Vrai et tout. Était à Strasbourg mmh. à ce moment-là, Mamad. Ouais. je suis mort et tout. Mais en fait, te... non. Et c'est la seule fois où je me suis autorisé vraiment à, à sortir. Et après, après quand t'es professionnel, tu es dans le moule et tout, c'est différent. Mmh. Mais j'étais dans ma tête, une fois que je suis arrivé aux par contre, là, c'était pour réussir. Tu vois mmh. Autant j'ai mis du temps à trouver cette. Cette, euh, cette envie d'être professionnel parce que ce n'était pas ce qui était prédestiné était pour moi, oui, j'ai pas forcément ça. Avant 13 ans, voilà, 14 Voilà, mais une fois que je suis rentré au centre de formation que je suis arrivé à Strasbourg, sur le premier jour que je me suis mis mon pied là-bas. Dans ma tête, c'était je vais réussir. Je pars ouais. pas d'ici sans être professionnel. Impossible. Ça veut dire que j'étais dans ma tête, c'était j'étais déterminé à ça. Ouais. Je ne pars pas de Strasbourg si je ne suis pas professionnel. Alors que tu as quand même eu du temps à jouer. Bah, pour un défaut central, j'ai pas mis beaucoup de temps pour un central. Hein. Non, j'ai commencé, commencé à jouer à 10. 10... Premier match, j'avais 17 ans, il y a plus 17, allez, 18 ans. Et après, j'ai commencé à enchaîner les matchs à 18 ans et demi, 19 ouais, ans. Ça. En fait, c'est ouais, Ça veut je... dire tu que vois, tu, tu avais bah... des apparitions, donc tu étais aux entraînements Oui, oui, oui. Tu étais sur le banc, tu attendais encore pendant un an, vraiment pour être. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu mets un peu de temps, entre guillemets, mais euh, tout ça, tu, tu, tu restes calme. Ah non? Mais je suis oui. d'accord avec Habib quand il dit, euh, j'ai un défenseur, non mm. Parce qu'on s'y permettre et on voit dans le monde du foot, les attaquants. Voilà mm. tout. Un jeune attaquant qui a la qualité, tu mets dans l'équipe. beaucoup Mais simple. là derrière, ouais, il faut de la derrière, responsabilité, un... et de la rigueur, être oui, mais... immature. Et là, on, et tu on te... a peur de lancer les jeunes. Et tu derrière. te dis, un mmh. entraîneur, il est là, il va se dire Je vais lancer un gamin de 19 ans euh, contre, contre des adultes. Parce que le football. Contre l'attaquant confirmé, le football il il va trembler. Les jeunes, c'est genre le des des les buts, adultes. Quoi. Complètement différent. Tu vois ce que je veux dire ah, ah, bon. ouais. Le football des adultes, t'as des mecs en face, c'est des tueurs. Hein ah, oui. Ah, oui. Parce que nous, quand, quand nous. Moi non, mais les gens qui regardent le football, là, t'es dis Ouais, oh, mais lui, il est bidon, lui, machin. Ok, mais le mec le plus bidon, c'est le mec le plus fort que tu vas avoir dans ta vie, en fait. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Toi, tu crois qu'il est bidon à la télé, mais sur le terrain, c'est pas la même chose. Le mec, il s'est contre un ballon, il s'est retourné, c'est faire des choses, c'est faire des trucs de fou. Et il fait pas les mêmes courses. Et bien, exactement. Tu vois. Et toi, tu as 19 ans et le mec il dit je vais faire quoi C'est un gamin de 19 ans pour le faire jouer. C'est vrai que c'est ton attaquant jaune, c'est le but. Ok. C'est pas grave. Mais si tu prends là-bas, tu perds le match. Exactement. C'est ça que c'est pas la même chose. Donc c'est faut. Donc là, tu vois. Bravo toi, 18, 19 ans. Ouais, parce que là Tu en pro. Ah non, j'avais, après j'étais j'étais déterminé, ça veut dire que je partais, je partais dans, dans, dans un truc où dans ma tête, bon ou mauvais, hein, mais dans ma tête, personne n'est plus fort que moi. Oui. Et pendant les entraînements à Strasbourg, parce que tu joues avec, avec l'équipe, tu mm -hmm. t'entraînes, tu te dis, oui j'ai le niveau quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si j'ai rendez des je suis prêt. Alors, alors que ça se trouve que non, pas du tout. Hein. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Dans ma tête, j'ai dit je suis plus fort que lui, je vais jouer. Alors que peut-être en vrai, je ne peut-être il me manquait des choses oui, mais encore. À la fin, joué, tu vois mais non, Voilà, mais peut-être qu'il manquait prêt. des choses et tout machin. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Et puis un jour, on part, on part faire, en fait, on part faire un match amical avec euh, Strasbourg. On part en fin fond de l'Alsace euh, On joue contre, je crois, les Young Boys ou euh, ou Basel. Ou, je sais plus, je sais plus. Une équipe suisse. Je sais plus ce qui ouais. est, joue. Et c'est euh, donc juste donc, un an après avoir fait jouer latéral gauche, où là le coach donc Jackie il me remet titulaire. En vendredi soir, il me met titulaire contre cette équipe là à une semaine du championnat. C'était une très internationale, okay. Très internationale et mes titulaires là et je fais un match de ouf. Mais je fais un match de ouf, mais vraiment. Mmh. Ça veut dire que le lendemain matin dans la presse euh, presse régionale bélaïde machin euh, très très bon, très fort, machin 4 étoiles bla 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 bla. bla. Et euh, à partir de là, je rentre au vestiaire et t'as le regard de tes, de tes coéquipiers. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. <laughs> et les, les anciens pros, c'était bah oui. méchant. Mais méchants pas dans le mauvais côté. Hein. méchants c'était euh, discipline. T'as vu, moi je suis en 90, 90 kg. Si je voulais mettre une tarte à quelqu'un, je ne plus. Mais tu tellement de respect et t'as tellement de trucs que mmh. quand un, un mec te parle, tu baisses la tête et tu, tu fermes ta bouche, tu vois. Et quand les anciens viennent te voir, ils disaient, petit, Bravo. super match. Euh... Bravo. Là, c'est un truc de C'est <laughs> comment ça se passe, les mondes pros Com comment ça se passe Je vais te dire. Mm. Si l'ancien ou le capitaine il vient de dire ça, t'es sûr qu'il en, en a parlé à l'entraîneur bah, C'est qu'il l'a intégré. Ah oui Il en a parlé à l'entraîneur. L'entraîneur, il a vu de ses yeux. Mais l'entraîneur, il a besoin aussi d'avoir ses... ses... Tourne le, Tout le d accord d accord exactement. Déjà. Exactement. 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 Si lui vient de voir et qu'il dit euh, une bêtise, un, un pagis ou un cassard, exactement, il disait petit, très bon match, ça veut dire c'est bon, t'es prêt moi On je le sais pas mais maintenant dava quand dava tu, dava. Tu, tu prends de l'âge mmh. tu comprends c'est quoi le truc tu vois ouais, ouais. parce que le, le, le coach a posé des questions t'en penses quoi Lui c'est comment Machin ouais. euh, le petit c'était comment et hey, coach, il peut y aller. Samedi d'après j'ai titulaire. Comme ça. Samedi d'après j'ai titulaire à trois. Juste pour rappeler vite fait dans le vestiaire le, le, les joueurs qui étaient là, il y a Mika Pagis. Mika Pagis, euh... Mamad. Mamad Mika Pagis, euh, Pascal Johansen, Yassine Abdesaki, euh, Cédric Kanté, oh, ah, ouais. On Pas des euh, internationaux là. Ah oui. C'est pour ça. Hein. Tu t'imagines que c est, c est... devant moi, j'ai Cédric Kanté, Karim Agui, Jean-Christophe Devaux. Jean-Christophe Devaux plus de 300 matchs en Ligue 1. Cédric Kanté international malien, Karim Agui, international tunisien. Donc t'as des mecs. Euh, <laughs> le, Karim a gagné la Cannes, euh, Cédric, tu vois. Ouais. Et puis euh, Mamad Niang, c'est l'équipe du Sénégal. C'est ça. Je crois qu'il finit. Là, il est, est, est... est, finit... voilà, est peut-être 3 ou 4ème, peut-être meilleur buteur, peut-être oui. Marseille. c'est ça donc c'est un, un gros poilu hein. mais, mais ah, Mika Pagis, Pagis pas, pareil, Ulrich Le Pen aussi, Ulrich ouais. Le Pen carrière de de, 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 de fou Le tu vois ce que, que je veux dire ouais, <coughs> non mais t'avais une vraie équipe là, Yves De Roos au goal mm -hmm. euh, Pontus Farnerud je te dis des mecs c'est des joueurs de foot des joueurs de foot vraiment vraiment on avait mm -hmm. quelques brésiliens à l'époque c'était Rodrigo qui était à, je crois que à Ajaxio après était venu à Strasbourg et tout un milieu terrain défensif devant la défense Greg pesler en défense centrale ouais j'avais 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 du monde j'avais du monde. Il y avait du niveau. Ouais, il, 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 il y avait de l'eau. Et c'est pour ça que quand il me, il me lance, là, le jour où le coach il me lance, bah, il y a une ribambelle de blessés. Donc il n'y a plus, pas forcément plus le choix. Mm -hmm. Et non, ouais suspendu blessé. Et je me retrouve en défense donc avec euh, Karim après à trois sur le premier match où je joue après en titulaire en tant que en Ligue 1. Mm -hmm. Et puis euh, pareil, je sors à du. À 3 À 3, ouais. Mais mes, mes deux lancements, ça a été à 3. Et euh, pareil, je sors du match et on fait un partout, je finis au jour du match. Ah oui. dans l'équipe la meilleure note euh, des 22 acteurs dans le journal dans la presse locale pareil. Qu'est-ce qu'il faut que fasse un défenseur pour être pour être le meilleur du match Arrêter l'attaquant, on va dire, oui. Alors moi je, là c'était au match loul ouais. partout. Je pensais je pense que en tant que défenseur central, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes joueurs. Ah. C'est d'avoir confiance en personne. Et confiance en personne quand tu es défenseur central et confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même ton autre copain, ton autre mec de la défense. Fais pas mm. confiance à lui. S'il faut couvrir lui, tu couvres lui. Exactement. Ce qui fait que tu seras toujours, toi, dans ta tête, en train de dire il faut que je le couvre il faut que je sois derrière lui, il faut que je sois là. Donc ça veut dire que s'il se passe quelque chose, t'es là. Tu vois? Euh, je m'entends, hein. Bien sûr que c'est oui, mon, mon central, c'est oui. le binôme. Euh, je Exactement. Voilà. Mm. Mais... Mais pense dans ta tête qu'il peut rater. Pense en tête que ton latéral, il peut rater. Pense en tête que ton 6, il peut rater tout le temps. Et je partais tout le temps de ce principe-là. Donc, c'est toi, zéro erreur, en plus… Exactement. Faire que ton, co ton copain soit zéro exactement. erreur Exactement. C'est ce que je dis à mes centraux aujourd'hui quand je suis je dis, Quand tu fais ça, c'est normal. On Je, pas je pas dit, les, vous, les centraux, les centraux, le gardien et le 6, tu vois, ce, ce, ce losange-là, mmh. là. là mmh. pensez que tout le reste, il peut faire de… Je sais pas si de On le dire, mais de la merde, voilà, tu vois. Mmh. Mais vous, vous ne faisiez pas le Non, vous, vous n'avez pas le droit. Vous devez être tout le temps en éveil. Vous êtes tout le temps. Quand nous, on a le ballon, regardez où est-ce que vos attaquants se situent. Parce que t'es en danger pas quand, le... quand tu perds le ballon. Euh, pas quand tu t'as pas le ballon. Mmh. T'as vu quand t'es en attaque placée, ils sont face à toi et tout. Non, non. T'es en danger quand toi, t'as le ballon en fait. C'est ça. C'est là la récup. En fait, c'est eh, cette transition-là qui te fait mal. Parce que toi, t'es désorganisé. Ouais. Donc si toi, en tant que défenseur, t'es là, t'es es, berger, tu regardes ton attaquant. Oh, il a bien dribblé et tout, machin et tout. Ballon perdu, <laughs> c'est parti. C'est toi, <laughs> Eh, le temps d'avance, c'est fini. Hein. Mmh. Donc voilà. Vous, vous devez être constamment, si vous n'êtes pas fatigué à la fin du match, vous êtes fatigué mentalement. C'est ça. Si je regarde bien un gardien, les gardiens de but, au haut niveau, à la fin des matchs, ils sont épuisés. Ils ont fait des 3-4 arrêts, mais à la fin du match, ils sont épuisés parce qu'ils sont tellement dans la connexion avec le terrain, avec leurs joueurs, pendant tout le match, que mentalement, ils sont cuits. Tu étais toujours un joueur comme ça, Abib Comment ça Concentré au match, 90 minutes Euh. Ça a été un peu un défaut au début parce que j'étais toujours en train de rigoler et tout machin, tout après ça. Te tu regardais l'attaquant là d'avant. Exactement. Ou tu regardes la tribune et tout. Et le mec, mais, derrière, ouais. mais à un moment donné, quand tu joues contre des mecs qui sont top top niveau. En fait, quand, en fait, j'ai par exemple en jeune, comme j'étais au-dessus, je me permettais des fois de, 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 de faire un peu n'importe quoi okay. parce que tu es plus fort, parce que tu sais que même si tu fais une erreur, tu vas la rattraper. Et même même après en CFA, hein, même après en CFA où j'étais 17 ans et que je joue contre des anciens j'allais vite j'ai sauté haut j'étais tu vois j'étais un bon joueur donc ça me faisait pas trop peur mais quand arrives après au niveau où tu vois que les mecs ils voient les actions déjà deux fois deux fois plus que toi ils voient dans le futur comme on dit dire que tu vas à l'entraînement j'étais tout le temps le coach il mettait tout le temps avec pagis à l'entraînement Mika pagis non t'as voilà Mika pagis rapide non c'est que de la technique que costaud est technique voilà costaud est technique ça veut dire que au niveau de la vitesse ou de la puissance je pouvais le prendre mais quand il décidait que tu n'allais pas toucher le ballon, tu ne bah touchait pas le ballon. Et à contrario, quand il était dans mon équipe et qu'il voulait la balle dans les pieds et que Benayi ne faisait, pas <laughs> faisait pas la passe fort au sol, il te regardait méchamment comme ça, <laughs> ça, ça veut dire « applique-toi petit, applique-toi petit <laughs> ». Mais c'est un, un super joueur. Un super joueur. Ouais. Vraiment. Mais après, ouais. je pense que c'est aussi différent. C'est là où moi j'ai eu la chance d'avoir des anciens quand ils anciens, parce qu'il y avait Basila aussi, je me rappelle, ouais. des anciens dans mon club, dans mon équipe, qui nous ont pris sous leur aile et qui ont été extraordinaires avec nous. Ouais. Mais extraordinaires, vraiment, 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 vraiment. C'est ça qui nous a permis, après, Ga Gamero, parce qu'on est en sortie longtemps avec Kevin Gamero, ah, Kevin de, nous, de, de pouvoir nous épanouir et d'avoir de, de, été... Euh, dans Vous la, avez de la même génération, Kevin ouais. Kevin 87. Kevin est 87, ouais. mais euh, à bout de, dès qu'on arrive en 18 ans, il était euh, quasiment avec moi à chaque fois. Bah, c'est un attaquant, un okay. petit attaquant qui va à 100 à l'heure, qui marque des ouais, buts. <laughs> <très>, très... <laughs> c'est facile. Hein donc euh, bah, après, on était, on était très, très... Enfin, on est toujours très proche à Kevin. On a encore passé le jour de l'ensemble. Euh, voilà, ouais. on, est, on est encore euh, super, super potes. Mais on a été lancé ensemble quasiment... Euh, moi, donc moi, je suis lancé à 3. Okay. Donc moi, je suis lancé à 3. Et euh, lui, je crois qu'il est soit lancé la semaine d'avant ou il est lancé le jeudi. En coupe mmh. de, en coupe... Euh, bah, je crois que c'est... Non. Il est lancé la semaine d'après, je crois. Okay, okay. On, va, on reçoit le torche de Belgrade. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où il est lancé. Et puis il est titulaire. Et puis il fait un match de merde, de merde, de merde, de merde. <laughs> le coach il appelle pour le changement. Écoute l'histoire, c'est une histoire véridique. Le coach l'appelle pour changement. Dernier coup franc, il soit il met la tête, boum, 1-0 pour nous. Ah. Le coach il dit à, 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 à l'autre attaquant, à, à Rudy Carrier, deux jours. Ouais. De, il dit Rudy, attends. 5 minutes après, franc, 2-0 et voilà deux buts alors qu'il était il devait <rire> sortir <rire> et ça a lancé sa carrière c'est un truc goût, hein oui parce que lui après il se retrouve en Espagne il, il a joué en Espagne encore il... Euh, Kevin il a joué après il a fait Strasbourg, Lorient, Lorient PSG, PSG euh, Séville, Séville, Atlético, Atlético, oh, Valence ça. Ouais, ça. Ah, non, ah, il, il, il oui, joue il, beaucoup il, en Espagne il ouais. fait une carrière de fou hein. ouais, il fait une, une... après il fait là ouais. il revient à Strasbourg voilà. il a marqué son centième but en Ligue 1 là, il n'y a pas longtemps ouais. Donc, il a fait une, fait, fait une vraie vraie carrière vraie vraie carrière donc là, vous avez quand même une génération de, de, de malades là, à Strasbourg. Ouais. À cette époque-là, Strasbourg, c'est comment au niveau championnat si on fait, on euh... notre... Vous jouez que le championnat français euh, Non, on fait la Coupe d'Europe, parce qu'on gagne la Coupe de la Ligue. C'est ça. Et euh... c'était quoi la Coupe de la Ligue euh, En fait, il y avait, avant, y avait Elle deux coups... C'est plus aujourd'hui, mais... C'est comme la FA Cup et la, la, la Carabao Cup, il y, y a deux mmh. coupes en Angleterre. Et eh bien la France, il y avait la Coupe de la Ligue jusqu'à il y a deux ans, je crois, non ah, Oui, okay. ils l'ont éliminé là, c'est ça. Ils l'ont arrêté. C'était euh... ouais. que les clubs qui étaient euh, ligues, que Ligue 1, Ligue 2 ou National, encore professionnel. C'est ça. Ah, la Coupe qui... de la Ligue, c'est des... voilà. la okay. Il n'y avait pas toute, toute la France. La Coupe de okay. France, c'est tous okay. les clubs de France, tu vois. Et quand tu l'as gagné, tu t'es directement qualifié en. On coupe d'Europe Coupe, coupe d'Europe voilà. okay. et donc on joue, on joue la Coupe d'Europe nous c'est l'année où Strasbourg bah, et donc où... vous gagnez l'année la, précédente vous gagnez la Coupe des' ligues on gagne la Coupe de la Ligue ah oui, cool. ouais. Mamad Niang était chez nous Mamad Niang s'est fait transférer après à Marseille ouais. donc après il reste c est, c est, cette année il y a beaucoup moins de il de, 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 y a plus d'opportunités pour jouer en fait ok et donc nous les jeunes bah, les... la France c'est quoi la France c'est euh, la Ligue Europa ou la... parce que la Ligue Europa maintenant on s'en fiche un petit peu donc, qu'est-ce qu'ils faisait nous, Strasbourg Ils faisaient juste tous les jeunes. Donc, moi, j'ai joué contre la Roma à 19 ans, j'ai joué contre Basel, j'ai joué contre les de Belgrade. J'ai des, des matchs de fou mmh. ouais, vrai, Tous oui, les jeunes. C'était pas très valorisé à l'époque. Bah ben non, c'est pas que c'est pas valorisé, c'est que t'as pas l'effectif le, pour, pour, pour faire les deux. Mmh. Ça n'a pas loupé, on est descendu cette année-là. Ah, Parce oui. qu'on n'avait pas l'effectif. En, ah, en, oui. en, 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 en Coupe d'Europe, on se fait éliminer, je crois, en 8 de finale ou en, en 16ème de finale mmh. contre euh, Basel. Tu joues tous les matchs en, en Coupe d'Europe Ouais, j'ai ah, joué quasiment tous les matchs. Joué... Ah ouais, c'est génial. Euh, j'ai joué. C'est euh... 7-8 ou matchs, ouais. À l'époque, c'était de des poules de 4. C'était des poules de 4, mais c'était pas, pas les retours. C'était pas les retours. C'était 4 matchs. Quoi. Voilà, c'est 4 matchs, 4 matchs. Plus après le 32e, on passe. Et puis après, le, on se fait nuit en 16e, je crois, contre, le, contre okay. Basel. On les bat en, on les bat en poule mais ils nous ah, battent après autour cool euh... aussi un hein, tout voyage en Europe tu es jeune bah, t es t es jeunes, es, tu vas au Stadio olympico tu vas euh, tu vois hein. tu reçois le comment ça s'appelle tu reçois et euh, toi le rouge de Belgrade c'était quelle hmm. année ça 2006 je me souviens 2006 ah, à la Roma là ouais. ou... la Roma on joue la Roma euh, Cassano Totti toujours contre Totti Cassano Totti incroyable Totti, Cassano, oui. Nexcess... Euh... C'était impressionné, ouais. tu te souviens de ça Ouais, ouais. T'es impressionné, Totti Ah oui, bah tu rentres sur le terrain. C moi j'ai toujours été... Euh... J'ai toujours suivi l'Italie. Est... D'accord, j'ai toujours suivi ah, l'Italie. Ah, ah. Et euh, en les années 2000, c'est l'année où tu as 14-15 ans, et tu vois que la Roma, c'est là où c'était le top. Batistuta, ah oui. Totti, Del Vecchio, tu, oui, oui, tu te oui, rappelles. Oui, 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 oui. Donc tu arrives là-bas, moi j'ai... Euh... Dakour, Dakour, c'est un grand de, de Tremblay, oui. tu vois. Donc je, ah je oui? connais son petit frère et ah tout. Donc oui, oui, Olivier Dacour, Tadei, il euh, n'y euh, a pas Kafou, c'est qui euh, euh, Ils sont qui comme joueur Walter Samuel. Ah oui, putain. Mexès derrière. Ah c'est vrai que avais Mexes tu avais Mexès derrière. vois, Mexès, ils ont... L'attaque, je dit Ronda euh, Cassano. On Poti à droite. J'ai son maillot. J'ai son maillot. Totti ah ouais. euh, on appelle Tadé à droite et je sais plus qui est à gauche. Tadé, des Rossi au milieu de terrain. Les Rossi, c'était encore la Rome. Et toi, tu avais dans la tête. Bon, après, après eux, ils étaient à 30%. Moi, ah, j'étais à, à 400% sur le terrain. <rire> <rire> eux, ils étaient à 30%. Ah oui. oh, ouais, écoute. Moi, <laughs> <laughs> j'étais au taquet, attention. <laughs> 2006, c'est l'année que l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, c'est euh... ça. C'est Ouais, t'avais ah. les meilleurs joueurs là. Oh Parce que Totti ça jouait, ah. ça jouait, Casano ça jouait. Mais c'était mais ils étaient aussi ça jouait. il était à 30 de ses capacités ce qu'elle était déjà titulaire dans l'équipe d'Ajax oui, c'est ça. Mais que c'est c'était de l'équipe de France, ça, bah oui. aussi c'est vrai, une vraie vraie équipe d'accours ah. au milieu de terrain. Oui. Euh, ils avaient euh Dit Tomaso, non pas le gros grosse coupe là. dit Tomaso, dit Tomasi. Avec les, voilà. les chevaux. Oui, voilà. Oui. Exactement. Non, vraie belle équipe. <laughs> tu les, tu les, vois, dans, le, corridor là. Ouais. Je te dis ah oui. D'habitude, d'habitude, je te les vois à la télé. <laughs> non mais tu vois ce que je veux dire. D'habitude, c'est la télé que je les vois. Oui. Totti. Je vois la télé d'habitude Totti. Tu vois c'est ouais, la légende de la Roma quand même tu vois. Mm -hmm. Donc euh, et puis après, Ricardo, il y en a Roma, lui, Ricardo, s'il y Roma. Oui, euh, ces euh, années... Euh, après, après période, Voilà, donc on joue, on sort de la Coupe d'Europe. et euh, Donc moi, je suis une pro à Strasbourg. Ah ouais. Et Ricky, lui arrive en fin de contrat à stagir mm -hmm. Et euh, ils ne s'entendent pas sur le contrat avec Strasbourg, paf, il part à, il part à la Roma. Il va à la Roma directement ça, des bouts, ouais, ouais. il va directement à la Roma ah, je pensais qu'il avait déjà en... non la non il non non pas du tout il commencé... on commençait à jouer en pro et tout donc après moi je, moi je... Kevin et moi bon, après ils, ont... ils avaient fait des euh... comment dire des, euh... des sous parties ça veut dire que Kevin et moi on était plus les prospects les, les, les plus attendus mmh. après avant dessous il y avait deux trois joueurs encore et puis en tout et lui euh, Ricky dans la, dans la deuxième zone la deuxième zone ils avaient mis des barèmes de, 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 de... de salaire okay. ah. ouais. Et je crois que pour 1500 euros, je crois qu'il signe pas à Strasbourg. Ah ouais C'était comme ridicule comment je vois dire 1500 euros sur, par mois, donc sur l'année ça fait 15 000 oui, euros. Plus, mais mais c'est. Oui. Le, 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 le mec est formé à Strasbourg, formé au club. Tu vois, tu peux pas chipoter pour 1500 euros. Bim, Strasbourg, la Roma, ils arrivent, contrat de, Roma, ans, ils ah, contrat de 5 ans. Contrat de 5 ans. Mais toi, c'est ce, Le contrat de 5 ans que tu signes là, en... il te rassure ce contrat quelque part, parce qu'on ouais. en parlait tout à l'heure, mais. Du coup, ça t'a permis quand même d'avoir une belle progression et pas de t'occuper du fait que ah mais c'est clair tu t'es toujours inscrit ouais. dans la durée toi là-dessus ouais, ouais, ouais. j'étais euh... tu sais tu sais que t'as pas cette pression à la fin de tes deux premières années où tu dis est-ce que je vais signer ou pas ouais, non ouais. je suis ouais. tranquille tu déroules là tu es, ouais. es, es tranquille quoi tu sais que dans tous les cas je serai là tu, tu, tu restes c'est-à-dire même si tu rates ta formation quoi qu'il arrive t'as cinq ans Tout si ça. tu rates un an il te reste encore des années derrière okay. Le but c'est ça, ça pas d'en rater, ouais. le but c'est d'aller le, le plus vite possible à, à, à signer pro, ouais. tu vois, mais t'as ton bagage derrière qui fait que t'es relativement tranquille, t'as moins cette pression qu'un mec qui arrive en fin de contrat à stagiaire, mm -hmm. comme par exemple Ricky qui arrive en fin de contrat à moi si j'avais pas signé à Strasbourg, qui m'avait pas donné ce que je voulais la première année, enfin mon premier contrat... Je n'est euh, je... pas parlé de risque de blessures Ben oui, tu vois. J'aurais je, je, ma, ma, fait ma, ma dernière année contrat espoir. Mmh. Je ne sais plus, j'étais à combien. Euh, voilà, peu importe. Mais je, ça ne m'aurait pas dérangé. Et tu n'as jamais été sollicité par des clubs et tout ça. Pour ah, si, si, j'ai été sollicité par des clubs. À l'époque, j'avais. Euh, euh, comment ça s'appelle pas la Révolution Société C'était un, un club espagnol qui a coulé maintenant depuis. Et qui était venu me chercher. Et qui voulait faire la défense centrale. Euh, Garay et moi. Garay avec toi Ouais. Mmh. Et c'était. Euh, ça Santander, Racing s'entendait. Santander, oui, Racing s'entendait. Ils viennent me chercher et tout. Je que mon argent sur un petit avion privé mmh. avec mon père. On va là-bas. Et euh, c'était juste avant que c'est une pro. C'était juste avant. Parce que quand tu es une pro, c'est dans ta troisième année. Ma quatrième. C'est la quatrième année. Tu non, sais? À la fin de ma quatrième année. Ouais. Enfin, au cours, au cours de la quatrième, tu vois. Au cours de la quatrième. D'accord. Mais je, je, je jouais déjà depuis un an et demi, tu vois. Ok. Mais après, à partir de ce moment-là, ils ont dit euh, non. Euh, on va lui donner le... le on, il va signer pro, donc... Euh, et mon... Et, intéressant. et, et là, monde, là il tu me donnes ce que, ce que je demande. Tu vois, se, voilà. Et là, tu as un agent. Et là, j'ai un agent. Oui. Exactement. Donc là, ça veut dire quand tu signes ton, ton premier contrat pro, au bout de 4 ans, donc à Strasbourg, euh, je reprends un petit peu. Donc ouais. ça veut dire que là, tu signes avec un contrat qui est dimensionné, entre guillemets, mmh. par ton père et ton agent, qui te correspond. Ouais. Ouais. Donc tu restes pas ce sujet de 1500 balles qui non 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 voilà moi, là été... tu, tu là, étais bien toi comme tu disais l'option voilà. A toi exactement Gamero. exactement et puis d'ailleurs Rick euh, en exactement et... c'est un peu ce qui se passe en général dans, dans ouais. les clubs les joueurs sur lesquels tu passes en espoir c'est exactement ça et surtout que à ce moment là on descend waouh wow. Ah. tu vois on fait Ligue 1 Ligue 2 ouais. Donc, moi j'arrive ah. j'ai 19 ans c'est moi qui va jouer oui, parce que les top top vont partir. Karim il part. Ouais, il va aller, aller, va aller, rester, il aller hein. vers Cusennes. Arthur Bocca mm. il, va, il, va, il va à Stuttgart. Ouais, 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 Cédric Canté il part à Nice. Les mecs ils veulent rester en Ligue 1, ils veulent rester dans les mm. trucs, ils veulent garder un truc. Donc forcément, ils vont recruter côté de trois joueurs Strasbourg, c'est normal. Mm. D'ailleurs ils essayent. Et euh... Mais moi j'ai 19 ans, je sais que je, je, monte, je, je rentre tout de suite. C'est moi qui va être euh... défenseur central. C'est ça que je, je prends le 5. Je prends le 5. J'ai 19 ans, je prends le 5. Donc c'est toi qui vas jouer à ce poste-là. Ouais. Euh, mes deux, trois premiers matchs, très compliqués. Ma préparation, très compliquée. Préparation très difficile parce que je, je perds mon meilleur ami. Quand je dis je perds, c'est Ricardo, avec qui j'ai tout fait. Qui parle à Rome, C'est-à-dire ah que non. je me retrouve tout seul. Okay. Je suis avec Kevin, mais je suis tout seul. Ricardo, c'est vraiment mon frère. On a, on a, on a habité euh, là, voisin côté, tu vois. On, a, on partait un entraînement tous les deux, en va Et donc ma, ma, ma préparation, elle est très compliquée. Depuis Claire Fontaine. Depuis Claire Fontaine, c'est pour ça. Tu vois, ça fait 6 ouais, ou 7 ouais, ans qu'on est ensemble. Ouais, ouais, ouais. Et euh, et donc je, je rate ma préparation, les deux premiers matchs, je suis pas bon en, en Ligue 2 aussi. Et euh, ils font ils font venir un défenseur central, <laughs> je, je sais pas, j'ai Bonettoal, on, on, on va jouer à Tours. Et donc je me rappelle, mais euh, c'était Papin l'entraîneur. Et je sentais qu'il avait un truc qui, c'était pas Jean-Pierre Papin c'était son adjoint, son adjoint, il pouvait pas me voir, <laughs> il pouvait pas me voir mais vraiment, il ne pouvait pas me voir. Après à cette époque-là, j'étais euh, têtu, arrogant, euh, grosse tête, tu as vu chez moi, c'est moi le plus fort, j'ai 19 ans, je suis petit du club. Tu veux qu'il m'arrive quoi ah, ah. je suis formé au Racing, je suis là, c'est voilà. Donc je voulais péter un petit peu, voilà. Tu hey, tu viens d'avoir de l'argent, tes jeune, tu sais pas, tu pas tous les codes encore, tu vois. Mmh. Ouais. Et puis on te le dit, le président il vient, il parle avec toi, Bib, qu'est-ce que tu penses de ça, machin et tout. <laughs> C'est comme ça, ah ouais, tu vois. Ouais, 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 ouais. Euh, Marc Heller est encore au club, Marc Keller, ce qui me fait venir quand je suis gamin, donc il me chouchoute, tout ça. Ouais. L'adjoint ne peut pas me voir, il ne peut pas me, blairer. Mais <laughs> pas me blairer. On va jouer à Tours. On va jouer à Tours le vendredi, le jeudi, il y a un central qui arrive. Jeff Strasser, central gaucher. Mmh. Moi je joue central gauche à l'époque. Donc je me dis, il vient pour moi parce que je suis le jeune et parce qu'ils veulent mettre une concurrence, ce qui est normal. Tu vois. Mmh. On gagne... Non, on fait 0-0 à tour. On fait 0-0 à tour. Et je te sauve peut-être 4 ou 5 occasions de fou. Mais vraiment, dire que je te fais un match je... de malade. C'est boum, ça, ma, ma... genre, ma, ma, ma... Ma, euh... ma saison, elle commence là, aujourd'hui. Mais sans, 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 sans faire esprit. Okay. Mais c'est ce jour-là que j'ai décidé de lancer ma saison. On va à Tours, j'aimais bien ce, ce stade, j'aimais bien cet environnement. J'étais venu jouer quelques semaines avant, avec les espoirs, on était venu jouer en équipe de France et tout. J'aimais bien cet environnement. Mmh. Je fais un super match. Le central à côté de moi, match très moyen. Strasser il rentre dans la défense centrale, il prend central gauche, moi il me décale parce que je suis droitier, forcément il me décale central droit. Okay. Et on fait tous les sons comme ça. Alors qu'à la base, Pourquoi ils ça prennent... À... Ça ne se joue à rien mais du top. tout. C'est top ce que moi, ça, ça t'avait déjà touché un petit peu en te disant, tiens, ils ont recruté quelqu'un. Ah, mais non mais non, non, même pas, ça m'a touché. Pas hein est, je, je, je me suis dit, voilà, il y avait aussi euh, Ahmed Kantari qui était là à l'époque aussi, tu vois, qui était, mmh. ils avaient vu venir du PSG pour qu'il pour qui joue et tout. Donc il y avait du monde à ces places-là. Mais à partir du moment où je savais que moi j'allais être à 100% de mes capacités, et que j'ai eu ce match-là à peu près en référence, mmh. je suis plus sorti du 11. Je suis sorti, okay. ah. -moi, coupé, je suis sorti une fois, écoute bien. Je fini meilleur joueur du mois. Et je reçois mon trophée en tant que remplaçant. <laughs> ah ouais. Incroyable. Il ne pouvait pas me voir. L'adjoint ne pouvait pas me voir. Et... voir. Il ne pouvait pas me voir. Mais il n'avait pas le choix. Ça scrit mon nom dans le stade. Et à un moment donné, ils ont dû lui dire, le gamin là, <laughs> c'est lui qui va vouloir de l'argent. D'accord, donc il faut vite le remettre sur le, sur le terrain. Je suis remplaçant, on joue à la maison, on, on joue à la médo on, on perd. Je suis rentré la semaine d'après. Mais ben là, mais voilà, je mais, sais pas jouer, mais... Je, ça se trouve, c'est pas à cause de moi, peu importe. Mais on a perdu quand je suis là. On était la deuxième meilleure défense de France, je crois, enfin de, de Ligue 2. Le mm -hmm. euh, premier, c'était Metz parce que ça fait une grosse saison, c'était à Metz. Et euh, voilà, après on joue, on fait toute la saison, on monte, on fait une sonde de fou, tu vois. On monte avec Strasbourg. Enfin, faites ah, juste l'ascenseur en fait. La, la, enfin, en fait. Fait descendez, vous on, descend, remonte. Wow. on descend, remonte. On descend, ouais, on remonte. On descend, on remonte, on remonte avec ça. une équipe qui n'est que des jeunes. Trois okay. ou de durée de formation, euh, donc Kevin attaque. Euh, Parce que Kevin était là, ouais. Kevin, Kevin était là, là. Moulongi, François Strasbourg. Je pense qu'il plante pas mal de buts, euh, Kevin. Non, c'est Ali Maklouti qui marque beaucoup de buts, Kevin. Il, fait le, il se fait les croisés en fin de saison d'avant. Et ah donc aïe. il revient que à partir ah du aïe, mois reviend. de mars, avril, tu vois. Donc il n'est pas forcément avec nous. il est là sur le sprint final sur le sprint final, mais après, euh, après l'année d'après en Ligue 1, il était là forcément, tu vois. Okay. Mais non, non, il se fait des croisés, euh, année est compliquée pour Kevin Steyer, là Très compliqué. Donc Strasbourg revient en Ligue 1, mmh. toujours, Tu restes dans le groupe. Je joue, je joue pareil, même, euh, même histoire. <laughs> On joue, préparation, je suis nul. Mais nul, mais nul, nul. Tu avais mal Non Début de, de saison. Non, j'ai du mal, exactement, j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. Du mal. Ah, Furlan, dans truc, quoi. Furlan, il m'appelle... On est euh, deux jours avant le jeu contre Marseille. Il m'appelle, il me dit oh, « bib, je vais faire venir euh, Damien Perkis, que j'ai eu à, à, eu à trois, que je connais bien, qui est à Sochaux, qui a déjà un peu plus d'expérience que toi et tout, machin. Tu seras numéro 3 et euh, tu vas, euh, tu vas euh, intégrer la rotation. Moi, j'ai 20 ans. Euh, j'ai dis coach, il oh, n'y a pas de problème. Faites venir, faites venir, il n'y a pas de souci. on me dit ça, le vendredi après la, après la veille de match. On joue Marseille le lendemain, on fait 0-0, je fais un match de ouf. Mais de ouf. Mais de ouf. On fait Non, à la maison, je suis dans la maison. Donc, tu vois, quand t'es à la maison, t'as tous les Strasbourgeois. Je fais 0-0. Je mets l'homme dans ma poche. Même Mamad abandonne. J'ai tu me casses les couilles et tout, j'en ai marre et tout. Je lui mets des coups, des trucs et tout. Pardon, Mamad, mais je me fichais, tu vois. Ah, tu me sautes, tu m'as fait mal à bim et tout. On fait 0-0, écoute, on sort de. On sort du, du match, c'est Je rentre au vestiaire. Furlon, mmh. il vient, il met une tarte. Une tarte dans la tête, comme ça. Mmh. J'ai un coach. Et il me dit eh, Petit con, t'as été très bon. Toi, t'as besoin de compétition. Il m'a dit eh, Je ne euh, ferai pas venir Perkis. Je vais faire venir un troisième. C'est toi qui vas jouer cette saison. Comme ça, dans le vestiaire, à la fin du match. Direct, direct. Ah oui. Directement, il me dit ça. Ah Après, Furlon, c'est un super. J'ai eu une relation avec lui qui était extraordinaire. Extraordinaire. Mmh. Vraiment, ça a été super. Mais comme ça, il me le dit hein, C'est toi qui vas jouer, c'est toi qui vas faire ça. Et on fait une super saison. Enfin, pas une super saison. On fait six mois, nickel. En décembre, on est sixième. Ah oui. En décembre, on est sixième. Au mois de mai, on est dix-huitième. <laughs> Pourquoi pas qu'on On descend On descend. Et fait... après, on se fait transférer. Moi, je, peux... je transfère à Francfort, Kevin à Lorient, Moulungi à, à Nice. Cette hmm. année, tu fais tous les stades de France en Ligue 1. Ouais. Expérience, t'as malade. C'est trop génial. Jaune c'est génial c'est le il kif. y a un match qui t'a marqué as ah marqué, le parquet t'as marqué j'ai en Ligue 1 j'ai pas marqué j'ai marqué en Ligue 2 sur l'allée de la montée où je fais des je marque des buts on gagne 1-0 à Bastia je crois et, ah. et c'est le... le match de la montée et tout tu vois c'est des trucs de fou mon Ligue 1 j'ai pas marqué mais euh, ouais le match au Parc des Princes celui que as hey, je le plus. suis parisien t'es parisien bah oui je <laughs> grandi à Bobigny à Tremblay en France <laughs> Tu vois, quand t'es petit, tu vas au parc avec tes potes, et là tu joues au parc. Dans ma tête, tu veux, tu veux, franchement, hein. je me dis ils peuvent marquer, je m'en fous. <laughs> mais, je, mais je suis pour vous, moi aussi Moi, je suis pour vous gagniez, moi aussi Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis pour le PSG dans mon corps, tu vois ce que je veux dire Moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Il y a pas l'état en face, il y euh... C'est bizarre la sensation de jouer contre ah, son, son ouais. équipe de cœur Ah oui, 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 c'est trop... Non, même de rentrer... De rentrer de rentrer dans le stade Tu arrives à rentrer dans la boule Et dire non attends Non mais bien sûr Après c'est ton travail oui. C'est ton oui. travail oui. Bien sûr que oui, oui. Mais, mais quand merde. tu rentres Et que tu entends le parc crier oh, Ça chante et tout T'as les, les poils qui se dressent Mais d'habitude Moi je suis dans la tribune mm. Moi je suis là-bas Du côté où on a les invitations Et là oui. je suis sur le terrain Tu vois Impressionnant On est là Donc première année On va au parc Je me rappelle Ricardo Il est 19 e Ricardo les 19 ème il le 19e, il reste en survêt et tout. Il s'est changé pour recentrer ses jours ouais, avec ouais. des... Il veut la il voulait, poutre, il voulait il goûter, voilà, il voulait goûter lui aussi. <laughs> Alors on était là, on s'est chevaux, il dit putain a des trucs de ouf, il me dit waouh bip, c'est incroyable et tout Au parc des princes Au parc des princes. Et après, écoute bien, dernière journée au vélodrome. On les wow. a joués joué première journée ouais. et on les rejoue dernière journée. Alors... On va au vélodrome, si Marseille nous batte, ils font la Ligue des Champions. Bah. Imagine-toi, on gagne 1-0, ils égalisent, ils passent devant nous 2-1, 2-2, 3-2 pour nous. Wow. Il reste un quart d'heure, le stade commence à péter les plombs de fou, le Vélodrome. Ils égalisent 3-3, le stade il pousse, il pousse, 4-3 il gagne 3, 3. C'est le match, je crois que 4-3. Si, si c'est, il marque, si c'est il marque, Nasri il marque. en plus il non. Je crois Mohamed il joue, je crois il marque aussi. Ils font des, en plus, des buts de fou, hein, des reprises de, de Samir, machin, truc de ouf. Mmh. Le vélodrome, il restait 4 ou 5 minutes. Ils savent qu'ils sont en Ligue des Champions parce qu'ils gagnent 4-3. Mmh. Et donc, pour eux, ça veut dire que nous, on doit plus attaquer parce qu'on était sûrs de descendre. Mais nous, je vous vous Tu vois mmh. La bronca. Ils ont commencé à siffler les 60 000 personnes quand on avait le ballon. Ils ont commencé à siffler, genre, il eh, faut arrêter de jouer maintenant. Nous, on est qualifiés. faut pas venir nous casser la, les, les bonbons. Tu vois Mais ce que euh... je veux dire oh tellement fort la bronca que quand tu sors du stade t'entends quoi t'as les oreilles encore t'as les oreilles qui sifflent ça tourne dans la tête de ouf mais super ambiance mais c'est une super ambiance je pense que c'est des publics incroyables entre entre Paris ou toi après c'est Paris c'est bon sang c'est voilà c'est normal c'est des émotions de gamins le Vélodrome c'est fou santé c'est fou santé aussi c'est des stades bouillants santé c'est incroyable Lance c'est euh, bien c'est moins chaud mais c'est belle ambiance oui tu vois c'est plus festif voilà exactement. nous Strasbourg. Strasbourg Strasbourg comme ça dit chante là mm. <laughs> c'est pas mal hein ah oui ah oui c'est ce que j'allais te demander un peu ah la première oui. fois quand tu mets ton maillot et que tu joues pour Strasbourg mm. et tu joues autant, autant de personnes c'était quoi est-ce que tu te souviens de ce moment là où tu te dis mais c'est quoi ce truc de fou je, je vais être pro et je vais jouer tous les week-ends c'est un truc de... Devant ça. C est, c est... Comment c'est c'est quoi ta sensation là par rapport Il y a... Bah, tu vois, cette sensation quand tu rentres sur le terrain, et que tu... quand moi j'étais formé au club et tout, en fait je me dis, je peux pas avoir la pression. Je peux pas avoir la pression. Pourtant je suis défenseur central, j'ai 18 ans, 19 ans, tu vois. Je ne peux chaud, pas avoir la hein, pression. pression. Ouais. Tu vas... Tu... Hey, c'est normal, en face de toi, tu as, as sûrement le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Donc tu vas te faire travailler à un moment à un autre, ou tu vois, tu peux faire une erreur ou quoi que ce soit. Mais... En fait, tu te comportes tellement bien et tu viens de centre de formation, donc tu tellement les valeurs aussi du club mmh. que le public autour de toi, là, mais il te suit à fond la caisse. Même si tu es un peu moins bon et tout, mmh. ils vont jamais te siffler. Oui, parce que tu es l'enfant du... du club. Tu l'enfant du club. Tu es formé au club. Tu es formé a a respect. Exactement. Ouais. Il y a ce respect, important, respect. Exactement. Et si ils voient les supporters que sur le terrain, bah, tu te donnes ce qu'il faut, que tu mouilles le maillot, que tu fais tout ça. Après, ça reste, ça reste du sport. Bien sûr, il y a toujours les foot ouais, on ne peut pas perdre et tout, machin, Naïk. Ouais, mais ouais. la plupart des gens, ça va être un respect. Et t'es le petit du club. Petit du club. Et c'est dit, moi j'étais le petit du club. Mais c'est différent. T'as Kevin, petit du club, et Abi, petit du club. Mmh. Kevin, petit blanc, trapu, attaquant, qui lui, bah, se fait ovationner chaque fois qu'il marque un but. Mmh. Et moi, Belaï, de grand, noir. Euh, voilà Mais par contre, quand Bélaïde, il fait un tacle pff, le stade, il saute. <laughs> ah, le stade, le, la, la Méno. <laughs> wow c'est une vraie ambiance ouais, c'est un une vraie ambiance franchement la ménos c'est génial après à vous aussi qui était bien pas Monaco je t'en doute bien Monaco. <laughs> pas Monaco l'ancien stade de Nice le stade du Ré aussi c'était c'est le plot c'est le froid ouais. où ça Monaco ah ouais, ouais, ouais. c'est dur jouer Monaco c'est dur oui ouais, contre l'équipe ouais non, non, mais, euh, mais, euh, non mais mais l'atmosphère l'atmosphère c'est ouais. dur es pas, tu joues pas, hein. loin de terrain, ouais, tu joues un match amical on dirait ouais un match amical et tu puis tu joues tu un, un match joues un ma... match amical ah. mais, hein. mais la SM ils ont toujours des équipes de fous, donc c'est un Amical contre des ouais. jeux qui sont très très forts oui, oui, tu vois oui, ce oui, que je veux dire oui, oui. <laughs> ils sont forts les joueurs en face je me rappelle c'était qui à l'époque en s'en Yann Coller. Colleur ah là t'as de Monaco c'était Yann Colleur de mettre mettre je sais pas combien grand costaud ouais c'est ça il était il était tu peux regarder te être sur le côté tu vois tu tu peux pas c'est un mur Mm. Le mec, hein, c'est une, une plaque, mm. c'est un, une plaque de placo là, ben c'est ça, <laughs> je ne vois rien, il est la grand, il est costaud. La porte quoi. oui, exact, une porte, exactement. Une porte d'avant mm. toi. et euh, Non, non, et puis c'était, 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 <laughs> Et là, là où il y a des belles, après là où j'ai bon, était ça était c'était en Allemagne. Oui. En Allemagne, c'est... Et là donc, tu quittes, tu vas à Strasbourg. Je Strasbourg, je vais à Francfort, je suis à Francfort. Euh... c'était comment c est c est transfert ce transfert qui décide ouais. Ah. Ce transfert euh, non, ils, ils ont besoin d'liquidité ou Non, quoi non, ils... ils viennent me chercher Francfort, ils sont sont venus, je pense bah, c'est 200 km Francfort à Strasbourg je ah, pense que, que le mec responsable du recrutement, il est dû me voir peut-être euh, 30 fois dans l'année, tu vois, Il était mmh. quasiment là tous les matchs, ouais. il venait voir avec les espo... Pardon, avec les espoirs et tout machin. Mmh. Donc il était là assez souvent. Et je, quand j'arrive là-bas, ils ont une... des données sur moi de A à Z, ils me connaissent par cœur et tout machin, euh, incroyable donc je suis transféré pareil j'arrive à Francfort où je suis en défense centrale avec un Allemand Marco Russe. Marco Rus qui est euh, aussi jeune du club mm -hmm. tu vois donc aussi pareil une défense centrale je crois non, moi j'ai 21 ans lui, il a il a 22 ans je crois tu vois okay. on fait une belle saison on fait une belle saison pour une première année ensemble et euh, ça se passe super bien et l'Allemagne ça a été vraiment une, une découverte un football différent ah, ouais. dans la rigueur dans la rigueur d'entraînement qu'est-ce qu de... qu qui change par rapport à la France ouais. ouais, la rigueur d'entraînement l'engagement ouais. d'entraînement ouais. l'intensité voilà. Tu vois, les, les étrangers ils ont, ils, ont pas de, ils ont beaucoup moins de plages de repos en fait. Mm. Tu quand tu sur le terrain, ça dure une heure et quart, une heure et demie. Pendant une heure et quart, une heure et demie, t'es à fond. Je pense que fond, maintenant pas. la France c'est comme ça. On essaie de, de tenter de faire ses. Mais à l'époque c'était ses... ses... pas comme non, ça. Là, à ouais, j'étais un peu plus dans les voilà. réalités du ouais. ouais. match. Peux... En France, tu peux te reposer un peu la semaine. Quand si je dis pas envie de quand pas t'entraîner, tu peux pas avoir envie de t'entraîner, mais euh, lever un peu le pied à l'entraînement. Ouais, c'est possible. Là, je peux pas. Là, tu lèves le pied, tu te fais soulever. Le mec est à côté. Ah oui il te massacre. Mmh. Moi, j'ai vu des potes en Allemagne se mettre des tacles à l'entraînement. Je dis, mais bah, c'est pas possible. Tu vois, <laughs> exemple, moi, j'ai jamais taclé Kevin à l'entraînement. Mmh. Tu vois, il est là sur le truc. Je... Eh, si j'arrive pas à le contrer, je vais lever le pied pour qu'il tire ou quoi parce que c'est mon pote. Là-bas, de... non, c'est pas comme ça. Ouais, ça. Ah, oui. Mais qui a raison Je pense que c'est eux parce qu'ils ont été champions du monde quelques années après. Mmh. Mais euh, parce qu'ils ont une mentalité de travail qui est différente. Et là, la France a changé après par la suite. Ça, ou ça change de plus en plus. Mais quand tu te fais transférer, tu pars en Europe et tu fais. Ton intensité de travail, toi elle, elle change complètement. Elle change complètement, complètement, complètement. Comment tu dois travailler, comment tu arrives à l'entraînement Comme tu as dit, il avait 200 km de distance. Mais quoi. oui, moi j'arrive à, je, je, je à Francfort, tu arrives le matin, tu prends ton petit-déj, à la du petit-déj, tu, tu vas tout de suite en salle. Ah, tu vas commencer à travailler, travailler ta muscu, travailler tout ça et tout. machin. Tu ne faisais pas ça en France Ah non, j'arrivais en France, mais j'avais la belle vie. Je prenais un café, jouer aux échecs, machin. <laughs> je lisais l'équipe, tu vois. Des fois, je me suis on discutait, blablabla, bla, bla, bla euh, voilà, euh, tranquille. Ah là, c'est ouais. bon, bon, bon tu Là, bon c'est bon. travail, tu mets, tu fais ton activation athlétique et tout ça, t'es dedans. Et avec selon les tests que t'as fait en début de saison, là, tu dois travailler peut-être en plus là, la jambe gauche, la jambe droite. Donc là, ce, tu mets ce poids là pour ci, ce poids là pour ça. Ouais. Tu vois, chose que je pense que dans les grands clubs avant ça existait, mais dans les clubs un peu un peu moins, c'était moins fait. Tu vois, en, en France. Par, Par, Par contre. Bon, le matin, il déjà. Petit déjeuner, déjeuner. Euh, après, tu, vois, tu fais la sieste, après tu fais la deuxième séance, tu vois. Ah, il y avait une deuxième séance Il y avait tout, deuxième séance le mardi, euh, le lundi... Euh, tu as en fait en ça année. en France aussi En France, il y, avait, il y avait double séance, tu vois. Il y avait double séance, mais tu rentrais manger chez toi le midi et tout. Là, tu arrives le matin, tu as ton petit déj au club, tu, tu fais ta séance de 8h30 jusqu'à 17h, tu es au club, mais es tu es au sais... travail. Mais tu sens que pendant cette période-là, donc euh, ton passage en Allemagne, tu sens que tu as vraiment passé un cap, entre guillemets, en sur ta pas. Préparé. Je pense que je passe un cap et je pense que là où je suis... De, de mieux en mieux, athlétiquement et footballistiquement, c'est euh, au, au fur et à mesure de la saison. Tu vois. Mmh. Je deviens vraiment très très bon, très très fort, je suis en espoir, euh, tout se passe bien et tout, voilà. Mmh. Et quand j'arrive à la fin de la saison pour la deuxième saison, parce qu'on on disait qu'on qu y a un changement, changement ouais. d'entraîneur. Et bah cette dynamique elle a, elle a basculé. Ah. Ça a cassé l'autre truc. Ça a cassé mon truc. Parce qu'il y a, y a un changement d'entraîneur. Euh... Mec qui arrive et qui me dit moi je veux deux Allemands dans ma défense centrale, direct. Bah, direct, comme ça, comme ça, dans les yeux je veux deux Allemands dans ma défense centrale tu vois. Et, euh, et c'était allemand, tu l'as pas dit Non mais je parlais pas de bien Allemand à l'époque. Ouais. Et puis quand tu es énervé, en fait, c'est ta langue maternelle, qui revient au... Oui, au cœur, oui, oui. tu vois. Tu ne peux pas t'énerver en allemand si, pas, si pas je ne sais pas m'énerver, je ne peux pas... Même en enfin, anglais. C'est le je... langage de, de, de trembler, quoi. Voilà, exactement. Je, je parle en français, il <laughs> ne comprenait rien, lui, tu vois. Et puis après, voilà, ça reste du sport de haut niveau, ça reste un business. Et, voilà. et en fait, tu comprends aussi, aussi en Allemagne, c'est oui. différent. Le foot est un business. Ah oui Le foot est un vrai business. Ça, les agents, les directeurs sportifs, les marchands, ils se mettent et tout et c'est là où tu commences à vraiment comprendre les rouages parce que c'est ma première fois où moi je sors de, de ce cocon en fait ouais, ouais, là, ouais, ouais, ouais. tu vois moi je suis dans ton petit cocon à Strasbourg t'es là c'était l'enfant du club l'enfant ouais. du pays il va rien il peut rien t'arriver sauf si t'es vraiment pas bon et tout ça mais mmh. quand tu changes de club et que tu changes de pays sur changes machin c'est d'autres normes d'autres réalités mmh. et là le vrai business du football avec les mecs qui se passent l'argent sous la table les machins et tout c'est la réalité des choses ah oui, je te fais si bon joueur, mais tiens, c'est une bêtise. T'as une commission à 300 000 euros, tiens, je te donne 150 pour toi ou 100 000 euros pour toi pour les sportif, ça tu mets sur ce compte-là et tout. Mais il faut qu'il fasse tant de matchs pour qu'il joue. C'est que des trucs comme ça. Ah oui. As ah, fait tu ces ça. ah oui. Tu vis ça, tu le vois. Tu ah, tu le... vis ça, mais tu peux les plombs. Parce que quand tu vis ça, forcément, ça. un mec qui joue à ton poste, mais qui c'est pas bon. Ouais. Ou moins bon que toi. Pas ah, pas bon, parce que quand, pour arriver jusque-là, il faut quand même avoir de la oui. qualité pour oui, un tiens, bon, il un bon. Peu quand même. Mais il est moins bon que toi. Et tu sais que si tu ne joues pas, c'est pas à cause du football. Ah oui. Tu vois Ah ouais, non, mais euh, après, c'est une vraie réalité le foot, c'est pour ça. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je disais quand c'était la dernière fois au, au, à la soirée mm -hmm. c'est un, un métier ou un sport où je ne voudrais pas mettre mes enfants. C'est trop mauvais, c'est trop malsain. Et je pense que maintenant qu'il y a encore plus d'argent qu'à l'époque, parce qu'il y avait déjà de l'argent, il y avait beaucoup d'argent, mais je pense que maintenant, il y en a encore plus, mm -hmm. ça va être encore pire. Moi, c'est vrai, c'est encore pire. Ça va être encore pire, ça va être incroyable. Et je veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. J'ai pas envie. S'ils ont la possibilité, dans la qualité, oui. Mais sinon, non. Et Donc là, chose. tu vas en prêt Là, je, vais en prêt à... je reviens à Strasbourg en prêt. Je reviens à Strasbourg parce que c'est à côté. Parce que mon agent de l'époque, parce que j'ai changé d'argent aussi à ce moment-là. Parce que tout le monde te tourne autour. Et puis, tu, 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 tu pètes un peu les plombs. Tu sais plus à qui faire confiance. Et mon agent euh, se remet en contact avec Strasbourg. Il m'envoie à Strasbourg. Et Strasbourg est. Pardon, au fond de la NAS à ce moment-là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et euh... j'irai jusqu'en décembre et en décembre je me fais prêter à. Donc je fais deux prêts dans la même année. Ah oui. Strasbourg jusqu'en décembre. Ouais. Et puis après, je dois partir à Lille normalement. Mmh. Ah. Donc j'ai. Euh, euh, je crois que c'était Garcia qui était à l'époque le coach, je crois. Je l'ai au téléphone et tout pour. Euh, Garcia. Ouais, pour aller, pour, aller, euh, passer, pour aller jouer à Lille. En tant que numéro 3, parce qu'il y, euh, y avait Adil Rami et je sais plus qui dans la défense centrale. Ah. Et moi, je m'en fichais, je remontais en Ligue 1. En ah, plus, c'était l'époque où c'était Lille, c'était ouais, ouais, très fort. Ouais, ouais c'était pas mal. Et je, je... et ne veut pas que je signe à Lille. Parce qu'en fait, Lille veut, veut un prêt avec une option d'achat. Francois ne veut pas. Et donc, je me retrouve à signer à Boulogne, en Ligue 1 toujours. Mais ils sont difficile avec Boulogne. Et euh, mais bon, je fais quand même mes 10, mes, 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 mes 10 matchs, je crois, un truc comme ça. Je joue mes 9-10 matchs en, en Ligue 1 sur la deuxième partie ouais, de, de Boulogne, saison. Ouais, c'est Boulogne, c'est ça? U.S. Boulogne dans le Nord, ouais. U.S. Boulogne, C'est où cette équipe C'est dans le Nord. Ou Boulogne, ouais, c'est sont... ouais, vraiment dans le Nord. C'est dans le Nord, ouais. Ça a Ligue 1 C'est Boulogne, c'est une équipe qui a fait... Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'ont ouais, ouais, bah, qu ouais, jamais entendu parler. Le Boulogne, Kanté. Bah, c'est Boulogne-sur-Mer. N'Golo Lo joue à Boulogne, il ah. a joué à Boulogne, euh, Ronald Colomani pareil. Est, Boulogne, c'est une équipe qui, a, qui avait, qui, qui est familiale, tu vois, qui a fait une nationale 3, nationale 2, nationale Ligue 2, Ligue 1. Tous les ans sont montés comme ça. Ah oui, ouais. tu vois Donc une belle équipe, des, des gens super gentils, super sympas, super projet sportif quoi. Très bien, très bien. Après le, le niveau de la Ligue 1 était plus compliqué et tout. Oui. Il y a pas mal de choses, mais euh, le projet, le président, une super personne, vraiment quelqu'un euh, le cœur sur la main. Mmh. C'était euh, une belle expérience. Mais grâce à cette expérience-là en Ligue 1, fait qu'après, bah, euh, j'ai pu jouer la, la, la Coupe du Monde après en 2010 avec, euh, avec l'Algérie. Parce que c'est à ce moment-là où je, je change de nationalité euh, sportive. Okay. Jusqu'à ce moment, on ne euh, revient pas mmh. à, à l'arrière avec, euh, avec la France, c'est quoi mmh. tes expériences que tu comme tournoi ou championnat euh, on fait, euh... Tu joues contre des grosses équipes, j'imagine Tu joues contre... Bah, je... comme donc, moi, j'ai fait, fait, fait les sélections de U16 à Espoir. Espoir, Espoir. Espoir c'est juste Jusqu'à 23 ans. Mmh. 23 ans. 21 ans. Parce qu'à 23 ans, c'est quand tu vas aux, aux Jeux Olympiques, tu vois, jusqu'à 23 ans. Okay. c'est 21, 21 ans. Oh, fait... J'ai raté un an. J'ai raté un an la sélection U19 parce que ou quelque raison l'entraîneur pouvait pas, pas me voir voilà j'étais pas convoqué donc je fais U16 U17 U18 U19 une sélection deux. ou deux au 20 21 et espoir direct et espoir direct parce que comme j'étais déjà en Ligue 1 je monte un... je tout de suite pris en espoir oh, ben tous ces périodes, tu jouer avec les meilleurs euh, ah ouais France, on, a, quoi. on avait on avait une très très belle équipe et juste l'année où je suis pas avec eux ils sont champions d'Europe <laughs> peut ah, dire oui. que je l'ai eu là pendant des années hein. ah oui, ouais. ah, oui. Ah, oui. Le jour où je recroise l'entraîneur à euh, Clairefontaine euh, des... qui ne m'a pas sélectionné. C'était qui C'était euh, Galon. Galon ou Alon, comment il s'appelait bon, Je l'appelais sais plus, je l'appelais Versailles. Je l'appelais Versailles, j'étais au gris il avait une moustache. <laughs> je l'appelais Asteix, euh, il <laughs> avait une moustache. Euh, Galfion, Jean Galfion. Tu as croisé lui à 50 ans avec euh, Clairefontaine Non, je crois qu'il est décédé. Mais Galfion, c'était pas un perchiste lui ah, c'est le même nom un truc comme ça tu vois c'est Galfion okay. ou Galon ou un truc comme ça je okay. et euh, je le croise non je le croise en espoir <laughs> on est à table en espoir donc euh, mon, mon sélectionneur c'était René Girard hmm. donc il y a ses adjoints et on a une grande table carrée et moi je suis au fond de la table comme ça donc là il y a tous les, les coéquipiers les coéquipiers bon je suis là là il y a euh... donc là, là au milieu il y a Didier Digard là il y a une escaboule et moi je suis en côté là. Et je suis là et il dit bonjour à tout le monde. Il est comme ça à moi, je ne serre pas la main. Tu lui serres pas la main Je lui serre pas la main. Devant tout le monde. Et il s'arrête. Il s'arrête et il rigole. Et il continue de son tour et tout. Et il arrive et il déjà, il me voit. Et il me voit. Et il me dit, ah euh... Je dis coach, il sait, pro, je serre pas la main. Et il rigole. Euh... Donc le sénateur rigole. Après, il me dit, ah oui, bah tu vois, ça te perce ça, ça, ça... Euh, Ok, je n'étais pas sélectionné. Il était un petit peu sous, tu vois. C'était pas sélectionné, mais ça t'empêche pas d'être là aujourd'hui. Hein. Je dis, bah écoutez, tous les semaines, m'aiment à Rome, non Je dis, moi, je savais que j'allais être là. Mais vous, vous n'avez pas été honnête. Et comme ça, devant tout le monde, hein, vous n'avez ah pas oui. été honnête. Et là et, euh, et après, donc, le Gérard, il me regarde. Il ne veut pas faire d'esclaves, je pense, le coach à ce moment-là. Ouais. Il me convoque après, il me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis je lui explique. Après, il me dit, bah bon, ok, je comprends et tout, machin. mais tu fais attention à ça quand même, on est. On a Claire Fontaine, tu vois, il y a quand même des, des normes et des choses à faire, tu vois. J'ai oui. coach, franchement, je pouvais pas. Je voudrais vous, vous vous imaginez même pas que tu fais tout ce qu'il faut pour aller au championnat d'Europe, ils te prennent pas pour le championnat d'Europe et eux ils gagnent. Ouais. Qui gagne, c'est très bien. Je suis content, c'était mes potes, c'était très bien. Qui me prennent et que je sois sur le banc ou quoi, ça, ça m'aurait suffi, ce n'est pas le problème. Mais qui me prennent pas dans le groupe. Toi, vélo niveau pour être dans le groupe. Donc, ça, ça... Non, j'ai dit non. je, 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 je l'ai très mal vécu. Que vous avez des différents? Même pas, pas même pas, même pas, même pas, même pas, parce qu'en fait, pour lui, c'était simple. Il y avait euh, deux joueurs, c'était donc Kaboul et moi. Même profil, même même même, même axe, même profil, peut pas jouer ensemble. Et ben pourquoi on a joué ensemble en esport alors? Après on a joué ensemble de tout, depuis qu'on est petit, On joue ensemble avec Younes, Tu vois? Hum. On a toujours eu des bons résultats. Et toi, t'as dit toi, t'as dit que c'est pas possible. Non. Okay. Donc non, non, j'ai dit non. Je dis au moins si vous m'avez appelé, vous m'avez dit écoute Habib, je préfère pas te prendre, je pars sur un autre projet et tout, machin, je l'aurais pas accepté, mais au moins j'aurais compris. Hmm. Là t'attends, tout le monde attend la liste, tu vois la liste qui sort, tout tes potes, t'es pas dedans. Ouais. c'est Ah non, non, ah, non, non. Et après, attends, c'est pas fini. Ils font euh, la première année après, la, euh, donc ils font championnat d'Europe de de, de 19. Pendant l'année. Et après, à la fin de l'année, il y a le tournoi. Euh, euh, du Sud, là, comment ça s'appelle ton dans le Sud là euh, Montaigu Non, pas Montaigu. Montaigu, ah. ça... Montaigu c'est quand on a 15 ans. Mmh. Euh, Toulon. Ah, Toulon, oui, Toulon. Tournoi de Toulon. Oui. Le truc le plus connu en France, machin et tout. J'ai joué toute la saison en Ligue 1. J'ai joué toute la saison en Ligue 1. Il prend Ricardo, il prend Kevin et il me prend pas moi. Alors que moi, j'ai moi qui ai le plus. Le c c vraiment, le truc avec toi, quoi. Il me prend pas je pars en vacances et tout machin tant pis Ricardo il revient Ricardo il finit mieux le aujourd'hui du tournoi en plus je crois cette année là il finit jour tournoi il revient on part en vacances ensemble et tout machin et l'année d'après donc on a, nous on est en espoir il y a encore le tournoi après et c'est encore lui le sélectionneur qui fait, qui fait le tournoi de Toulon mais là il a, il a, les, il a les, les espoirs primes tu vois nous on part en tournant en Suède avec les, espoirs, avec les espoirs, donc René Girard et tout, et mmh. eux ils vont à Montaigu encore, tu vois les autres. Enfin, Montaigu à Toulon. Mmh. Et je le revois, je dis, mais même là vous n'avez pas voulu encore me prendre. Je dis, heureusement que je suis avec l'équipe euh, première, un, tu vois, ouais. avec la A, quoi. voilà enfin, la A, euh, des espoirs. Mmh. Mmh. Il voulait pas. Il avait quelque ouais, chose contre moi. Il avait chose toi. Là, bon. Pourtant, j'avais jamais rien fait et tout, je me comportais toujours bien. Nous, à Strasbourg, fallait pas te comporter. Euh... Tu sais, tu avais des règles et tout, et il fallait pas déconner quand l'équipe de France et tout. Avait, il n'y en avait tellement pas souvent des joueurs en équipe de France que tu vois, c'est une vraie vitrine. Mmh. Bizarre ça. C'est comme ça. Hey, des fois, il y a des entraîneurs, ils n'aiment pas, pas ta gueule. Mmh. C'est tout, c'est <laughs> comme ça. Tu vois non, mais c'est vrai, t'aimes pas ta gueule. C'est pas, pas la qualité ou quoi que ce soit, mais c'est juste. C'est euh... tout, ils n'aiment pas ta gueule, que ce soit ça lui. Passe pas, le, ou que ce soit lui ou l'autre. Et... Euh, en Allemagne, ça a été ça. J'aime pas ta gueule. Ouais. Tu fais comment Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui met ton nom sur la feuille du match ou pas c'est lui qui décide. Mais oui, il t'aime pas, il t'aime pas. En équipe de France, tu te souviens d'avoir joué contre des, des, des joueurs qui. Euh, en équipe de France, qui était chiant à super jouer. Carrière. Il y avait. Euh... Non, pas en équipe de France contre. Ah oui, oui non, mais je, vais, je vais regarder. Que, par exemple, quand on est dans l'espoir, on joue avec des grosses équipes. On joue les, les pas, Italiens, l'espoir, les Paris, Brésil. <laughs> oui. C'est ceux qui nous sortent en 2008 pour le championnat d'Europe, espoir. Bah, C'est ceux qui finissent champions du monde en 2014. C'est cette équipe-là hein Les Allemands Neuer, Boateng, euh, Kroos. Ah oui, toi, tu jouais contre ces mecs Mais zut Pour Moi, j'ai joué contre eux en Allemagne. Donc, moi, c'est dans on ouais, les temps en Bundesliga ensemble, tu joues, vois. Ouais. Voilà. Mais 7-7-7, ah, on fait 0-0 en Allemagne chez eux. 0-0, 1-1. On fait 1-1 chez eux en Allemagne, on doit faire 0-0 chez nous. Et on perd 1-0 et on marque à la 87 e C'est Benedict Ovedes qui marque à la 87 e minute. Et c'est eux qui euh, nous éliminent, ils sont là d'Europe, ils vont au championnat d'Europe, ils gagnent, et après ils sont champions du monde après avec, euh, en, en, chez les grands. Ça. Toute cette 14. équipe. En fait, ouais. c'est Le... une génération, c'est une grosse équipe. Voilà. Neuer, ouais. Boateng, Ovedes, Kroos, Mesutozil, euh, Muller, il n'était pas là. schweiz les plus vieux. Ouais. Euh, Déjaga, Ashkan Déjaga. Vous avez une équipe... Euh, oui, ils étaient taillés pas... pour Voilà. C'est eux qui nous battent 1-0, c'est qui sont champions d'Europe, Espoir et champions champion du monde après. Et en France, c'était qui en fait France, Nous, en France, quand, quand on perd ce match-là, il y avait. Euh... Au goal, c'était Hugo, Hugo Loris, qui était ah, redescendu vrai. pour ce match-là. Okay. Il était en A déjà, mais pour ce match il il était redescendu. Mm -hmm. Rufi était devenu fou, parce que c'est qui a fait le premier match et tout, il n'avait pas joué après. Mm -hmm. euh... ouais. Rufi, c'est euh... <laughs> sa personnalité. Ouais. Donc, défense centrale, euh, Kaboul, moi. Côté droit, Mamadou Diara. Euh, Mamadou Dabo, pardon. Mm -hmm. Côté gauche, Charles Zogbia. Au milieu de terrain, un triangle, il y avait Blaise en 6, Mathudi bah, Ouais. Blaise en 6, Yohan Kabaï et Moussa. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko Ah, Moussa Sissoko, oui. Et après, devant, tu avais bah, tous les phénomènes. Il y avait Camero, il y avait Menez, il y avait trucs, il euh, tous les 87, euh, euh, Loïc Rémy, euh, que des phénomènes. Ouais, ouais. Donc, on avait de vraies, 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 vraies oh, belles équipes. C'est un très bel éton, là. Ouais. Contre les Allemands, c'était... Ouais, ils nous ont battu c'était 1-0, ils marquaient à la 87ème minute, EVD, ils sont joués à Metz, je me rappelle. Oh. oh là 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 là. Une horreur. Ah, un ça, à... ah oui, non mais c'est bien sûr. Parce qu'on fait 1-1 là-bas, on sait qu'on fait... on qu peut se qualifier, tu fais 1 à l'extérieur, C'était à l'époque le but qu'on double. Mm. À la maison, t'as 0-0 à faire. On tape le poteau, je crois. Je crois qu'ils ont deux occasions casse dans le match. Et ils marquent. Et ils nous éliminent. Ces choix là de changer le maillot de la France pour le maillot de l'Algérie, ça se fait euh, ça se fait naturellement. Dans ma tête c'était c'était euh, prévu où je me suis dit voilà à un moment donné arrive à 20 21, 21 ans ça ça va peut-être devenir compliqué pour jouer en équipe de France. Et, ah euh, oui toi toi interprété un peu comme ça. Oui savez, voilà et puis décision, surtout pas surtout, surtout que à l'époque où moi je suis international euh, espoir au dessus en A c'est la défense centrale c'est Rami Mekses ouais. Rami Mekses tu vois c'est pas que c'est c'est pas un truc de fou, mais au niveau de l'âge, c'est pas, pas beaucoup plus vieux que toi. Ouais. Et quand t'es en équipe de France, les gens qui sont en équipe de France, ils sont là pour 10-15 ans. C'est dur d'entendre le groupe France, hein. Mmh. C'est très très dur de rentrer dans un groupe. Et si tu regardes bien. Souvent c'est les mêmes qui sont appelés. C'est toujours les mêmes qui sont appelés, c'est toujours vrai. les mêmes. C est c est les mêmes. Ça, à part s'il y a un tourneur de coach, tu si arrives à un truc maintenir ton niveau. Exactement. En club as pas, as, tu n'as okay, pas okay, besoin okay. d'être au top. Si tu joues tout le temps et, tout, et que tu fais partie du groupe France, regarde ce qui se passe en ce moment. Un ouais. hein, mec comme Moussa Diaby qui n'est pas non plus. C'est toujours les mecs qui rappellent. S'il y en a un qui est pas appelé, s'il y a un blessé, il va rappeler un du. que ça change à la génération. Exactement. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça à moins que ce soit de... tu sois vraiment un phénomène dans un top club mmh. et que tu fasses parler de toi dans voilà. les médias, comme, que ça comme, pousse. Comme le petit Yoro, euh, Yoro, non, de Lille, c'est pas ça? Lenny euh, Défense central de, de Lille. Oui, oui. Qui euh, le futur varane, apparemment, tu sais que ce ouais, mec-là, tu sais à partir du moment où il va commencer à arriver au Real de Madrid ou quoi, mmh. il va intégrer il les va intégrer de France naturellement. En bah, fait, dès qu'on commence tiens, à parler de toi, ça. à un moment la pression médiatique est tellement et forte exactement. et puis les prestations, elles sont... vues faut Pas mentir, les, les médias ils font les, ils font les équipes de France, oui, complètement. Ah oui, ça, ah oui, complètement. Hum. Moi je t'ai dit, moi je suis très pote avec Kevin Gamero. L'année où c'est l'euro 2016, l'euro 2016, il fait une année de fou à, à l'Atletico. Hum. La taxe et les GG, là Gamero Griezmann, toi, oui. là, tu te rappelles, ouais, ouais. il fait une année de fou. Kevin, il est pris dans les 30 pour faire l'euro, non pas trop, je crois, 26, je crois. Il me dit, mais de toute façon, je peux y aller, moi. Il me dit, il me dit oh, je ne vais pas y aller. Je dis pourquoi Il me dit, parce que je vais pas y aller. Il m'a dit, il m'a pris, c'est à cause des médias. Et il y a qui avec lui dans, en, en ce moment, avec lui, qui fait une année de fou cette année-là Qui est dans les 27 et qui n'est pas pris Et qui fait l'année, je pense, la meilleure année de sa carrière Athènes. Ah, c'est Ben Arfa qui était là. Ouais, est... Et qui n'est pas pris dans le truc. Alors que sur la saison qu'il fait à Nice, Athènes, à il n'y a personne qui est fort que lui. Ouais, ouais. Mais il ne rentre pas dans le truc. Il ne rentre pas dans le projet. Parce que lui, il a déjà, il a déjà son, 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 son effectif, il a déjà ces choses-là. Wow. Et pourtant, les mecs, ils font des ah. saisons de fous. Autant ATM à, à Nice, autant Kevin à l'Alectico. Il n'y euh, euh, a pas longtemps, là, c'était Benzema, non, qui fait une saison de fou Et que oui. on est quasiment capable de se dire, en équipe de France, on a un ballon d'or qu'on ne prend pas. Il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça, dans tous les autres pays du monde. Et nous, c est c est c est que, on a le meilleur joueur du monde, mais on se dit, non, c'est mieux sans lui. Donc ouais. pour toi, le groupe il était fermé, tu dis, je ne vais pas voir. Ah oui, mais moi je me suis dit. J'avais dit, je pas beaucoup. Hein. Non, non. Mais ça veut dire s'il y avait Avec des baïasades. Munich... Tu dis, ok, c'est bon là. Dire... Après, l'opportunité opportun... s'est présentée, en fait. Ah. Tu vois Et à partir si de l'opportunité se présente, bah, tu l'as saisis. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé en équipe d'Algérie. Parce que c'est arrivé, parce qu'ils ont, ils ont su que j'avais des, des origines algériennes, parce que je suis aussi tunisien par Mon père et ma mère est tunisienne, euh, non, l'inverse. Mon père est tunisien, ma mère est algérienne, okay, okay. d'accord. Et euh, donc, j'ai les trois passeports en vrai France, Algérie, Tunisie. Et puis, ils l'ont ils su comme ça. Et puis, ça s'est okay. fait. Et puis, ça a, été, ça a été une belle expérience aussi. Ça sort dans comme... les médias qui est au. Ouais, tu les blagues les, portes, les, 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 ou les ou médias ouvrent cette opportunité. Bah, en fait, euh, avant d'être en contact directement avec la FEDE, ouais qui eux après me disent voilà il faut faire ce courrier il faut que ça se passe comme ci comme ça pour faire le papier. Okay. Moi je sais pas encore vraiment que ce que c'est de changer de nationalité sportive ou quoi tu vois tu sais pas c'est quoi. Et on te dit non c'est juste pour pouvoir porter le mail de l'équipe nationale et en fin de compte tu te rends compte mets avec un match amical bah, en fait tu peux encore rechanger encore une fois de nationalité sportive. Oui c'est ça oui. Ouais. Parce que tant que c'est pas officiel encore. Donc c'est ouais. pas officiel ouais. tu peux pas changer encore. Tu vois. Ouais. Mais si l'opportunité s'est présentée et puis euh, et puis tu y vas. De toute façon, moi je l'avais dit quand j'étais en, en 2010 quand j'ai le sélectionneur au téléphone. Je me rappelle à l'époque, j'avais dit, euh, dit coach, euh, moi vous me prenez, si je viens, je viens, je viens pas, je viens pas. Tu vois au moins j'ai pris une décision et puis voilà, je viens pas pour faire le mondial ou pour faire sinon. Si vous me prenez, bah eh ben, c'est dommage. Si vous me prenez pas, c'est pas grave. J'avais 24 ans, mm. j'étais bien, j'étais en contrat à Francfort, j'étais euh, tranquille, tu vois. Mm. Et puis après, c'est avéré que j'ai intégré le groupe des 23. Mais euh, si s'il n'y a pas été, ça n'aurait pas été, euh, ça pas été quoi, très grave. Hein. C'était Rabat Saadan. Voilà. Rabat Saadan. Non, c'était une belle expérience. Tu fais combien de matchs avec eux là euh, Je fais un match euh, juste avant le mondial. Un match euh, catastrophique. On perd trois ans contre les Irlandais. Avec une préparation qui a été euh, plus toujours, que mauvaise. Toujours le mondial Non, je n'ai pas joué au mondial. Je suis resté ouais. sur le banc. J'ai été avec eux, j'étais en groupe et tout, mais je n'ai pas joué. Mondial d'El. Afrique du Sud. Ok, 2010. 2010, exactement. Oui, exactement. Très beau mondial. Oui. Ouais. ouais. C'était bien que tu n'étais pas avec la France parce que c'est là qui. C'est là où c'est catastrophique. C'est là qu'il y a le non ouais. Exactement. <laughs> Knisna, c'est Knisna, c'est ça. C'est la C'était la fameuse affaire. Mais ouais. bon, après nous, c'était, c'était, on avait, en un super contre l'entraînement on avait des choses, tout était carré, c'était vraiment super. C'était vraiment... bien. Ouais. À vivre ouais. euh, ouais. C'était la seule coupe du monde que tu as fait. Ouais. déjà pas mal. Bah, ah oui <laughs> c'est déjà pas mal bah, c'est coupe du monde déjà coupe coupe du monde c'est déjà pas mal tu vois non c'est la seule et c'était vraiment ah tu vis des, tu vis des trucs inoubliables hein euh... c'est un truc différent ouais, c'est pas pareil c'est en fait as une atmosphère au mondial il y avait beaucoup de supporters ouais. 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 euh, la oui bien sûr bien sûr bien sûr tu vis tu vis dans, un... dans une atmosphère où le mondial c est... C est... il y a une fraternité c'est incroyable je sais pas c'est comment les JO on verra cette année avec les JO en 2024 mm -hmm. mais c'est que le mondial quand on est en participer là bas il y a une fraternité entre les supporters qui est incroyable. Si tu regardes bien, il y a très 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 rarement de débordements entre les supporters pendant la Coupe du monde. Coup. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Euh, oui, non, tu les vois, gens ils sont Déjà parce que je pense que c'est un bon niveau Oui, de mais ouais, bah, social, éducation oui, mais parce que c'est hyper cher. Pas tout le monde peut se Il y a déjà il y a déjà ça, des pas. personnes qui sont là où mais des fois ça peut pour le être... spectacle, pas ça, pour... ça peut être cher, mais faire des débiles. Oui, bien, bien sûr. Tu vois Bien sûr. Mais alors ah que oui, là, entre les riches, et les a plein. Exactement. Alors que mais... là, les Coupes du Monde, tu regardes bien, il y a rarement, très, très, très rarement. C'est en activité quoi. C'est exactement ça. Les supporters, ils sont ensemble dans ah. les bars, dans les trucs. Ah. Les adversaires, OK, le match, il va jouer, on va être contre. Mais après, c'est pas on va se retrouver. L'ambiance, la elle est beaucoup plus. Ouais. Et Tu le ressens. Ouais. Tu le ressens. Ouais. Après, toi tu fais ton tournoi avec ton équipe et tout. Mais les gens, ils sont. Moi, je sais que mon père était au mondial, euh, invité par l'Algérie. Il a passé euh, trois semaines. Incroyable. Incroyable. Il a kiffé partout où il allait. C'était génial, tu vois oui, tout le monde a le quoi. Exactement. Voilà, c'est un truc. C'est vraiment pisse. T'as pisse. Donc c'est euh, c'est. Cool, non, franchement, c'est génial, c'est génial. Il y a une équipe qui t'a. À elle a qui... joué contre Pierre, hein. qui L'Angleterre, les États-Unis. Écoute l'histoire. Angleterre, États-Unis et Slovénie. États-Unis, on joue. Pas en groupe de ouf. Oui, c'est pour ça qu'on aurait, aurait dû passer. C'était possible hum, de passer en deuxième, on, on Vous ne on... passez pas. Non, non, on passe pas, on passe ah, pas. On bien. aurait pu passer, on aurait pu passer parce que, comme tu dis, c'est pas un groupe de ouf et on a déconné. Mais euh, écoute, au je jeu contre les états unis je suis sur le banc, en face, de son, en face sur l'autre banc, il y a un joueur, Américain. Et euh, je sais pas, mais il joue à Francfort aussi, lui aussi. Ah, on ouais. joue l'un contre l'autre, on se connaît pas du tout parce que moi j'étais prêté, lui il était prêté aussi à, à, aux états unis où, où il arrivait à, à Francfort et tout. Ah, ouais. <laughs> et quand j'arrive, euh, et quand j'arrive euh, à la reprise à l'été à Francfort, il y a le préparateur physique qui me dit « ah Bip ça va et tout machin, c'était bien la coupe du monde et tout », il me dit « ah t'as vu euh, Ricardo ?». Tu me parles de qui Bah il me dit celui est dans ta chambre, parce qu'en en fait nous avons mis ensemble dans la même chambre, tu vois. En tout cas. Il dit la Coupe du Monde lui aussi. dis je... je... avec les états unis J'ai joué contre lui. Il m'a dit ouais, t'étais sur le banc lui aussi. Nous on le savait, vous ne le saviez pas, tu vois. <laughs> et euh, Et après, ça arrivé que c'est devenu un super pote à moi après euh, Ricardo Clark, tu vois. C'est devenu okay. un super pote. Mais c'était, je t'ai dit, c'est vraiment des... des, des une, quelque chose à vivre. C'est vraiment ça après nous on part pas pour gagner le mondial je pense que tu as une pression normale parce que tu veux gagner des matchs et tout ça mais tu vas pas en ouais. gagner je pense que les grosses équipes qui partent pour gagner c'est pas la, la même la chose. pression c'est pas la même chose ouais, ouais. ouais. c'est euh, les Brésil la france qui sont programmés pour ça les allemands tout ça tu vois c'est des très très grosses nations ouais. ça doit pas être euh, tu vas pas pour t'amuser ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est pas la même euh, c'est pas la même euh, nous c'était relativement tranquille tu vois t'entraînes, tu manges et tout. Es... C'est tout gagnant, quoi. Ouais, voilà. Ça se passe super bien, c'est cool. Mais tu sais que tu vas pas là-bas pour gagner. Et vous passez en troisième on, on finit troisième ou même pas. Hein. Même pas parce qu'on perd contre la Slovénie. Donc je crois qu'on finit dernier de la poule, je crois. Zéro victoire Zéro victoire, un nul. Nul contre l'Angleterre, on va comprendre. On fait 0-0, enfin moi je te fous contre l'Angleterre, mais c'est normal, nous, nous rien c'est comme ça. Nous tu nous donnes des forts, on va être très fort contre les forts. <laughs> c'est comme ça, on est comme ça on, faut, on faut la pression. <laughs> Nous on comme ça, nous tu nous donnes des forts, on va être très fort, c'est comme ça. Et on fait un match contre l'Angleterre extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. On fait 0-0 contre eux, mais c'était un super, super match. Et j'ai pris le maillot de John Terry, je me rappelle. Ah je oui, ah oui. les mets trop. La défense centrale, John Terry. Après c'est pareil, tu les vois tu les vois dans, dans le couloir. Putain. Pour de mettre, euh, vois, des monstres, ils sont tous deux mètres, tu vois. C'est des monstres. C'est juste qu'en fait, ils ont tellement de charisme, ils imposent tellement de choses. Mm. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tous, euh, c est c est tous c des, des géants. Pas, quoi. Ouais, Mais des oui, gérons, de, là, là. complètement. Ah. C'est comme quoi, le jour où je suis contre, contre le Real de Madrid. Tu contre le Real de Madrid, tu joues pas contre une équipe normale. Ouais. Pourtant, je suis fan de Barça. Hein. As vu, moi, je suis le Barça, c'est à fond, à fond. Barça, PSG, c'est mes deux clubs. Mm. Et un jour, on a fait un Francfort-Real de Madrid. Quand tu es dans le couloir, là. Mm. Match, match. Tu les regardes les mecs sont habillés tout en blanc, ils sont beaux et tout, tu vois ça. <laughs> Pah dit, ah ouais. Il y avait qui en face là. En face qui moi euh, adversaire direct c'était Raoul et Van Listeroy. Ah ouais, Van Nistelrooy. Ah ouais Van Nistelrooy, Raoul Van Listeroy, tu vois. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Ouais, et un après en euh, aussi. et en face oui. c'est bah après t'as quitté. C'était un match de prépa, c'est une c'est c'est le dernier match avant que nous on commence la saison Deux en, en Allemagne, complètement ouais. différent. Ah ouais, Raoul, ah ouais Raoul Raoul, Listeroy. Van c'était un cheval Ouais. Ah, vous voyez, hein. mais bon Listeroy, je l'ai mis dans la poche. Ah ouais, ah, oui. ah, ouais. Mais Je pense qu'il est, trop... qu est, est en préparation. Peut-être non, 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 mais ça s'approche Mais c'est ouais, il est, est très, très grand, grand il se déplace très bien. Mais c'est euh, Raoul, Raoul très impressionnant. Ah oui, ah. qu'est-ce qui t'a impressionné? Bah, déjà, tout le monde sait qu'il est gaucher, mais il peut dribbler mmh. du droit. Mais moi, je le, vois, je je le savais gaucher, pas, ah, oui, Raoul, ah, Raoul, je, je me souviens pas, Raoul gaucher et capable dans ses déplacements, dans ses petites déviations, ses petits contrôles et tout, mais c'était incroyable. Mm. Après, tu avais, avais qui Tu euh, Schneider qui jouait Van der Waart, Robinho, mm. euh, Mamadou Diarra au milieu de terrain, Casillas, euh, Heinze, Sergio Ramos. Euh, euh, je, 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 je sais plus pratique sur le côté ah, descend, non mais c'était une, là, une belle équipe soit mm. euh, euh... ah oui non mais c'est ça tu <rire> vois <rire> ils, en face. ils sont et, et en fait à Francfort ça qui était bien c'est que chaque, chaque euh, début de saison on avait un match contre contre, contre contre une grosse équipe contre une grosse, grosse équipe pour dire ok là c'est le dernier match voilà là c'est dernier match la semaine prochaine c'est le championnat et et donc moi j'ai joué le Real l'année d'après on joue Chelsea c'est l'époque où c'était le Chelsea. Mmh. Drogba, Anelka, Lampard, euh, Terry. Ouais, c'était qui ta référence comme défenseur à... Moi Habib. Euh, Walter Samuel, j'aimais beaucoup. Walter Samuel, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup euh, Lilian Thuram, Marcel de Saï. Mmh. Mais c'est vrai que Samuel, il, il dégageait quelque chose en tant que défenseur. Il était agressif, il était méchant. Mais il était. Il, mmh. Voilà, tu vois, c'était dur de le passer et tout. J'aimais en fait, j'aimais beaucoup le, le à l'époque où il est à la Roma, à l'Inter. Ouais. T'avais les Italiens aussi, faire enfin la, la juve. Je, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les Italiens, comme j'étais défenseur. défenseurs, mmh. Ouais, tu ouais. t'inspirais beaucoup? Non, de non, non ouais. c'est avant, c'était les Ferrara, tout ça. quest c'était c'était après? C était c était après, après que... Ah, que... Oui, ouais. non, c'était vraiment tous les Uruguayens qui avaient la juve. Je tu si te rappelles... il euh, euh, y avait Ferrara, il y avait. Euh, un autre, il hein, y avait deux défenseurs rurguesiens à la Juve qui était très très fort aussi. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié, oublié leur nom. T'avais euh, euh, Redondo. Ah Redondo. Mais classe comme joueur. Ouais, parce que Redondo quand j'étais petit je jouais 6 et pour moi c'était... Euh, pourtant je suis fan du Barça. Mmh. Mais mmh. alors, lui quand je voyais sur un terrain de foot je trouvais que c'était extraordinaire ce joueur. Redondo. T'as joué contre lui Non. Non, 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 j'ai pas joué. Non, c'est parce que c'est plus vieux. C'est plus âgé. Propre. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Donc, ouais, était, ouais. bah, il était des grands en fait. Quand mm -hmm. dis, Exactement. Il était beau. Il, grand. il, il était, était beau. Ah, beau. Tu, vois, était, tu vois Il commençait blanc, il finissait blanc. C'est voilà. ça. Comme moi, moi je commençais blanc, je finissais pas. Je finissais, je finissais, vert, <laughs> je finissais vert. Je finissais vert. <laughs> bah oui, je me roule par terre, je mets des tacles et tout, tu vois eux ils sont beaux le real ils sont les jure, choses vois, blanches et j'ai l'impression que les tuniques du real ils se salissent pas ouais. tu vois il y a pas ils sautent au lave pendant le match tu vois les trucs tu vois ils commencent en blanc ils finissent en le blanc chien, je vais les... à mais ils sont trop beaux ils sont trop beaux non mais ouais, c'est euh, non il y avait qui j'aimais bien aussi Ferdinand sur le Campbell c'est des défenseurs un peu ouais. grand Ferdinand un peu comme moi grand long tu vois et puis techniquement c'est quand même très très fort Vidi c'était très très fort aussi tu vois ah mais par contre ça c'est un truc que que moi je faisais quand j'étais joueur c'était que quand je regardais les matchs de foot je regardais exactement comment ils se comportaient les mecs à mon poste ah oui. ouais tu regardais ton, 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 ton joueur des références quoi exactement je mmh. regardais exactement comment ils se comportaient par rapport aux appels de l'attaquant par rapport à comment ils se déplaçaient dans la surface comme ils... je regardais exactement tout tout, tout 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 ces trucs comme ça c'est d'ailleurs on, on va revenir à ça tout à l'heure parce que on va te demander ton équipe type là je pense qu'il y a ouais. toi, qui ouais. va te challenger là Vas-y, bon équipe de quand Parce que là, juste J'ai la doudou qui va m'attendre là. Donc je... Voilà. <laughs> Après, tu passes à Sedan. Ouais. C'était ton traîne, bit... euh, dernière année d'auprès avec, euh, avec Francfort. Ouais. Non, non, c'est mon avant. Oui, parce qu'après, je suis à Francfort. Mais euh, je vais à Sedan où on fait une belle saison. On rate la montée. On rate la montée et ça a été, euh, ça a été très dommage parce qu'on fait, fait une belle année en Ligue 2. Et euh, c'était encore l'époque où sinon, c'était encore une. Un, une bonne équipe il y avait encore il n'y avait pas encore ces problèmes d'argent et tout ça donc c'était encore vraiment intéressant on finit quatrième cette année là on va la, la montée à il l'année suivante, souvent souvent tu restes avec eux non l'année d'après je, je repars à Francfort ah, okay. tu reviens de près, ouais, ouais. Okay. ouais je repars à Francfort je, suis en, ah, je, oui. fais, je fais ma dernière année à Francfort ou là je fais une année blanche je suis pas tue -tue. non je peux pas un match j'arrive déjà je suis blessé j'arrive je suis ah, blessé j'ai une j'arrive j'ai une, une tendinite au genou euh, j'ai un un diamètre de ton qui a à peu près comme ça là sur le truc. Mmh. Donc euh, ouais. je mets 7 semaines à récupérer. Et quand je reviens, le je, championnat je a commencé. On est premier, on a fait 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires. Ouais, donc difficile de rentrer là. Et après, à partir de là, sur les 32 matchs, je pense qu'on fait 28 victoires dans l'année. <laughs> on est monté, on est Bundesliga 2, on montait. Mmh. Et on fait donc euh, aucune opportunité de jouer. <laughs> aucune C'est-à-dire que les fois on a perdu. Bah, L'entraîneur il change pas tout de suite quand tu perds Il, oui, 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 il, il est au moins forcément deux matchs match, match, oui. Exactement Donc tu perdais, je me disais allez peut-être le week-end prochain Non le week-end prochain on remettait 5-0 Après c'était plié ah, Donc je fais vraiment une année Et c'est ça, je suis revenu Parce que quand, pratique, quand, quand je reviens De blessure On fait une opposition à la fin de l'opposition le coach il m'appelle Il m'appelle tout de suite Il me dit mais moi je savais pas que Je t'avais dans mon équipe bah, enfin, tu es... c'est vous <laughs> l'entraîneur le en fait. Là, les bah les oui, de club et... il me dit, <laughs> euh, en fait, il me fait, il me, il me fait appeler par euh, ce qu'il y avait Karim Matmour qui j'ai avec moi, et donc Karim parlait très bien le allemand, tu vois. Donc lui, il, euh, il me traduit, et après, il me regarde. Et Karim, pendant qu'il me regarde, il me rigole, tu vois. Il dit, mais c'est même pas que tu étais là et que tu jouais comme ça. Il dit, comment ça, enfin, une opposition, je suis. Je suis ça fait 7 semaines, 8 semaines que t'as pas joué au foot moi sur le terrain je suis comme un, comme un cheval oh, je cours partout, je suis trop content et tout ça fait trop du bien, donc je fais un match de fou à l'opposition contre ouais, ouais. les titulaires et tout, très bien il me dit le coach il me dit euh, mais je savais pas que j'avais un joueur comme ça attention l'équipe hein. les 22 joueurs, donc les 22 joueurs de l'opposition t'as 22 internationaux en deuxième division le monde t'as 22 internationaux pas... Euh, Brésil, machin et tout. Mais Serbie, Monténégro, tu vois. Euh, donc c'est des euh, mecs, c'est ça, c'est jouer au football. Hein. Autriche, euh, République tchèque, tu vois. Euh. Euh, des très bons joueurs. Et euh, donc voilà, tu joues pas... Euh, tu sais pourquoi Là, Après, c'est euh, en défense centrale. Il y a un Brésilien qui font venir, tu un bon joueur à l'époque, euh, Anderson. Et un, un Croate, que j'ai toujours trouvé, trouvé bidon. Mais... International. Il fait yeah. euh, l'Euro la, 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 2012, je crois, je sais pas, l'Euro 2012. Avec, avec, avec l'équipe nationale Croatie, il joue titulaire, je dis mais comment c'est pas possible, c'est moi je suis aveugle, c'est pas possible. <laughs> non mais franchement, c'était lourd, c'était grand, c'était gros, ça avait... Bah, Peut-être qu'ils avaient pas grand-chose dans le... Très moyen. Bon, la Croatie, il sort toujours des joueurs, tu vois. Mm. Après, euh, ça reste la Croatie, la Croatie y a pas mal de business. Tu vois ah, ce que je veux dire? Donc, on le sait très bien. On le sait, on le sait. Non, bah, les joueurs croates, généralement, c'est des beaux joueurs, ils sont bons et tout. Et là, je me dis, non, lui, il ne peut pas, c'est pas possible. Après, tant mieux pour lui, après, tu vois, quand tu trouves des fois les bons. Des fois, si tu trouves les bons agents, les bonnes personnes, c'est toi qui vas te faire un la peu, meilleure carrière. Peu, ouais. Ah oui, hein. c est, c est, ça compte ça peut, énormément. La petite pièce, ça peut se du bon côté. Énormément. énormément. Donc, ah, voilà. Magnifique, magnifique. Et après, tu passes à... Tu changes beaucoup de clubs. Je change beaucoup ouais. de clubs. Après, j'ai eu ouais. pris pas mal de, de, de claques. Mais aussi parce que j'avais la tête dure. Ça veut dire je ne supporte pas l'injustice, je supporte pas je supporte les, mauvaises, les mauvaises choses. Il y a un moment dans ma tête, dans ma vie, je me suis dit si, tu, si je ne suis pas content, je me casse. tu vois Si je ne suis pas content, je rentre chez moi, en fait. Et c'est ce qui est arrivé une, une fois ou deux. Et je ne supportais pas les les, les les mauvaises paroles du football où on va te dire oui, 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 oui. Après, à l'instant T, tu ne sais pas pourquoi ça change de. Non. Ouais. Je ne supportais pas ça, en fait. Et en fait, j'étais incapable de contrôler et de gérer mes émotions. Chose que je fais beaucoup mieux maintenant. Mais avant, non. Avant, je, je pouvais m'arriver, m'attraper le, le directeur sportif du club ou l'entraîneur le, ou le, et l'attraper et dire... Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Mais étais ouais. mal conseillé à ce moment-là avais quelqu'un qui t'accompagnait ouais, ouais, non, mais... à un moment donné, ça a été, ça a été compliqué. C'est toi, as géré tout seul là ouais, 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 après, ça a, été, ça, a été, ça a été plus compliqué. Et en fait, dans le monde du football, quoi qu'il arrive, qu arrive, tu peux gérer tout seul ou avec ta famille, quoi que ce soit. Mm. Mais à un moment donné, il faut quelqu'un de... Qui est, qui est toutes les ficelles du milieu et, tout, et qui connaisse les gens et tout. C'est ça. Il le faut. C'est moche, hein. C'est ça ton faut. regret de ne pas avoir quelqu'un qui. Non, parce qu'après, si je regrette regret, ça veut dire que j'ai raté et je n'ai pas, pas de regret. Non, mais fait. dans cette partie-là où tu te dis, tiens, non parce que, que j'aurais je... dit peut-être prendre un mec qui, qui connaissait un peu plus le euh... mécanisme des. bah non, parce que justement, c'est ma, ma tête à moi qui a fait que je me suis séparé des gens et euh, pas faire confiance. Et quand tu es footballeur, c'est facile de, de te mélanger le cerveau, en fait. Ouais. C'est hyper simple. On vient de voir, on dit, hey, il y a un tel qui te veut, un tel qui te veut, un tel qui te veut. Toi, t'as 18, 19 ans ou quoi, machin. Tu, tu, tu... pètes les plombs. Ouais. Pète les plombs. Dit, moi, l'année la, la, que je fais à Strasbourg ou en Ligue 2, je fais une saison de fou. Euh, dans la tribune, t'avais le Real, t'avais les Milan AC, t'avais l'Inter qui, qui venait au match, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, le mec qui connaît, qui traîne avec eux dans les. Eh, ils sont venus pour toi, là, te regardent et tout et tout. Et toi, ton argent, il te dit rien. Tu me prends, cet argent me dit ça oui, alors que tout lui, tout lui commence. me dit rien. Ouais. Et t'as 19, 20 ans. Mais ça veut dire que c'est facile de te mélanger le cerveau et tout, tu vois. Ouais. hyper simple. Et c'est difficile, j'imagine, d'isoler ces choses-là. Si rester concentré dans ton jeu et n'est pas écouté. Tout si tu tout... es assez fort dans tout la tout tête tout. et te dire que j'ai mon agent, je lui fais confiance de A à Z, tu vois, même, même de... comme ça. Et que je vais me concentrer ça. sur ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué avec tous les réseaux sociaux, les machins, et tout. je pense que c'est encore beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Mais nous, à l'époque, tu pouvais encore. S'il y avait des sollicitations, tu oui. pouvais les laisser passer. Aujourd'hui, un, un club qui suit un joueur, on le sait tout de suite. Tu vois, c'est... Oui. Ouais, c'est direct. C'est direct. Ça, c'est pas le direct. Et le truc, c'est un joueur, s'il n'est pas prêt mentalement à ça, il, il peut ouais, péter il les plombs. Pas. Il peut péter les plombs. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je disais il y, y a des choses. Et puis, les gens, ils le savent. Ils vont profiter de cette faille. Tu vois oh, oui. Toi, oui. tu vas me dire, Habib, moi, je travaille avec toi tout, depuis euh, 3-4 ans. On parle, on parle football, on parle aspect tactique, technique et tout machin. Toi, tu arrives, tu me dis, euh, Habib, je peux t'appeler, tu as ton numéro de téléphone, ouais, alors, hey, moi j'ai un tel qui te veut, un tel qui te veut, un tel qui te veut. Toi, ça fait cinq ans que je travaille avec toi. Tu me dis pas que lui, un tel, il me veut, un tel, il me veut. Lui, il me dit ça. Comment ouais. il a accès au club, pas toi Exactement. Lui, mmh. comment ça se fait que toi, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble Tu me dis pas ça. Lui, je le connais de ni dans ni idée Il m'appelle, il me dit, hey, j'ai les linders qui sont sur toi là. J'ai le Borussia Dortmund qui sont sur toi qui te veulent, qui te suivent. Là. Ça, ça te fait tourner la tête vite fait quoi. Ça se fait au mot quoi. Eh, J'ai 20 ans, 21 ans. Le cerveau d'un homme à 21 ans il est pas fini encore. Hein. Mmh, mmh, mmh. Tu vois ce que veut veux dire ouais. C'est facile. Mais je pense que même après... <laughs> nous on est, on est plus dedans que les femmes je pense <laughs> à, 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 à finir notre cerveau ça il n'y a pas de souci, mais encore plus à 20 ans 21 ans tu vois étais complètement ouais. débile encore non, après pendant la, ta carrière mmh. ça suffit que tu passes un mauvais moment que l'agent de confiance exact. quand arrive un au autre qui te dit une autre chose ça saute tout exactement c'est exact. ce que tu pas bien et exactement ça et pas... donc voilà c'est pour ça que ça, ça a été un peu le... la, la, ma, ma direction elle a été un peu faite fait, fait comme ça et, mais je regrette rien et mmh. malgré le fait que j'ai fait pas mal de clubs et tout ça je regrette rien parce que je suis, euh, je suis content de ce que j'ai fait. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Parce que euh, au départ, les, les qualités intrinsèques de la, du joueur étaient, euh, étaient assez hautes. Mmh. L'espérance était assez élevée. Et j'ai fait ce que j'ai fait parce que c'est moi, en fait, Sabi Belaïd. Mmh. J'ai toujours été comme je suis. J'ai vachement évolué, j'ai vachement changé. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, je ne peux plus avoir le même, la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Mmh. Mais quand tu es à l'intérieur du, du, du game, comme on dit là, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que c'était comme ça que je voyais les choses en fait. Ouais, c'est différent. Et tu vois ce que je veux dire J'ai peut-être raté, mais non, parce qu'en fait, tu es croyant et tu vois là, c'était ma destinée. Mmh. Je pars du principe que si on va m'a pas donné plus, c'est que si j'avais eu plus, je serais peut-être plus là aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, bien sûr. C'est euh, juste ça, je vais là où, euh, où, où ce qui m'a été prédestiné. Mmh. C'est tout juste pour revenir mm. à, à la, entre oui vers la fin de, de ta carrière donc euh, pendant on va dire trois ans tu changes beaucoup de clubs après tu reviens à Amiens, mm. et tout euh, fais deux ans c'est ça je fais deux ans à Amiens. c'était en fais beaucoup de matchs je suis en stand ça N2 ouais, ça se passe bien et tout et puis après à cette époque c'est ligue 1 ligue 2. non non c'est euh, en N2 à Mien. N2 en... N2 ouais mais quatre dernières saisons mes trois dernières saisons bon. c'est euh, en... je l'ai fait en N2 et, euh, et après, euh, après, bon, je passe mes diplômes en même temps et tout ça, un métier d'entraîneur et tout. mais euh, visage déjà, on a... Réconversion ouais, ouais, ouais ou... exactement. Non, pas la, à la base, non. Ma première année, non. Et ma deuxième année, donc je suis, euh, je suis encore un mien sur la deuxième année. Et je suis avec des anciens qui, eux, ont passé leur euh, BEF et qui me disent, et puis l'entraîneur aussi me dit, tu devrais y aller. Mm. Tu devrais y aller, tu as la fibre et tout ça. Il y a 32 ans, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai la fibre Est-ce que je le pense Est-ce que je vais pas Est-ce que Oui, oui, non, oui, non. Peux tu peux y aller, j'y vais et en fin de compte tu trouves que en fait c'est euh, tu l'as en fait tu l'as en toi c'est le foot ouais c'est quelque chose que tu as en toi en fait c'est ça il <laughs> y en a qui se pourront jamais être reste entraîneurs. il ouais. y en a qui pourront jamais être entraîneur c'est comme sais. ça oui c'est euh, pas rêver. possible pour eux oui. euh, même s'ils ont beaucoup de connaissances footballistiques ils pourront pas parce que du niveau oui. de la pédagogie au niveau des, des choses au niveau de, 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 de comment ils, ils, ils sont construits en tant qu'hommes, ils peuvent pas moi j'ai toujours été un capitaine j'ai toujours été un leader un meneur d'hommes donc euh, après, c'est. Derrière, c'est. Voilà, voilà. exactement. Match, exactement. C'est ouais. beaucoup plus. Je, 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 je sais ce que j'avais et je ne pensais pas. Hein. Mais c'est un, un métier qui te qui passionne. C'est vrai fou. que les défenseurs, souvent, ils, ils se retrouvent dans ce rôle-là. Ils se retrouvent dans le rôle des, des corps. Oui, parce qu'ils qu ont la vision du coach Comme tu dis, ils, sont ouais, euh... ils ont une vision différente de vos projections. Exactement. exactement. Sur le jeu, sur les attendus, ils vont être un ouais. peu dans l'anticipation, comme tu as dit tout à l'heure, dans les transitions. Exactement. C'est là où tu as peur, c'est quand tu n'as pas le ballon. Comme as dit. Un attaquant, un attaquant, il va être, il va avoir plus de mal à être entraîneur, parce qu'un attaquant c'est un instinctif. Mmh. Tu mmh. vois, il fait des choses que lui seul se sait, c'est ce qu'il veut faire. Et il euh, y a des joueurs, par exemple un mec comme Maradona, Messi ou quoi. En tout cas Maradona quand il est entraîneur, il peut pas, parce que Maradona lui va, pour lui son football qu'il voit. Ce que toi tu vas rater pour lui c'est facile. Mmh. Mais c'est Maradona le mec. <laughs> Ou c'est Messi, tu vois ce que je veux ouais, dire. Ça, Ou Cristiano. Mais, euh, tu mais vois je comprends qu'on te dit que les attaquants, ils sont plus individualistes. À la Exactement. Fin. Ils ne sont pas très collectifs. Ils sont, sont C'est normal. C'est ce qu'on leur demande. C'est les plus oui. talentueux, il n'y a oui. pas de problème, ils sont là pour ça. Et Nous, en tant que défenseurs, on doit anticiper... Exactement, je dois anticiper ce que mes coéquipiers font, ce que lui fait, ce que tu Tu vois, c'est beaucoup de ces différences. Que le ballon, il arrive là de l'autre côté. Chose qui est différente, c'est la façon dont tu vois le football. C'est ça nous, les défenseurs, on voit, le... On voit tout le terrain. Ouais, ouais, Comme ouais. ça, les attaquants, ils voient la... le terrain de l'autre côté. Il enfin, est à la cage en face. Exactement. Ah, toi, tu et vois que la cage qui les intéresse. Ah, les, ah, ah, ah. les gardiens, les gardiens c'est des bons entraîneurs C'est la, la dernière ligne. Sont... Ils sont capables de voir les choses. Ah. Ah. Je pense même que l'attaquant, quand il est dans une, dans une posture où il, est... il se retourne et regarde le jeu arriver vers lui, je pense que même ça, ça le fait chier. Et Parce oui. que lui, ce qu'il veut, c'est avoir le ballon pour aller là. Mais c'est exactement ça. Non, vrai. Parce qu'en fait, là, tu vas l'obliger à faire des déplacements. Qui, qui va se met, ou il va se mettre dans une situation pour essayer d'aller frappes. Mmh. Il a seulement des joueurs d'avant lui. Il, a, tout tout en en il a le défenseur, le gardien. Exactement. Et, et par contre, le défenseur, il a toute l'équipe. L'adversaire, en plus. Et aussi, euh, nous, voilà. nous, en tant que défenseur, tout part de nous. Ça veut dire que même au niveau de, ta, de la structure de l'équipe, au niveau de comment tu fais évoluer le ballon, mmh. ça part de chez toi. L'attaquant, mmh. il est à la fin. Lui il, soeur, il reçoit fin. le centre, il ne pas la, la profondeur, il va aller marquer son but. Complètement. Il est à la fin. Voilà. C'est ce qu'on lui demande. Et lui qui gagne de l'argent. Et c'est ça. Il gagne <laughs> <c 'est> <laughs> beaucoup d'argent. Et c'est lui on qui gagne. l'argent après. C'est lui qui est mis <rire> en balade. <laughs> mais oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Habib. Dis-moi. On va te demander ton équipe type. Mon équipe type ouais. De tous les temps. Attends, attends, à mon équipe, je pense que tu dois avoir une année de tête ou quelque chose à nous raconter. Sûr. Sure. N'importe quoi. Je sais pas. Un truc oh. qui t'a marqué dans ta carrière. Tu te dis, tiens, ça, il faut que tu vous le racontes, ah là là, il y a un truc qui m'a marqué dans ma carrière. Sur le... des moments qui Même dans souvent... les vestiaires. Parce qu'ici, on est dans les coulisses du football. Je t'en ai dit pas ça. mal depuis tout à l'heure des anecdotes. Ah oh, hein. oui. Mais alors, attends, une coup... Aujourd'hui, parfois, quand tu vas te une coucher, tu dis « Putain, ces trucs-là. Un truc de fou. Un bon moment, une mauvaise moment. Un mauvais moment. Un mauvais moment. Avec non, j'en je, on... je, ai. Des choses qui te reviennent souvent dans la tête. Il y a quelque chose Un ou... mec, non, qui, a un chat tu te rencontre, tu dis Putain, les moments qu'on a passés ensemble. Bon, Rick. Euh, Ricardo, euh un coach qui t'a fait chier. Un coach qui m'a fait chier. Alors, est là, hein Et là, tu vois, par <laughs> exemple, j'avais un, un, un coach qui m'a pas fait chier, mais un coach qui peut. C'est un truc euh, Jean-Pierre Papin. Ah. Jean-Pierre Papin, il, prenait le, il faisait le sauna avec nous. Tu vois, hum. <laughs> attention les choses que tu vas raconter. <laughs> tu fais flipper. Inter, 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 sauf 18, sauf hein. que quand t'as as 19 ans. Ah et que t'es dans le sauna avec Jean-Pierre Papin, <laughs> toi, tu rentres, t'es en dans le son. Hein le Mais le mec, lui, il est rentré sont... tout nu, quoi. <laughs> C'était en autre époque. Mais c'est ton entraîneur. <laughs> tu tu penses pas que tu peux voir le truc de ton entraîneur. Ça va parler au Messia. Et l'entraîneur, <laughs> il est donc forcément tout nu. Il se met à côté de toi. Non, 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 non. Non, bah non, et je rentre pas. Il est sur la couille, bah ça bah va non, va comme ça va. Quand tu vois... <laughs> Mais le truc, le c'est truc, que, que le coach JPP, c'est... C'est encore, un... enfin, encore trop un joueur dans sa tête. Ouais. Tu vois, il avait. C'était. Euh... À l'entraînement, <laughs> il nous mettait des bicyclettes. Ah oui. Ah ouais. Tu vois, c'est pas, pas de la, la, oui, c c pas de la rigolade. Au ouais. tennis ballon, tu lui mettais un ballon, c'était papinade. Et il marquait des points que comme ça. Ouais. <laughs> tu vois, c'était euh... encore trop un joueur dans sa tête. Et donc, euh, voilà, on le voit arriver. Donc, on rentre avec Kevin, on... on va dans le truc. Et il disait la... il avait une petite. Pardon, coach. Il avait une petite. <laughs> euh... une petite manie. <laughs> ah. Non, un, un petit papa une manine comment on dit un, un petit euh... non pas un ticket un truc quelque chose que que, 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 que t'aimes bien et... ouais voilà un, et bah, il, lisait, il, il, il lisait union 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 <laughs> et moi je sais pas c'était quoi union <laughs> D'accord Et quand tu rentres et que tu vois Union, tu rentres dans un sauna et que tu sais que Union, c'est des trucs un petit peu osés, un petit peu X, tu vois, et que t'as 19 ans. C'est XX Union, tu vois ce que je veux dire. Tu et tu vois le coach, il est comme ça, avec... Ah, excusez-moi, ça, ça, truc à l'air, tu vois en train de lire son truc, machin. T'as 19 ans, tu ah, c'est ça les pros en fait. C'est ça les pros. Ah ouais. Mais après, en vrai... En vrai, tu peux dire ce que tu veux, la vie professionnelle, et ça reste quand même un truc qui est, qui est incroyable. Tu vis des sensations et des émotions ouais, grâce au football qui sont indescriptibles. C'est unique, C'est un milieu. Tu vois, c'est la chose qui te manque le plus quand tu arrêtes, il te manque deux choses quand tu arrêtes le football. Quand tu es dans un stade de foot. Tu vois, l'ambiance, les supporters, les supporters le truc qui te, font... qui te fait dresser les, dresser les poils et tout, mmh. qui te donne de la force. Et l'ambiance du vestiaire. Ouais. L'ambiance du vestiaire, c'est le truc qui te manque le plus. C'est les potes, le rigoler, les machins, le machin, le chambrer et tout ça. Mmh. Des fois, tu es au vestiaire avec des potes, tu restes, tu arrives, arrives le matin à 9h pour l'entraînement à 10h. Euh, l'entraînement est fini à, à midi, tu as fini tes soins et tout. Et bah, tu es posé des fois jusqu'à je sais pas quelle heure à discuter. Machin. Oh, tu dois les manger, hein mais non, tu es là, tu vas discuter, tu discutes, tu chambres, tu rigoles. Nanana, nanana, ou les soirs, quand tu es, es ouvert, mmh. quand tu es ouvert, bah, je commence à boire du café à cause de bon professionnel. Parce que quand tu es jeune, tu restes avec les anciens, les anciens ont plein d'anecdotes à te raconter, plein, 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 ouais. tu es en train de boire du café et tout. Mmh. Tu dis, moi, je ne vais pas boire un coca, j'ai pas le droit, tu vois. <laughs> Allez, vas-y, un café, un déca, un déca, et puis après, vous du coup, tu avec eux, tu bois ton café à 18-19 ans, tu commences à boire des cafés avec eux et tout. Et, euh, et je pense que c'est cette transmission qui, qui, euh, ça qui manque. C'est ça qui est génial. Est tu vois mmh. Par exemple, quand je suis au vestiaire avec mes joueurs aujourd'hui, après, c'est le monde amateur. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, quand c'est ton travail, c'est ton lieu de, c'est ton lieu de vie, ton lieu de travail. Quand tu arrives à l'entraînement, bah c est, c est, tu passes 90% du temps avec ces personnes-là, tu vois. Et ça, ça te manque. Ça, ça te manque. Tu connais tout sur tout, tout le monde, tu connais tous les machins, tous les trucs et tout. Tu vois, c'est. Et ça, c'est très, très, c'est le seul. Pour moi, c'est les choses qui manque le plus en tant que joueur de foot. C'est vraiment ça. tu es essaies de retrouver en tant qu'entraîneur, mais c'est différent. C'est différent. C'est différent. Déjà, un entraîneur. Parce qu'entraîneur, tu dois quand même mettre ta barrière avec les, les, les joueurs. C'est pas les joueurs. Ouais. Quoi, quoi. ouais et tu dois mettre ta barrière avec les, ouais les ouais joueurs ouais. même s'il y en a qui sont un peu plus avec, qui t'as plus de de relations et tout et tout t'as une barrière c'est forcément à mettre parce que un coach il peut pas être trop proche de ses joueurs ouais. il est très proche mais s'il n'a pas de limite euh, les joueurs ça reste, ouais, ça ça reste des humains s'ils peuvent te marcher dessus et te monter et tout nanana s'ils peuvent prendre les failles ils vont les rentrer donc t'es obligé de garder une certaine distance une certaine distance et tu comprends pourquoi avant nous les, les coachs en pro c'était comme ça moi je sais que par exemple Jackie du Pérou il pouvait euh, avec nous, les jeunes, est très très méchant. Et la seconde après, venir te taquer la tête, rigoler avec toi, te de faire des chambres et tout. Tu vois, c'est un ah, peu ce. Que tu ce, disais, ce... Tu comme ton père, ah quoi, oui. oui part, moi, moi pour moi, ça a été le coach, le, lui, lui Furlan. Ouais. Furlan encore plus, je pense, parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Ok. Vraiment, vraiment beaucoup appris. Mais parce que c'était, c'est un super coach. Il est juste ouf. Mais sinon, c'est un super coach. Il est génial. Et moi, j'avais une question pour euh, un peu terminer le ah. truc, mais. Pourquoi avoir pris, faire un retour à Tremblay en France Coach Parce que je suis de la ville et parce que je suis... Euh, J'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi aussi. J'arrivais en fin de contrat à Sedan. Euh, et l'opportunité s'est présentée à moi de devenir entraîneur. D'accord De prendre l'équipe première. Et je me suis dit, bon, est-ce que je suis prêt à y aller maintenant à entraîner ou est-ce que, veux -veux, est que je veux retourner pardon, sur un contrat de deux ans quelque part et tout, repartir avec toute la famille et tout, machin et là, tu arrives sur un contrat, enfin sur un endroit où tu peux te poser et avoir un projet de vie, chose qui m'était jamais arrivée dans ma vie depuis que j'ai, euh, bah, 14 ans en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est pas où tu vas en fait. Dans le foot, ouais. Tu vois, là, as une stabilité. T as une stabilité. Pas facile parce que es dans un endroit qui est compliqué, parce que tu es, 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 es dans un environnement qui est aussi pas facile et tout. Mmh. Pour mettre en place ce que tu veux, ça prend du temps. Pardon, ça prend du temps. Il faut pas que ça... bah, beaucoup de choses se passent. Mmh. Mais en fait, c'est un vrai kiff. Ouais. C'est un vrai kiff. Et quand j'aurai atteint les objectifs que je me suis fixé à moi personnellement, oui. ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Parce qu'en fait, la, ré la réalité des choses, c'est quoi J'ai eu une carrière professionnelle très bien. J'ai joué au foot très bien. J'ai été très bon, très bien. J'ai été très fort, très bien. Mais en vrai, on s'en fiche aujourd'hui. Ce que je veux là, oui. c'est transmettre. C'est ça. C'est la transmission. Aujourd'hui, tu te groupe, de quelle équipe Des seniors. Des seniors ouais. L'équipe première de ouais. club. Et vous jouez à quel niveau pour l'instant, je suis en R2, je suis bientôt en R3 parce que ça se passe très mal cette année. <laughs> ça se passe très très mal. Mais on va, on va rester en R2. Voilà, niveau régional, exactement. Okay. Non, non, c'est ça. Et je te dis, le plus important, c'est. Euh, Aujourd'hui, c'est que ce soit avec les seniors ou même avec les plus, les plus jeunes, c'est vraiment de transmettre des, des bonnes choses et des bonnes valeurs du football qui, selon moi, ont été euh, perdues pendant quelques années. Et là, tu vois quand même qu'il y a quand même pas mal d'anciens joueurs qui reviennent dans le, dans, dans le circuit amateur et on a un peu tous le même discours. La transmission, parce que. On a des valeurs peut-être que certains non pros n'ont pas eues. C'est des bons éducateurs des fois, mais ils ont d'autres façons de voir les choses. Nous, on n'est pas là pour l'argent. Ouais. Tu vois ouais. Moi, je suis pas là pour l'argent. Bien sûr que oui, que je travaille donc ça mérite un salaire et tout, c'est normal. Ouais. Mais ce c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de, de, de voir mes gamins évoluer. De, si j'ai la, la chance de pouvoir envoyer un ou deux jeunes en centre de formation, c'est ça, c'est ça mon kiff. Okay ça c'est pas autre chose Ce serait ça mon kiff donc voilà messieurs ouais, c'est beau c'est beau Abib toi as, toi as touché l'argent là juste une curiosité ah. le football il t'a donné la, la à niveau économique la, la tranquillité pour non. le reste de la vie non non parce que je pas gagné des millions j'ai fait mes j'ai fait des j'ai fait des investissements je ne suis pas je suis pas à la rue non, voilà, tout se passe bien, j'ai j'ai mes appartements, j'ai mes choses et tout ça, tout ce qui me de côté tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour que ton mais une fois que tu arrêtes le foot, ton train de vie il change. Tu vois Et à un, donné, quand, à un moment donné quand un moment quand la, la carrière avant a balbutie un petit peu, il bah faut les faut dépenser de l'argent. Mmh. Tu vois Et quand tu arrêtes le foot là, mmh. dans ton compte en banque, on dirait qu'il y a un trou. Ça part à la vitesse de la lumière. Ouais. À la si tu n'as pas été intelligent pendant les choses, pendant le truc, moi je me suis, je me suis euh, à l'époque où je jouais, au, au moment de mes premiers investissements, je me suis dit il faut que ces choses que j'investis ou que j'achète faut que soient payé le plus rapidement possible. Ça à dire que moi mes crédits, je les ai sur 10 ans. Entre 5, entre 5 et 10 ans à chaque fois. Mm -hmm. dit, pendant, pendant ta carrière. Exactement. Il de... faut, faut que fallait... pendant la carrière. Parce exact, après, il aura exactement. Pas de et quand à un moment donné, tu commences à sentir que c'est un peu plus compliqué de sortir 3 ou 4 000 euros par mois, ouais. tu vois, mmh. pour des crédits, pour des apports, pour machin. Parce que quand tu, quand tu gagnes euh, 50 ou 70 000 euros, 100 000 euros, 5 000 euros, c'est rien. Ouais. Mais Toi, quoi, quand met... il a pas. Ou quand tu gagnes 12 ou 13. Mmh. Quand tu reviens dans un club bon, en Ligue 2, on te propose de 13 ou 14 000 euros, machin, comment tu lui payes mmh. 4 000 euros, d'un tiers de ton salaire. C'est plus pareil. Tu vois mmh. Ou même quand tu gagnes 15 000 euros, même 20 000 euros, Allez, 20 000 euros, tu t'en sors, sors un quart de ton salaire. C'est pas la même chose, hein. ah C'est pour bon ça, tu vois, c'est si il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas, pas eu la chance de faire d'investissement ou qui ont mal, mal fait les choses. Mmh. Parce que tu fois, es, es, des fois es aussi aspiré dans, le, dans, dans cette spirale de dépenses, de football, de, de m'as vu, de montrer. Et j'ai la chance d'avoir jamais, jamais été comme ça. J'ai eu une voiture quand j'étais foot, j'ai eu trois voitures en joueur de foot. J'ai eu une 206 qu'on qui ont m'acheter première voiture. J'ai fait un accident, elle était euh, de devalée au marbre, donc impossible de la reprendre. J'ai dit à mon père, plus jamais je veux une voiture comme ça. J'ai eu une série 1 à l'époque, qui venait de sortir. Et après, j'ai mes enfants, j'ai acheté un Q7. Mon Q7, m'a duré 10 ans. J'ai jamais changé après. J'ai eu une grosse voiture, je sais bien comment j'ai Wesley, enfants. Ça sert pour amener de point A Exactement. point B. Exactement. Et plus Et rien. Il, avait, il avait c'est raison. C'est ça, tu veux quoi Tu veux montrer. Tu voulais m'acheter une Ferrari, une Porsche Ok, j'avais l'argent pour faire. J'avais l'argent. Et après, tu fais quoi Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui sont arrivées même ici au podcast qui ont dépensé. Et qui. Mais t'es obligé, t'es dedans. Ouais. T'es dedans. Faut avoir une bonne tête. Après, c'est ton entourage. Je pense que tes parents, ils ont été là aussi. Tes parents, ils sont là jusqu'à un certain moment. Une fois que tu arrives à 18-19 ans, ton père il te suit pendant toute ta carrière. Ouais, bon. ouais, ouais, quand ouais. même. Mais il après, toujours là. toujours là, mais à un moment donné, il prend plus de décisions, il te dit plus de trucs. Et puis tu as 20 oui, ans, 21 ans, tu grand, c'est différent. Ah. Tu vas dire oui, papa, quand il va te parler, tu vas te dire oui, mais en fait, toi, tu n'es pas avec moi tous les jours. Ah. Il sait pas ce que tu fais. Bah, oui. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu on a, on a interview de Neymar qu'il disait ça. Oui, là, c'est bon, j'ai 30 ans. Mais oui, J'ai pas besoin de oui. agence qui qu'il prenne les décisions pour moi. Je peux pas. J'ai envie Je de peux... prendre ma décision. Bien sûr. Toi, parce, parce que quand après... j'étais petit, mon père il était là, ok, des comptes. mais là, c'est bon. Là. Je suis un homme. Ouais. Je suis un homme, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ouais. Donc quoi ouais, tu restes mon père, tu restes euh, même mon père. Mais bon, et il t'aidait au début. Quoi, Bien tout. sûr, tu restes mon père pas. et tout. Mais après, mon, mon père, euh, euh, de lui-même, il s'est effacé. effacé. Oui, ah, oui, oui, oui. De lui-même, il s'est effacé. Il là, la, la sagette, ça Exactement. Dire, et il a... s'est dit, euh, apparemment, j'arrivais professionnel, il s'est dit, ça montre que je connais pas. Il était homme, quoi, en disant, voilà. Et... Tu vois, ce qu'il a fait pour les euh, pour les clubs, il a fait la même chose avec les agents. Avec les agents. Ça veut dire que mon, le téléphone chez moi il sonnait je sais pas 40 fois par jour. Des agents de, du monde entier, yeah. du monde entier, des anglais, des allemands, des espagnols, des français, tous les français machin. Nan, nan, et il a fait pas, il a fait pareil. Il a écrémé, il a écrémé, il a écrémé jusqu'au mec qui s'est dit voilà lui c'est la personne qui va qui va accompagner mon fils pendant quelques années. Et il s'est pas trompé parce que je pense que c'est l'agent le mieux que j'ai eu. Et après, bon, je, me je me suis fait mélanger la tête et tout, mais sur le coup, c'était l'agent le, 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 qui m'a le mieux servi. Okay. Tu, vois tu, tu gardes de bons rapports avec lui Je n'ai plus de rapports avec lui, mais si je, 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 je l'appelle pour un, pour un truc, quoi, il va répondre, il n'y a pas de souci. Après, c'est dur de garder des de relations de football. Hein. Oui. Attention, je les gars. Je pense qu'une fois que c'est fini. Euh... Très, très dur le raison de football. Hein. Même tes meilleurs potes quand tu es sur le terrain ou quoi, une fois que tu sors de là-bas, après, c'est plus la même chose. Hein. Ouais. Juste, tu changes de club, c'est plus pareil après déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, encore plus quand tu es plus dans le milieu. Quoi. Exactement. Dernière question, toi, où des, des expériences avec les médias Des invitations, pour participer, de comme Fatih, par exemple Ouais, j'ai fait, fait euh, il y a deux ans, je faisais, euh, faisais commentateur. Je faisais sur RMC, je faisais la, euh, la Ligue Europa. Euh, tout ça. Après, ils ont tout perdu, donc c'était compliqué. Ils ont, ils, ont, ils ont vachement écrémé après quand ils ont L'expérience, c'était bien hein, Ouais, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne élocution, bien parler. Et dire des choses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes. Ouais, c'est ça. ça le truc. Et puis après, le, la, là où moi je me différencie des, des, des autres à ce niveau-là, où, où je pense que j'aurais peut-être pu percer, mais je n'ai pas fait, c'est que moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Mmh, et bien. tu sais que c'est des choses qui comptent. Avoir des cool. followers, avoir des machins, des trucs. Et moi c'est un, un truc. Mais pas du tout. En fait, c'est tu sais que moi est beau, on rigole on dit putain tu as fait une photo là dessus mais ah, oui non mais c'est oh, exactement c est, c est ça c'est exactement ah, bon ça ah, ah, là, et as... par exemple tu vois Ricky toute ta vie du matin au soir Ricky les bravo à faire ça hein. <laughs> et depuis qu'on est tout petit <laughs> putain mais bien sûr Ricardo à ce niveau-là toujours été en avance <laughs> dans la com c'est un truc de ouf tu vois c'est vraiment son truc depuis tout le temps tout le temps tout le temps et des fois, on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais Ricardo et tout non mais là c'était bidon les Facebook les machins les trucs et tout nanana. Et au fur et à mesure du temps, bah ça, ça, a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et, euh, et après voilà, je pense que je, je vais pas regarder, mais dans une grosse communauté, je sais pas, je sais pas exactement, mmh. mais euh, ça est tout, il a toujours baigné dans ça, il a toujours bien aimé la relation, euh, la relation avec les, les gens, la relation avec les médias. Moi, l'aimais bien, mais directement. Une interview on va discuter, on va, on va parler et tout machin. Je, je suis assez loquent, je rigole et tout machin, c'est simple. Mais après, au-delà de ça, tu vas jamais me voir sur mon téléphone ou quoi. Faire... J'y pense même pas. <laughs> là, même pas tu météo. vois ce que je veux dire? J'y pense ouais. pas. C'est que même des fois, on me dit pour mon travail, fais-le, tu en aurais besoin, ce serait bien, mais en valeur ce que tu fais et tout. Hey, ça me saoule ouais. de prendre mon <laughs> téléphone et de filmer. Tu vois, hey, dirais un débile là. <laughs> mais c'est vrai, mais c'est comme quand tu vois, tu regardes les gens dans les concerts, dans les marais, ils sont tous là avec leur téléphone. Ah mais regarde avec tes yeux, regarde avec ton téléphone. Je m'en fous d'avoir une vidéo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, mes enfants, je les prends pas en vidéo, en photo. <laughs> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Tu ouais. T'oublie. Ouais. Si mon elle allait pas là pour me dire, hey, euh, hey, Donne-moi ton téléphone, fais, fais des photos, mais je fais pas. Des fois, je dis, 2017, oh là là, t'as grandi depuis. Euh... <laughs> t'as grandi, lui depuis. C'est comme, il est plus pareil. <rire> <Fortement>. <rire> Allez, on passe à l'équipe type. L'équipe type, je mets ça ici. Vas-y. C'est là pour gagner la Coupe ça. du Monde, quoi. L équipe l équipe pour type gagner pour... la Coupe ouais, du Monde. Ouais, c'est vraiment l'équipe, les, les personnes qui t'ont marqué ou euh, tes idoles. Peu importe, mais c'est une équipe qui doit gagner, en tout cas. Une équipe qui doit gagner Ouais, vraiment l'équipe les... de la Bible. Ouais, de ouais, le gardien. Le gardien, là. C'est celui ah, qui est en black, là. C'est ah, en black, ouais, là, il, est, il est là. C'est en black Non, Ce sera Didi Bouffon. Il a déjà avancé le gardien. Ah oui. Bouffon. C'est normal. Tu n'as <laughs> jamais joué contre lui. Bouffonne non, non, non. Mais c'est Buffon, ouais. ouais Bouffon, La gauche, la droite. Très, très, très problème à ça. Je peux dire que ça arrivait beaucoup de fois sur le terrain. Mm. Où je disais à mon 6, attention à gauche C'était à droite. Parce que j'ai un problème entre <laughs> la gauche et la droite. <laughs> ça, ça m'arrive beaucoup de fois ça. à ça <laughs> gauche. Remonte Carlos. Ah. Normal. Normal. Mm. Ça, fait, ça fait longtemps qu'il revient lui. Mon frère. Cafou. <laughs> Quand même. Nesta. Ouais, c'est propre. Walter Samuel. Regarde Fatih, mon pote. Rick, il ouais. est dans la Kung Fu. Et Rick, on t'attend ici aussi. Ouais, Ricky Fatih. Javi. Son frère. Je j'hésite <laughs> parce que si tu mets l'autre, t'es obligé mettre l'autre. J'hésite. Si tu mets un, tu mets l'autre. Mais je pourrais dédicacer à Abu Dhabi aussi, c'est pour ça. Ah ah tu vois, ah je pourrais dédicacer à Abu Dhabi. Ah mais après, on dit une, une équipe qui va gagner. Donc, non on regarde Cardo vous de gagner. Regarde, désolé, mais ça n'était plus là. Parce que on doit gagner, on a dit. On doit gagner. Donc là, si je dois gagner, ici, je mets euh, pas de Vira. Ah ah. Pas de Vira, Chavi. Et je pense que tactiquement, là t'as un créateur, t'as un récupérateur, on mais t'as un mec qui cavale ici. Franck Lampard. Lampard. R9. Et j'ai plus besoin d'aller plus loin après. <laughs> Avec lui, il peut tout faire. Jamais rencontré lui. Non. As jamais été. Ah, non, non, euh, non. Non. Ah. Côté droite, Zizou. Ah, tu m'as dit mis... ah. ok, tu vas jouer comme ça. R9 Messi. Et je joue jamais en losange. Hein. Je joue jamais en losange. Mais ouais, je pense que ce serait comme ça. Ouais. R9 Messi, Il a placé Zizou en si 10. Dit... Zizou, ouais. Zizou en 10. Tu Zizou. as déjà vu Zizou Ouais. Ah, j'étais à on le voyait tout le temps. Ouais. Ah oui. Dès qu'il venait... Euh... C est, c est, c est... Bah Zizou, c'est Zizou. Hein. Après, tu vois, pour avoir un débat un jour peut-être quelqu'un, qui est plus fort entre Zizou et, et Chavi Chavi au niveau de la carrière, il a plus de titres, il a plus de passes, il a plus de buts, il a plus de tout. Est-ce que tu sais ça ouais. euh... Ah oui, ça. Au niveau de la carrière, il a plus de tout. Est-ce ah ouais. beaucoup plus élégant Mais au niveau statistique, il est largement au-dessus, Charlie. En fait, je pense que ce même pas des statistiques, c'est juste qu'il était efficace aussi. Et il avait une équipe aussi pour. Oui, mais c'est facile de dire que le Barça avait une équipe pour. Mais, non, mais fait, ils, ai... ils équipe, étaient ça tous veut forts, dire en fait. que... Non, mais quand je dis une équipe, ça veut dire que tous, ils rentraient dans l'équipe. Oui. c'est parce qu'en fait ils avaient des grosses qualités mais c'est mais c'est pas que c'est vrai c'est vraiment incroyable tu regardes des fois tu je sais pas des fois les vidéos ils passent et tout tu regardes un peu le, le ouais. son approche du football avec comment il anticipe les, les deuxièmes, troisièmes troisième appel. Ouais. mais c'est incroyable ouais. ce qu'il fait ah oui, mais... c'était incroyable vraiment ouais. après je pense que ça, c'est un petit peu de chauvinisme de français algérien, tu vois. Enfin, le français reste Opinion euh, algérienne. <laughs> tu vois, faut quand même qu'on dédicace, c'est normal. C'est ces aspects-là qui reviennent. Voilà, c'est ah. normal. C'est normal. <laughs> Parce que Zizou, c'était. Mais Xavi, incroyable. Et là, là, Franck Lampard à son prime, j'aimais énormément. Ouais. J'ai marqué beaucoup de buts avec la Play. Il des grosses frappes à la PlayStation. <laughs> sur, Fiche, sur FIFA à l'époque, il y des grosses frappes. Après, Messi. Boiron, euh... allez, on envoie. Exactement, Messi, on va en parler. Et puis. Euh... Je pense que lui, s'il si avait pas eu ses blessures, ça aurait été le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, complètement. R9, c'est. Euh, complètement. Incroyable. Faire. Voilà, messieurs. Voilà. Ce fut Mais un plaisir. Oh là, là enfin, Juste, on a question vite fait pour finaliser. Mm -hmm. Tu préfères jouer avec un 6 d'avant toi ou deux Un. Pourquoi euh, Ça dépend. Tu vois, par exemple, j'aime bien avoir ce carré-là. Oui. Après, généralement, ce, celui-là que je mets en 6 tout seul, c'est quand on le met en 6 tout seul. C'est parce que c'est quelqu'un qui, pour s'exprimer, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui. Tu ouais, vois Ouais. Celui que tu mets en 6 tout seul, quelqu'un qui va être capable d'aller à droite, capable d'aller à gauche, et capable de, pour, pour, son ex, pour que lui s'exprime au meilleur de ses, de, de, de ses capacités, qu'il soit tout seul. Par exemple, dans mon équipe, j'ai un 6. Quand, quand je le mets comme ça, il est bon. Hein Mais quand je le mets comme ça, il est meilleur. Parce ouais, qu'il ça est dépend des Ça dépend des joueurs que tu moi, je, Moi, je joue comme et ça. Genre, je, je, exactement. l'espace, je sais. Exactement, genre 4-3-3. Mmh. Tu vois J'aime bien jouer. J'ai même joué comme ça, avec les deux joueurs à l'intérieur ici lui là pour qu'après ici ça euh, sorte sur les côtés mmh. et ici à l'intérieur il soit euh, il soit les, les, les latéraux ils savent pas s'ils sortent sur lui ou s'ils sortent sur les sur le latéral ici ou toi j'aime bien jouer comme ça okay. mais là celui que tu mets là là mmh. les, les défenseurs les l'intérieur mmh. ils sont exactement ils savent pas est va, où est ce qu'il va exactement vas. alors que lui là quand tu mets un 6 tout seul c'est un mec que tu sais que tout seul il va il va contrôler il va contrôler ses courses là il va contrôler ses courses là il va être capable de venir ici pour faire une défense à 3 mais lui, là, c'est ton cerveau. Si tu regardes bien, Pirlo qui jouait là, était tout seul. Pourtant, c'était pas encore récupérateur de ballon, Pirlo. Mais ça jouait tout seul. capable de contrôler tout cet espace ici, là toute cette zone. Parce que c'était. Après, t'as qui qui joue en 6 Qui joue Rodri. Maintenant, des fois, il met un peu Stones à côté, tu vois. Mais au départ, il était tout seul, Rodri. C'est Rodri, Bousquet. C'est des mecs, c'est tout seul ici. Mais par contre, il contrôle toute cette zone toute cette zone et à deux et ne bah, je suis pas sûr qu'ils auraient la même la même efficacité comme ça T'sais, avec un disque comme ça là. non parce que eux, ils ont besoin de récupérer et de toucher exactement c'est à dire que si tu as quelqu'un à côté de lui ça va beaucoup jouer latéral en fait oui ils aiment, ils aiment pas ça cest qu'ils ont cette capacité en fait à prendre et aller chercher un espace où ils vont toucher quelqu'un et, si, mmh. ouais. et puis surtout trouver tu cette passe vers l'avant en fait quand je mets quand je mets quand je mets deux 6 comme ça mmh. donc là j'ai mon 6 et là j'ai mon 8 et bah souvent moi je dis toi t'es es le Ouais, c'est celui qui c est qui libre, quoi. Tu qu va te... faire le box-to-box ou pas tout reste, toi, tu restes. Toi, tu viens, tu fais ton truc. deuxième. Parce que parce qu des fois, tu vois, je contre un triangle inversé, toi aussi, donc tu vas t'adapter. Tu mm. Parce qu'eux, ils ont 2-8. Alors, soit tu mets, tu mets là pour te et... dire, hé, hey, après, on est en, on est en train de... 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 de travailler, nous, avec le ballon. Mm. Eh, dégage. Ouais. Dégage, dégage. Viens, sors de là. Sors de là. Mm. Voilà, laisse-le lui tout seul ici. Et c'est beaucoup plus simple pour Truc Pour après, on sur les. Parce qu'en phase offensive, t'es en 3-4-3. Oui, mm. tu vois. 3, il est à cette liberté-là. Exactement. exactement oui. Lui qui n'est pas trop malin, trop à trop de se mettre là. Et là, en 3-4-3, tu te mets ça et eux et eux, c'est eux qui pas trop C'est cool curieux comment il bouge le, le gardien, direct. Mmh. Hein. Oui, parce qu'il qu est parti pour fois. Mmh. Oui, non, il a raison. Le gardien, c'est un oui, joueur en Il a plus. raison. Oui. C'est ton bloc. Mais dès que tu l'as mis sous la ligne, là… Mais il est avancé direct. C'est la première chose qu'il a fait. Et personne n'a fait le haut ça jusqu'à niveau jusqu maintenant, non, je pense. Ouais, non, mais bloc. ça, je pense que c'est la pensée de haut au niveau, c'est-à-dire ah. que les, les gardiens sont intégrés dans le jeu. Ah, c'est-à-dire que dans leur euh... Il faut, il faut pas que ce soit trop bête, parce que là, rien il, à il, dire. Peut, il peut se mettre, il peut se mettre là, il peut se faire voler, il peut se faire lober. Mais ton gardien, ouais. il faut, faut qu'il soit, qu'il soit ah ouais. sur ton bloc. Si toi envie de jouer haut, et tu as un gardien qui est là, ben bah, mon gars, tu imagines là, les 50 joueurs. mètres oh. que tu leur laisses là Ah non, 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 non. Moi j'en profite chez les armateurs. c'est juste curieux parce que toutes les personnes qui sont venues ici, moi j'ai pas de souvenir que quelqu'un a bougé le gardien pas mis sous la ligne, il est resté sur la ligne. Après Après, direct, je pense, as avancé, as je pense que c'est dû aussi ouais, à son poste à Habib dans le sens où là on parle du bloc là ici. Pfff. Lui il est plus proche non, mais de son gardien, ah, oui. ça veut dire que toi tu as une grosse com' avec ton gardien. Exactement. Donc c'est ce qui fait que... Là. Moi j'étais là, ça c'est mon poste voilà. à 3, c'est mon poste préférentiel. Donc ici, ça ouais. veut dire que lui il a une grosse com' avec son non, gardien. Là, hein. Ah oui, exactement. Ça veut dire cette première relance ou même parfois euh, le gardien il a le ballon, lui il va s'intercaler un peu, lui va monter un tout petit peu là-bas. Ou ça soit cela, lui l'avenir là, Exactement. pour venir faire cette première passe là. Ça s'est joué beaucoup avec le gardien dans ton époque. Euh... <laughs> Au début peut-être. Ça a pas beaucoup. Ça a commencé. Voilà. Moi j'ai commencé à jouer en 2006, ouais, ouais. tu vois, donc ça commençait déjà. Il fallait que le ouais, gardien. Ouais, ouais. On avait Stéphane Kassar qui était, qui était, euh, qui était euh, le goal. Il, Il était souvent à l'intérieur des jeux. Mm -hmm. Tu vois. Pour travailler sa technique Partirer, et tout machin. Euh... Après bah, le pied c'était des belles relances, des machins, tout ça, tu vois. C'est propre... beaucoup moins que maintenant. Parce oui. que maintenant, des fois, je pense que c'est un peu abusé. Parce que des fois, maintenant, ils cherchent plus le gardien qui est bon au pied que bon à la main. Mais à la base, un gardien, il doit arrêter des buts. Alors, moi, je sais, par exemple, en amateur, on me dit Ouais, il faut que tu sois bon ton goal. Et Je, je m'en fous. Moi, je prends pas le barre en amateur. Mon gardien, c'est la première, première chose du gardien C'est mmh. arrête les buts. Je ne sais pas, de mentir, Sinon, je On verra. Et... Après, on verra. Comme les défenseurs ici, qui ont les numéros, je leur dis la même chose Je dis Vous, vous êtes 4 et 5. Enfin, 4 et 5. Vous passez 8 et 10. Donc mmh. fait un travail de 4 et de 5. Ça c'est dur les gars chez les amateurs. C'est très ouais. très dur. Ouais c'est ça. C'est très très dur. Mais ouais c'est vrai que c'est ce système là en 3-4-3 là j'aime bien. Mmh. Et c'était Nagelsmann qui le faisait bien à Salzbourg. à ah, Leipzig. Leipzig. ouais. 4-4-3. Et toujours avec tes 3-4-3. Toujours avec mmh. un carré au milieu. Hum? Toujours avec un carré comme ça. Au et milieu. bah ce carré au milieu. Tu vois Si t'as 3 ici, t'es en super numérique. Parce qu'en fait, eux, ce que je leur dis, vous êtes euh, des relayeurs. En phase def. Ouais. En phase off, vous êtes des offensifs. Mais en phase def, vous êtes des relayeurs. Donc ça veut dire que quand ça se décale sur les côtés, hop, toi, tu viens ici. Pour faire la 6. Et toi, tu viens ici. Lui, après, il fait son travail ici, tu vois. Et là, on est capable de fermer, de fermer, de fermer. Il faut que ces deux-là, ils arrivent bien à faire ce, cette course-là. Parce qu'après tu peux aussi être là et faire ton attaque. C'est presque deux-six c'est quoi mmh. de... ouais, ça. Exactement Ah la tactique c'est trop génial bien. Je... Et je... Ouais, je pense que chez les... avec les Guardiola et tout ça, ça doit être <laughs> Ils doivent te faire mal à la tête mais ça doit être un, ça doit être un vrai kiff Je pense que les bats de toute façon tu vois bien hein, C'est comme un peu au basket Tu vois, tous ceux qui ont été avec Popovic C'est devenu des bons entraîneurs Et bah tous les mecs qui étaient avec Guardiola ça sort, des, ça sort des, des, des bons coachs aussi, tu vois. Ouais, ça. Je pense qu'il leur, leur apprend vachement, ah. vachement vachement, vachement bien le, ah, le football. Non, ah, bien il faut que tu parles. Ah, mais c'est 23h, j'avais dit 22h30 à la nounou. Je suis. Dans le merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci, merci beaucoup, beaucoup à toi pour le partage. Qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter de mieux et de meilleur pour la suite De mieux et de meilleur euh, Déjà, pas de ne de, de pas, de pas descendre cette année en au foot hein parce que sinon ça ça met en lire pas mal de choses de, dans le travail ouais. mais euh, non non de la réussite de la réussite sportive et la santé la santé fait. pour mes enfants ma famille et, et moi parce que sans la santé on peut, on peut tout Il faire si on n'a pas ça on peut rien faire c'est vraiment le plus important et j'ai pas besoin d'argent j'ai pas besoin de trucs je vis bien aujourd'hui merci grâce à Dieu et, et c'est ce qui est de plus important toi, d'être heureux d'avoir la paix. <laughs> tu vois, c'est ça le plus important, je pense. C'est très point. important. C'était un, un, un plaisir de t'avoir. Merci. C'était un plaisir d'être venu avec toi. C'était un plaisir d'être venu. Quel contenu, hein Superbe. Quel Superbe. podcast. Superbe. Merci, monsieur. On pourra demander juste une chose à les personnes qui sont là de l'autre côté. d'ici abonner abonnez-vous. Oh, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah. On va discuter Abonnez-vous. Suis <laughs> Arena abonnez Podcast sur les réseaux <laughs> sociaux. Partagez ces contenus. Et voilà, c'est tout. On ne bon demande bientôt. pas beaucoup. Merci à vous bon. les gars. Merci, bon merci. 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 À bientôt. Habib, encore. Au merci. Plaisir. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. ciao. Au revoir. Ciao.